Et bonsoir les humains, bonjour comme on dit, oui parce qu'en ce moment, euh, avec euh, le rallongement des jours, eh bien la nuit arrive un peu plus tard. Il fait encore jour, il est 17h30, 38 même, j'ai un peu de retard, je suis désolé. Ouh. Et euh, <coughs> eh bien il fait encore jour, eh bien, joli ciel bleu encore. Le soleil n'est pas encore couché là où je suis. Il y a encore une très jolie lumière de soleil rasant. Hier... Euh, non, pas hier, avant-hier. Pardon. Ben alors, alors avant-hier et hier. <laughs> avant-hier et hier, j'ai fait ma première sortie astro. Donc j'étais très content parce que je vais dans le coin où je suis, il y a, il y a un observatoire d'astrophysique. Ainsi qu'une association d'astronomes amateurs. Ils font des photos, voilà ou des beautés. Les mecs font des photos à, à tomber par terre. Donc, j'ai eu euh, le bonheur de regarder Jupiter M57 ou oh, Mets Culture cheered. Merci beaucoup. Hum, j'ai eu de, quelques, quelques, quelques constellations, quelques, enfin, pas constellations, quelques amas. Quelques âmes à disperser, quelques planètes, on a regardé Mars. J'ai euh, regardé quoi Jupiter aussi. des chouette. Voilà, de, quelques trucs comme ça. C'est la première fois que tu mets vraiment ton nez dans une lunette, enfin ton œil dans un œilton. Et tu t'amuses à tout mettre que je suis un peu miro aussi. Tu t'amuses à, à tripoter des boutons pour faire le point. C'est toujours assez fascinant. C'est très rigolo aussi, c'est de dire bon, on va pointer quoi. On va essayer de trouver celle-là. Oh, tu es là avec ton viseur. Tu essaies de bouger le tube comme il faut. Et puis euh, non, je suis assez content. Je, 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 je suis pas. Je suis pour, pour une première fois, je me suis pas mal démerdé sur les pointages. Je, je me suis pas trop planté. C'était assez gros. Bon, le souvenir principal, c'est que j'avais froid aux pieds. J'ai je, je, pas pris les bonnes chaussettes. J'avais les bonnes chaussures. Parce que j'étais dans, dans, dans un endroit, une région où il y a encore 35 30, 30, cm de neige, hein, quand même. Et comme il a fait très très froid, en plus, c'est une neige qui a gelé. Donc. Euh, je... bon. Voilà. Et, euh, et, et, et voilà. Et donc, euh, donc j'étais monté un petit peu en hauteur, voir euh, donc des gens qui font partie de la même association d'astros, euh, voilà, dont, dont je fais partie maintenant désormais. Et alors j'ai pas encore un instrument, j'y songe, Parce que ça, ça donne quand même vachement envie, quand tu pointes ta lunette et que tu vois des trucs que, que tu peux pas voir normalement, même avec des grosses jumelles, euh, voilà. Déjà, alors ouais, alors, si vous avez l'occasion, ne serait-ce que d'acheter des bonnes grosses jumelles, honnêtement, juste pour regarder la lune, avec de bonnes jumelles, avec un pied, histoire de pas trop bouger, honnêtement c'est déjà un spectacle assez fascinant. Enfin, en tout cas, je... Voilà. Ceci dit, moi j'ai toujours été assez fasciné par euh, l'espace. Je me souviens très très bien. Euh, je me souvi... Alors j'ai des souvenirs épars de. Alors il doit y avoir une partie reconstituée. Mais je me souviens quand même très clairement de ma mère me réveillant, me sortant du lit et m'amenant dans la cuisine. Parce que sur le frigidaire il y avait un petit poste télé, grand comme ça, noir et blanc. À peu près grand comme ça, et je me souviens très très bien. Ce... Voilà, c'était euh, juillet 69, et je me souviens très très bien d'avoir tout d'un coup réalisé que les, les mecs là dans, la, dans le petit carreau ils étaient là-haut en face, <laughs> je à la fenêtre de la cuisine. Il y avait la lune, je, 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 ils sont là-haut. Je, je, voilà, je, ça je m'en souviens. Voilà. Je ne me souviens pas de grand-chose, mais ça, je m'en souviens. Deuxième... Euh, deuxième grand souvenir, d'atterrissage l'atterrissage de Viking 1 en 76. Premier atterrissage sur Mars. Qui était quand même un truc assez phénoménal, il faut le dire. Et donc... Euh, voilà. J'ai toujours été fasciné par l'espace, etc. En plus, mon, mon père était pilote d'avion. Voilà, il avait travaillé dans l'aéronautique aussi. Donc, euh, bon... Enfin, elle était un peu. Euh, un, un peu souvent le nez en l'air hein, dans la famille. Et c'est aussi là que je me suis rendu compte que euh, j'avais je, je, vraiment plus les yeux de quand j'étais enfant parce que les Pléiades, comme je les voyais quand j'étais petit, je pouvais les compter. Là, euh, <laughs> même avec mes lunettes. Les Pléiades, je ne peux pas les compter. Je vois un espèce d'amas euh, vaguement plus ou moins flou. Je, je sais que, que c'est ça parce que je, je sais destituer. Euh, dans le ciel, mais je suis incapable de les distinguer réellement, soyons clairs. Donc euh, voilà, c'était un vrai, euh, c'était un vrai truc chouette de, de, de tourner un un télescope euh, et, euh, par là, et puis de les voir. Je me dis, oh la vache, ah oui, bon, c'est impressionnant. C'est aussi impressionnant de de, de, de de regarder dans là où il n'y a pas d'étoiles et puis de voir un, un nuage. Et tu te rends compte que c'est un nuage de gaz et que le truc de faire quelques milliers d'années-lumière en taille. Ah ouais Bon, c'est assez impressionnant. Bon, eh bah ben ça fait plaisir de vous retrouver. Euh, a priori, nous n'avons pas d'invités aujourd'hui. Voilà. Mais j'ai vu passer, je, je me sont passés sous le nez quelques articles et petites choses. Euh, pendant la semaine, et je, je me suis dit que bon, voilà, on allait euh, lire des articles ensemble, peut-être même regarder une vidéo à propos de l'existence des géants. Hmm Ça, on avait les humains qui, euh, on, on a eu les humains qui, 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 qui marchaient avec les dinos. Nos Québécois, nos québécois euh, nos cré créationnistes. Du côté de l'islam, c'est pas mal non plus dans le genre. <laughs> Il y a des gens gentiment allumés <laughs> et qui, qui ont des problèmes font des problèmes de notion de temps <laughs> aussi et de et qui et qui ne, savent, ne connaissent pas Photoshop. Voilà. Bien donc le classement pour aujourd'hui parce que nous allons je vais mettre en place. Vraiment, on va commencer un championnat des, des présentiels. Donc, en fait, voilà. Donc, le live commence. Les trois premiers sont sur le podium. D'accord Donc, pole position, deux, trois. Voilà. Et on va donner des points. Et puis, euh, on, va, on, va, on va faire un championnat. Je ne sais pas sur combien de semaines, euh, voilà. sur combien de mois on va faire un championnat, sur combien de, de lives exactement on est en train de discuter ça avec mon ange Gabriel et, euh, et puis euh, et puis bah on va on va on va on va mettre en place des récompenses alors je sais pas quelles seront les récompenses hein. euh, euh, commencez pas à vous attaquer à ma vertu hein. ça, ça, ça ça marchera pas mais ce serait sympa essayer d'organiser je sais pas une une rencontre euh, avec, je ne sais pas, participer à un tournage, machin, je sais pas. Je sais, bah, lancez des idées, ce qui vous ferait plaisir. Laissez ça sur le Discord. Envoyez-moi des mails aussi, n'hésitez hein, pas. Moi, j'aime bien recevoir des mails, c'est gentil, j'aime bien. Même d'insultes, hein. on pense à moi. <laughs> voilà. Et... Et, et, et de... oh, merci, Smiriane. C'est très gentil. Et donc, ben, on, on, on va voir ça comme ça. Et, et, et alors, aujourd'hui, les trois premiers, en pole position, nous avons Salopette Noire, toujours partante. En seconde, alors, je ne compte, je, 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 je compte pas Gabriel. Je ne compte pas Gabriel parce que euh, c'est parce, parce de la triche. Gabriel c'est euh, la voiture de sécurité donc il est déjà sorti quoi. Je, je, voilà donc, euh, et pourtant je devrais parce que en même temps c'est mon ange gardien et en même temps il me donne de l'argent <laughs> j'aime ce garçon c'est <laughs> vraiment c'est trop gentil euh, donc je ne le compte pas mais de toute façon mention spéciale à, 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 à Gabriel, dont Space Monkey hein, si vous avez l'occasion, chaque fois que vous le voyez s'il vous plaît remerciez-le parce que bah, vous avez vu là les, 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 nouveaux, les nouvelles animations qui disent euh, oui ça y est il, 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 il vient de s'abonner ou tout ça etc, bah, c'est lui qui les fait quoi, euh, voilà donc euh, il est formidable il est gentil, il est compétent il est patient avec moi parce que je suis un vieux qui ne comprend rien. Il faut toujours lui expliquer trois fois. Donc, dès que vous voyez passer euh, Space Monkey, euh, vous lui faites des bisous, des câlins, euh, des poutous. Voilà, c'est ce qu'il acceptera que vous lui fassiez. Mais euh, voilà, montrez-lui de l'affection. Il le mérite vraiment beaucoup. En seconde, nous avons donc Minardi de 2016. Yo Bravo Et en trois, Kalnos. Bon. Pas très bien voilà donc j'ai pas les temps d'arriver hein, mais j'ai l'impression que jim Holden était mais vraiment mais à deux dixièmes de seconde de kalnos quoi je veux dire, vraiment ça s'est joué à vraiment c'est pas lourd quoi ce, 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 ce serait marrant ce serait marrant d'avoir les, les heures d'arrivée je sais pas si on peut euh, peut avoir ce genre d'information je vais demander à Gabriel voilà, mais donc merci à tous d'être là, donc Jim Holden, Aaron Deal, Jack Harpers, bravo, Greg, Greg MTHZ, euh, Alphitcat, euh, Will, 1074, on retrouve tous les grands fidèles, merci beaucoup, Sorcière évidemment qui va nous sortir, toujours ces, ces bons mots, ces blagues, ces blagues débiles que j'adore, c'est <laughs> toujours... Pinpoint. <laughs> Asiline, euh, voilà, euh, mat culture, bienvenue, bonjour, première apparition dans le chat. Euh, euh, Antonin, 555, euh, euh, Alors, math culture qui me demande, bonjour, un du à, thé, à quand la vidéo sur l'endoctrinage des enfants Alors, l'endoctrinage peut-être pas, l'endoctrinement euh, sûrement. Mmh. Euh, bah en fait on pourrait dire que presque chaque oui il faudrait que je fasse un sujet spécial là dessus c'est une bonne idée absolument moi je peux voir Orion depuis mon balcon bah, oui mais bien sûr tout le monde peut voir Orion c'est facile c'est les trois qui sont alignés vous regardez le ciel en ce moment quand vous, euh, quand vous regardez le ciel en ce moment voilà. Je, je, euh, en début de soirée, aux alentours de 8h30, 9h, vous regardez vers le sud, et normalement, vous avez trois, euh, vous en avez trois qui sont alignés comme ça, de, un peu de travers, puis il y en a trois en dessous aussi. Donc les trois comme ça, là, c'est Orion. Elles sont faciles à repérer, franchement, elles sont bien brillantes et tout. Euh, normalement, vous devriez facilement les voir. The Curly Power. Alors, oui j'ai une descente absolument extraordinaire, mais ce n'est pas du whisky. Alors parfois il y a du whisky dans la boisson, mais euh, bon, les, les indices vous expliqueront, c'est un cocktail de ma composition. Euh, pa -pa 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 -pa. Alors, hum, bonjour Astro, euh, bonjour Astro, j'ai entendu Gastro, mais non. <laughs> The Last Doctor, enfin je chope le début, bravo. <laughs> Bienvenue. Euh, Jacques-Louis, salut. Simon Louvel, bonjour. Lothard, le Sacré Lascar, évidemment. Collide03, bonsoir. LameFR, bonjour. Premier utilisateur, première utilisation du chat. Ça veut dire que la personne est inscrite depuis un petit moment. Merci de votre civilité. Alors sorcière, franchement, va, va falloir se mettre d'accord. Tu dis, Cyclope ne peut pas venir, il dort, il est fatigué et eux. On en apprend de belles sur votre vie intime. <laughs> ah, ah, je vois. Je, voilà. Ok. Donc, il euh, y a eu la correction avant que je le dise. Je n'avais pas vu la correction en dessous. Mais... Euh... Je sais pas pourquoi. <laughs> Il n'a pas voulu venir notre super débatteur de Twitter qui a 60 abos. J'en ai tellement des, des super débatteurs de Twitter qui ne viennent jamais ici. C'est toujours des extraordinairement grandes gueules. Et ils ne, ils ne viennent jamais. Ils ne viennent jamais, c'est désespérant, c'est très triste. Ils, ils, sont, ils sont incapables de, de joindre la parole au geste. Sur Twitter, c'est plein de retombantes, de, de grandes déclarations, de ⁇ Ouais, je vais te plier, je vais t'humilier ⁇ Tu viens discuter euh, J'ai piscine. Il y en a un, il n'y a pas longtemps, euh, il y a plus de deux semaines, <coughs> je lui avais dit ⁇ Est-ce que tu peux euh, répondre à cette question euh, ?⁇ euh, Selon le Coran, est-ce que la Terre est plate ou pas Ronde ou plate ?⁇ Et je lui avais communiqué une vidéo. D'un type qui sortait des tas de hadiths, de, 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 de démonstrations très savantes de, 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 de grands savants de l'islam, hein, c'est comme ça qu'on dit, enfin bon, des exégètes et des, et des théologiens qui expliquaient que selon le Coran, la terre était plate. Voilà. Et donc je lui ai demandé s'il pouvait réfuter le fait que selon le Coran, la terre était plate. Et il me dit euh, « Ouais, il euh, faut que je vois, euh, je te réponds euh, demain ou, ou après-demain. » Voilà, c'était il y a près de deux semaines. Voilà. C'est un exemple assez typique. Voilà, il passe systématiquement dans les tunnels. Hum, J'ai l'apéritif de midi qui tape encore fort malgré le coma de mi-journée. D'accord, l'existence des quoi L'existence des géants. J'ai dit des, des gens qui font euh, 15, 20 mètres, peut-être avoir 30 comme Adam, qui faisait 36 mètres apparemment. Voilà. Bruno, coucou Qu'est-ce qui. Euh, Westbot, il y a truc, il y a le modérateur qui a. Hop La communauté. Space Monkey offre un abonnement de niveau 1 à la communauté d'un irréductible. Voilà. Quand je vous dis que Gabriel est un garçon formidable, épatant, gentil, généreux, tout ça. Euh, je vous mens pas. Voilà, démonstration. Bon, de manière platonique, hein, mais je t'aime, mec. Vraiment, ce type est formidable. J'adore ce garçon. Hum... Hum... Ah, je compte pas, moi, et mon cadeau. Je... Je... Mais je ne je l'avais pas vu passer, Choupinet. Tu vois, là, je, je le vois. Je j'ai pas vu. Euh... J'ai pas vu la bluche. ou alors je l'ai vu passer, mais j'étais en train de réfléchir et j'ai pas le euh, truc. Tu vois je, mais je, 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 je ne te néglige pas, je, je, voilà. voilà <laughs> Un Bruno qui veut ma vertu. Mais, dis donc, mais non <laughs> Ah, c'est ça le peine noir qui veut ma vertu Ah Non, mais ça m'embête de privilégier. Faut, faut, faut pas. Bon. Et mon cadeau, Bible Thump, c'est quoi Bible Thump, tu, tu, tu. mon cadeau, Bible Thump, c'est quoi Bible Thump, c'est quoi J'ai rien compris. Hum. Euh, euh, bref, Calno, c'est Minardi, bravo. Oh euh, là, ah, Dieu fastidieux Bonjour du Québec C'est très gentil d'être là aussitôt, est, parce que, ouais, 11h du matin quand même, hein. Enfin, midi. Pas t'empêcher de manger non plus. Mais je sais pas, est-ce que Est-ce que... Alors. Est-ce que vous déjeunez ou vous dînez tôt À midi, vous déjeunez ou vous dînez Parce que je ne sais plus. Le matin c'est déjeuner. Et puis euh, midi et soir, c'est dîner, dîner. Je ne sais plus. Il enfin, n'y a, a pas une différence ah, t'as les heures d'arrivée Ah alors, non, mais les heures, mais est-ce que t'as est les secondes Bonsoir, Axas, et bienvenue pour la première fois sur le chat. Un sujet sur Gaïa Ah non, non, non. Euh, que l'hiver orient on regarde surtout Beltéguse en haut à droite. Ouais, C'est ça. Hop, « Hop, hop, bonsoir Collade, le chat ne serait pas le même sans sorcière Axolot. » Bien sûr, évidemment, quand elle n'est pas là, nous sommes, nous sommes en manque de blagues. Il enfin, y, y, y a des esprits frappeurs hein, dans le chat, hein. vous, vous êtes tous assez vifs, il hein, faut, 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 faut le dire. Mais c'est vrai que quand elle n'est pas là, ça se sent. Je, euh... <laughs> je vous interdis de faire un short avec ça <laughs> Euh, promis, je ne mentionnerai pas Normand L'Amour aujourd'hui. Non, non, mais j'ai regardé un petit extrait de Normand L'Amour qui dit j'avais je, 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 vu la vidéo que tu avais, euh, avais, avais posté, j'ai vu un petit bout où, où il explique que tu le sens bien, tu le sens bien l'esprit saint, tu le sens l'esprit saint qui passe à travers moi. C'était énorme. Euh, Sébastien a déjà fait un résumé euh, Ouais, j'attendais. Euh... Ah, bah, on peut peut-être regarder. Le... Parce que justement, j'ai euh, un article de Marianne sur justement Grimaud. Euh, et euh, bah, si Sébastien a déjà fait euh, euh, une vidéo. En fait, j'attendais celle de, de Thomas, enfin, de, de, à Samandax. Euh, je vais tester les alettes de followers, ça ne tape pas ça fait de la merde. Mais tout ce que tu fais est formidable, mon, mon grand. Donc vas-y. Euh, un résumé, mes doigts ont trop un, enfin, un Ah ouais, non, décidément, tu en mode féminin euh, aujourd'hui, euh, sorcière. Mais c'est pas un humain, c'est Adam. C'est pas un humain, c'est Adam. Donc il avait un corps et un ADN parfait. Est-ce que tu n'as pas suivi ce que nous avait expliqué le père Horowitz essaie, essaie de suivre un petit peu. Hein Kalnos. Bon. Hum... Bah bah bah. Soutenu par des ballons comme le baron Harkonnen. <laughs> bon bah voilà, ça commence. <laughs> Je... Voilà, sorcière, voilà, je ne peux pas vous dire mieux. <laughs> Formidable. Ah, enfin, bon. <laughs> euh, les œufs d'autruche. Ah oui, oui la, la, la terre en forme d'œuf d'autruche, ça aussi c'est bien. Quoi, je n'ai rien demandé, moi, sur votre vertu, c'est Bruno qui demande. Ah d'accord. Donc vous... Vous ne la voulez pas Je ne sais pas si je dois bien le prendre. Comment ça chevelure hein? La seule chose qui est interrogée, c'est la taille. <laughs> déjeuner à midi, ok. Euh, pas, pas, pas. Nous dînons à midi, c'est ça. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Il y a déjeuner le matin, en dénamédé et en soupe le soir. Voilà, c'est ça. J'avais bien l'impression qu'il me semblait me souvenir d'un truc dans ce genre-là, mais je n'étais pas bien sûr. Donc merci de me, me confirmer la chose. Normand euh, L'Amour. écoutez, <notable> Alors, non, Psycho a pas fait une Psycho n'a pas fait un résumé. Il a fait euh, une lecture des différents tweets euh, qui parlent du, du, du procès de Grimaud entre autres celui justement de Thomas qui dit qu'il a 10 pages de notes. Euh, c'est un, un compte-rendu qui a été fait, c'est un thread sur Twitter qui a été fait je ne sais plus par qui et que j'ai lu moi-même. Donc euh, voilà, c'est pour l'instant on n'a pas beaucoup de détails. On, a, on sait que Grimaud s'est fait recadrer plusieurs fois. Qui qui Merci, c'est très gentil. Merci à vous. Euh, euh, à propos de Grimaud, oui, il y a eu euh, un comment dirais-je, euh, oui, un thread Twitter qui je sais plus qui l'a fait exactement. Donc, Psycho a fait une lecture de ce thread en fait. Voilà, euh, bonsoir, Chouzor, et merci, c'est son septième mois d'abonnement. Alors là. Merci, c'est Je... vraiment, c'est adorable. Euh... Donc euh, oui, effectivement, euh... Jacou le... le mordant s'est <coughs> fait regarder euh, plusieurs fois par la présidente du tribunal euh, qui lui a dit, non, non, mais euh, c'est vous qui êtes l'accusé, hein. vous n'êtes pas la victime. Euh, non, on ne parlera pas des pyramides. Euh, Ce n'est pas le sujet. <laughs> Apparemment, il s'est pris deux, trois baffes. Et, et alors, on, 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 on va regarder, mais il doit, doit y avoir un article qui passe. On va, on va peut-être essayer de retrouver le, 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 le thread. Peut-être que si vous voulez, hein, on, peut, on, peut, on peut lire le thread. Mais euh, apparemment, c'était assez extraordinaire. Il un moment assez génial où en fait, il y a eu une expertise psychiatrique qui a été faite. Et euh, donc, bah, le, mec est, le mec est cintré. Quoi. Merci beaucoup, Hans Berth et, et en fait le mec est complètement cintré quoi je j'adore en particulier l'hypertrophie du <laughs> moi besoin de moi-même et le mec explique que les, 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 que les tweets qu'il a envoyés à faustine en fait n'ont pas été écrits par lui mais par des trolls engagés par faustine qui ont usurpé son identité pour faire croire qu'il harcelait faustine. <laughs> yaha je... Voilà. Et alors euh, quand il a été fait lecture du, euh, du, du, euh, du, euh, de l'expertise psychiatrique, je... je en gros. Je... Genre, Grimaud, il a fait, non mais je le conteste Président du tribunal, il vous dit Mais vous n'êtes pas médecin Ta gueule je... Je... Non, non, mais ce médecin dit des conneries. Je... Moi je suis psychiatre, je me connais. Je... Je ne suis pas comme ça, c'est génial. <laughs> ou alors, il euh, y a, il quelque... bon, on va, on va essayer de retrouver le, on va essayer de retrouver le thread. Euh... Et, 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 et je vais, je vais, euh... on peut s'en faire la lecture, c'est assez savoureux. Euh... Alors, pop, 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 euh... Hansberg qui me dit c'est pour te soutenir, j'adore tes vidéos, merci beaucoup. RN Dilkam ou il n'est pas bien le gars gromi le gars gromi ah Grimaud, pardon ouais non mais ah. euh... Grimaud a fait des tas d'études mais a oublié les cours de psy de peur d'être son propre patient <laughs> Je ça. il a il a il a une expérience considérable hein Je... Euh, celui qui a fait le trade est un certain monge, je ne me souviens plus du prénom, oui. Vous êtes des minous, tous. La célèbre citation de sa femme. Ah oui, euh, oui il a 175 ans. Mais euh, cette citation, c'est euh, dans la vidéo Mandax, là, quand ils quand sont ils insultés dans les couloirs du, du palais de justice. C'est ça Bon, bref. Ouais, vous voulez qu'on commence par ça On va commencer par ça. On va commencer par ça, si vous voulez. On va se faire ça en premier. Comme ça, ça peut être, ça, ça, ça peut être intéressant, ça peut être, ça peut être, rigolo. Et donc, bah, je, je, vais, je, je vais, lancer le, je vais lancer le générique, en fait. Hein, et puis, pour lancer formellement l'émission. Vous êtes prêts il est aussi ceinture noire de trollisme triangulaire. Ouais. Ça. <laughs> Et grand maître yogi de la charanga. Charango. Non, pas encore. Comment ça, Collide n'est pas encore prêt Bon, hey, je vais pas. Euh, on est en marche commando là, on va pas attendre les retardataires. Hein. C'est bon Ça y est, c'est installé. On a les cacahuètes. Euh, on a le pull, on a le thé. Euh, ça va, c'est bon tout le monde est prêt Bon, alors. Magnéto Serge. Bien, alors, je vais aller chercher le truc qui nous intéresse et donc normalement paf, voilà. On y est. deck. Hop, on va décaler ça un tout petit peu, voilà, histoire de, de lire les choses correctement. Alors, donc ça c'est un article, euh, ah ben c'est Conge, c'est toujours euh, Paul Conge. Alors c'est intéressant parce que manifestement Paul Conge, donc, et, et la personne qui a fait le, le thread sur Twitter, manifestement il suit l'affaire depuis un petit moment, puisque <laughs> cet article, vous voyez, euh, s'appelle « Pyramidologie », et, et date de 2020. Donc, euh, Paul Conge connaît bien le sujet, a priori, de chez Marianne. Le 13 décembre 2020, donc on est à deux ans et demi. Euh, deux, ans, euh, deux ans et quart. On va, dire, on va dire ça. Ah non, trois ans. Pardon, trois ans. Euh, non, attends, deux ans. Ah non, c'est ça, 2002, deux ans, deux, deux ans et trois mois, quoi. Voilà. Alors, Jacques Grimaud, à la tête d'une association de sciences occultes, est accusé par Zanz d'être disciple de dérive sectaire. Auteur de La Révélation des Pyramides, documentaire complotiste à succès sur l'histoire des pyramides, il a réuni 108 000 euros pour un épisode 2 qui n'a jamais, jamais vu le jour. Bon, ça, on le sait, hein, le mec... L'argent n'a pas servi... Euh... <laughs> À continuer le film. Jacques Grimaud n'est pas seulement âgé de 175 ans, il est aussi, sans déconner, il est aussi voyant, télépathe et sait déchiffrer les étoiles. Sa plus grande réussite, avoir obtenu la pierre philosophale, ce graal des alchimistes qui transmute le plomb en or. Du moins, c'est comme cela que Grimaud se présente à ses disciples. Alors ce qui est assez fascinant, c'est que en fait, Grimaud peut changer le plomb en or, mais il fait quand même appel au don pour avoir du pognon, pour... Ne euh... me demandez pas. Comme un être... Alors, du moins c'est comme cela que Grimaud se présente à ses disciples, comme un être magique. Alors, trois fois par semaine, huit mois dans l'année, ils sont entre 30 et 100 à se presser en divers lieux de Paris pour l'écouter. Ça me fascine. Bagou d'enfer, Calvici, cerclé de longs cheveux gris. Jacques, non, jaune. Ils sont pas gris, les cheveux, ils sont jaunes. Jacques est une star des sciences occultes. Il leur enseigne l'alchimie, mais aussi l'astrologie, la numérologie, l'archéologie. Et, capable de discourir durant des heures à la lueur d'un PowerPoint, il professe Il y a des tas de fatidiques qui sont inscrits dans l'obliquité terre. Alors, Jacques Grimaud, 66 ans selon son état civil, a toujours cru que les pyramides de Gizeh en Égypte n'ont pas été bâties par les Égyptiens, mais par une peuplade de bâtisseurs technologiquement. Avancé, que ces pyramides ne seraient pas des tombeaux, mais des méta-machines renfermant un message secret. L'apocalypse serait imminente. Alors, l'apocalypse est imminente depuis. 5000 ans C'est un peu comme le retour de Jésus, quoi. Ça ne doit pas prendre une seule génération, mais euh, ça fait 2000 ans que ça doit prendre une génération. Est... On, on est toujours dans le même, euh, dans le même registre. Hein. C'est toujours aussi cohérent. <laughs> De ses théories audacieuses. Audacieuses. Et il a fait un film célèbre, La révélation des pyramides, sorti en 2009, visionné plus de 90 millions de fois sur Internet. Ah, au fait, la chaîne a tapé le million de vues. On a passé le million de vues sur la chaîne. Voilà. Euh, la révélation des pyramides, sortie en 2009, a visionné, visionné plus de 90 millions de fois sur Internet, diffusée sur RMC Découverte et Planète. Plus ce documentaire, on devrait dire documenteur, a été un triomphe absolu. Des hordes d'amateurs d'archéologie virent en son réalisateur leur nouveau mentor. La gloire pour celui qui, qui jusque-là, présidait Atlantis, une organisation ésotérique en déshérence à laquelle avait appartenu l'écrivain Jean Hanouille. Euh, ouais, euh, donc euh, Atlantis, euh, faut, 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 faut... j'étais tombé sur des, sur des interviews de gens qui avaient fait partie de l'association. Le mec a pillé les caisses, euh, a piqué des bouquins à des gens qui ont fondé l'association. Enfin, bon, bref, euh, incroyable. <coughs> Grimaud en démissionne donc en 2011 pour fonder sa propre école de parascience sous forme associative. La Nouvelle Atlantide, en hommage à ce continent englouti dont parle les mythes, mais bien réel dans l'esprit de cet autodidacte qui s'est d'ailleurs juré de le retrouver. Ainsi débuta sa conquête des esprits. Je regrette de m'être fait retourner le cerveau par lui, d'avoir perdu mon temps avec ses chimères. Thibault, lui, jette un regard catastrophé sur ces trois années à la Nouvelle Atlantide. Tout ce que Jacques enseigne est un pur appât pour les naïfs et les fous s'étrangle-t-il. C'est l'histoire la plus dingue de ma vie. Ça a été compliqué de redescendre sur Terre psychologiquement. Thibault ne le sait pas encore, euh, mais quand il rejoint ses cours du soir en 2015, il souffre déjà de schizophrénie. Ça aide pas. Grimaud le prend sous sa coupe et le tient à l'écart des médecins. Il me répétait sans cesse qu'aucun médicament ne pouvait m'aider, explique ce repenti à l'époque très affecté par la mort de son père. Son guérisseur improvisé lui prescrit des épluchures de pommes de terre. Des épluchures de pommes de terre Pardon Son guérisseur improvisé lui prescrit des épluchures de pommes de terre, des comprimés de lithium et des exercices de yoga. Tu n'es pas schizophrène, mais plus simplement embarqué dans un engrenage métabolique déficient. C Je lui formule son chef dans un courriel. Il précise pas un mot à ton entourage. Ça, c'est important. Il faut garder le secret. Il faut faire savoir à tout le monde. J'adore ces, ces, ces gens qui passent leur temps. Euh, vous vous souvenez de Greg Braden C'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que faut dire à tout le monde qu'il y a un secret qu'il ne faut pas révéler. C'est magnifique. <laughs> À ses troubles mentaux, Grimaud fournit bientôt des explications surnaturelles. Il m'a d'abord dit que j'étais squatté par une âme, puis il a dit que c'était mon père qui tentait de m'aider. Ensuite, il m'a dit que mon père tentait de me faire du mal. Alors, truc habituel. Hein. Alors, évidemment, euh, faire du gaslighting sur quelqu'un qui est déjà effectivement psychiatriquement atteint, c'est assez facile. Parce qu'effectivement, euh, ben, tu joues sur du velours. Je veux dire, je veux dire, je veux dire une chose et son contraire, tout en expliquant que si... Tu fais remarquer que tu as compris son contraire, que tu que enfin tu remarques qu'il te dit son une chose et son contraire. Là, le mec se retourne vers toi en te disant mais tu tu as rêvé, tu es fou, j'ai jamais dit ça. Voilà. Et comme tu sais que tu es fou ou que tu ou que tu sens qu'il y a des trucs qui vont pas bien, bah tu tu, euh, tu, tu sais plus sur quel pied danser et tu et effectivement ça ça, ça n'aide pas à retrouver un équilibre psy, psych, psychologique. <laughs> Ensuite, il m'a dit que mon père tentait de me faire du mal, se souvient Thibaut qui dénonce un manipulateur. J'étais très naïf à l'époque, il a déclenché chez moi des psychoses. Sympa. Parvenu à se défaire de son emprise, il a finalement été pris en charge par un psychiatre et soigné par un traitement adapté. Témoignage isolé d'une personne fragile Ouais, sauf que Thibaut n'est pas seul. Une dizaine de repentis, tous au départ fascinés par la, ré la révélation des pyramides, sortent du silence et témoignent aujourd'hui auprès de Marianne. Certains dénoncent une secte, les abus de faiblesse, des escroqueries et un exercice illégal de la médecine. Questionné, le ministère de l'Intérieur reconnaît lui-même, entre guillemets, des inquiétudes sur l'influence grandissante de Laura de Jacques Grimaud auprès de personnes qui le perçoivent comme un génie non reconnu. Rconnu. Depuis cinq ans, la, la mission interministérielle de vigilance de la lutte contre les dérives sectaires. Mivilud, hein, a reçu une vingtaine de signalements sur ses activités. Des services compétents ont été saisis, se borne-t-on à dire, place Beauvau. Le problème de la Midvilude, hein, j'en ai déjà parlé, c'est qu'elle euh, peut dire que tel groupe présente des caractéristiques de la dérive sectaire, mais n'est pas à même de décider que c'est une secte. Voilà. Donc je, je pense qu'il faudrait renforcer la lutte contre les sectes et donner euh, un pouvoir de, de, de décision et de... Et de qualification euh, à. Voilà, quand il y a un certain nombre de faisceaux de, 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 de conviction d'un de, de, groupe qui présente un certain nombre de caractères, qui sont même définis par la Mévilude. Hein. Euh, voilà, on pourra y revenir si vous voulez. La Mévilude a un certain nombre de critères objectifs euh, qui dénoncent des dérives sectaires, mais quand un groupe présente ce truc, l'ami n'a pas le droit de dire c'est une secte. C'est débile, mais c'est comme ça. Donc euh, peut-être que, je ne sais pas au niveau légal comment on pourrait faire pour euh, comment dirais-je faire la constatation ou qualifier de secte un groupe présentant les des, 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 des traits de la dérive sectaire. Évidemment, ça pose un problème parce que je vous ai j'ai euh, je, je, je ai, ai, ai un autre article qui parle de dérives sectaires au sein de l'Église catholique. C est, c est, et c'est pas un cas unique. Hein, on voir ça, on, va, on va voir ça tout à l'heure, si vous voulez bien. Donc euh, évidemment, ça pourrait être très gênant parce que il y a des dérives sectaires au sein des grandes religions euh, reconnues. On, on peut évidemment euh, penser aux évangéliques. On peut penser à l'islam, évidemment, avec les salafistes. Euh, euh, et on peut éventuellement, évi évidemment, euh, penser aux... Aux, euh, aux catholiques, où il euh, y a certaines congrégations, les mecs sont complètement frappés, les, les mecs sont cintrés, cintrés. Bref. Au commencement, Grimaud promet monts et merveilles à ses ouailles. Des dizaines d'enregistrements de ses cours, entre guillemets, entre 2012 et 2018, que Marianne s'est procurée, le confirment. Ce soir d'août 2018, le professeur soigne son effet. Bonsoir, merci de votre présence. C'est le 75e cours d'alchimie hermétique. Alors, ah, c'est extraordinaire parce que, en fait, quand tu donnes un cours, c'est pour que les choses ne soient plus hermétiques. Donc, euh, c'est intéressant. Bref, je vais donner... Et puis, si c'est hermétique, et qu'il n'a pas eu de maître, comment il a pu découvrir euh, ses secrets Enfin, comment il a pu comprendre l'alchimie si c'est hermétique Voilà. Je vais donner des indications qui n'ont jamais été prononcées depuis je ne sais combien de milliers d'années. C'est merveilleux. Si elles n'ont jamais été prononcées depuis des milliers d'années, comment il peut en avoir connaissance Se revendiquant de la science des anciens, la science des anciens, je, bien sûr, les anciens savaient tout, et se disant en guerre contre les balivernes de la science officielle, Grimomanie des notions archaïques comme la lumière de la lune, l'éther des anciens, bon, wow, putain, c'est pas possible. Et palabres sur les relations entre les métaux et la position de saint -Jean. Non, mais au secours. Pardon, mais j'y enfin, arrive pas, quoi. Lui, s'est écrit comme un génie incompris, évidemment, et persécuté. C'est pour moi un orgueil de rester en place. L'histoire qu'on nous oblige à ingurgiter est totalement fausse et mensongère, aime-t-il à répéter. Ça me rappelle, j'avais un... un collègue... Euh, là où je travaillais avant, dans la grande entreprise culturelle dans laquelle je travaillais, enfin de diffusion de la culture dans laquelle je travaillais, chaque fois qu'il y avait un sujet, il avait fait quatre ans d'études sur ce sujet. Il savait tout. Il, il, était, euh, il était, incollable était sur tout. Il se trouve que je, un de mes amis est professeur de mathématiques appliquées, euh, 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 voilà, dans une, dans une université, enfin à Limoges, voilà, et que c'est quelqu'un qui est un peu, comment dirais-je, pointu dans son domaine. Euh, il travaille en particulier sur la théorie des cordes ou ce genre de choses. Voilà quoi. Et il fait partie des gens à qui on confie l'organisation les, les, de symposiums, par exemple. Hein. Mais quand je dis des symposiums, ce n'est pas, pas forcément à, à, à l'image. Hein. Ça, ça peut être au MIT, ça peut être à Cambridge. Être... Voilà, il est régulièrement invité hein, à donner des cours. Euh, voilà, et il m'expliquait qu'une bonne partie de son boulot se faisait, euh, se faisait sur tableau noir avec une craie, enfin, ça coûte pas très cher, voilà. Parce que pour l'instant, il n'y a pas de protocole d'expérimentation de la théorie des cordes. Et, euh, et donc, je parlais de ça avec quelqu'un qui était en salle de pause avec moi, et arrive le, le génie incompris, qui n'a jamais eu aucun diplôme en université, évidemment, et qui tenait ce discours de chaque fois que euh, j'étais l'élément perturbateur, parce qu'à chaque fois que je posais des questions au professeur, il me disait que ma question n'avait aucun sens, ou etc. Euh, en fait, c ils étaient juste jaloux euh, de, de, de mon intelligence et parce que je remettais euh, je remettais en cause leur certitude. Etc. Le même genre de boulard, en fait, d'hypertrophie du moi, le mec euh, savait tout, euh, enfin, bref. Et, enfin, il avait toujours fait quatre ans d'études dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine, et passé son temps à balancer des affirmations complètement débiles sans aucune source. Et donc, j'étais en train de, de parler de ça, et, euh, et le mec n'était absolument pas, enfin, je veux dire, absolument pas concerné par la conversation. Et le mec s'amène et commence à dire euh... donc, mais, "De toute façon, ils ont arrêté les expériences parce que euh, ça donnait rien." Et donc, moi, je le regarde. Excuse-moi, mais euh, pas de protocoles expérimentaux pour la théorie des cordes parce que pour l'instant ils font que travailler sur du ça coûte pas cher hein. donc commence à dire ouais non etc euh, je connais le truc je, mais, si tu veux je peux te donner l'adresse de mon ami qui est professeur euh, de mathématiques appliquées et qui, euh, donc, qui est un des spécialistes mondiaux de la question tu peux, tu peux en discuter avec lui si tu veux tu tu veux ses coordonnées non mais ta gueule et tout euh, voilà. et, et, et ce genre de caractère chaque fois qu'ils sont mis en face d'une contradiction ou de la démonstration qu'ils ne connaissent pas leur sujet, ça part systématiquement en violence et en insulte. C'est une des caractéristiques. Ils ne supportent pas d'être contredits et surtout qu'on fasse la démonstration publique de l'inanité de leurs propos. Donc les manipulateurs en général ont ce genre de caractère. Ils ne supportent pas qu'on qu les contredise. Hum... Voilà, donc euh, voilà, quand, quand, quand j'ai lu la première fois cet article, ça m'a irrésistiblement fait penser à ce, à ce garçon, euh, voilà, qui est un simple vendeur euh, dans, dans une grande enseigne, voilà, et qui, euh, génie incompris, qui a jamais pondu quoi que ce soit. Enfin, on connaît le profil, quoi a beaucoup Jacques dit avoir synthétisé la pierre philosophale mais aussi la pilule perpétuelle c'est vrai quand tu vois sa gueule de maintenant et d'il y a 30 ans c'est un peu comme Deepak Chopra quoi c'est des mecs qui ont le secret de la longévité enfin de la jeunesse éternelle et ils vieillissent c'est vous autre caillou magique qui s'obtiendrait en mélangeant de l'antimoine du salpêtre et de l'eau et de l'eau de rosée Ah mais... <laughs> putain <laughs> Et qui prolongerait la vie. On est transformé en demi-dieu, quasiment en immortel. Bah ouais, j'ai 175 ans, regardez ma gueule. Enfin, je te jure. Une santé pérenne, une vie, une existence allongée, jusqu'à 10 fois. Bah, bien sûr, il va vivre jusqu'à 600 ans, le pépère. Mm. Mieux encore, cette pierre va procurer à l'adepte des caractéristiques étrangères à la culture humaine. Euh... Mais. Euh... Il y a, y, a y a un truc qui, qui, qui me trouve un peu le, le cervelet là, c'est que euh, euh, la pierre philosophale et l'alchimie, la, ça fait partie de la culture humaine. Euh, donc comment ça pourrait procurer un truc qui ne fait pas partie de la culture humaine Et lui seul pourrait enseigner évidemment la recette aux vertueux, car lui seul serait l'élu. Ces divagations font pourtant mouche. Les femmes âgées le consultent pour bénéficier de ses pouvoirs, selon des témoins. Mohamed, un ancien du premier cercle de Helena, se souvient de cette âme désespérée qui va implorer Grimaud afin qu'il rallonge sa vie de quelques années. Et Jacques ne la refroidissait pas, déplore ce chauffeur de poids lourd. Thibault soupire, c'est son fonds de commerce. Promettre une vie pluricentenaire avec des pouvoirs en prime grâce à l'alchimie. Promettre la santé et la connaissance parfaite de soi et des autres. Ça Je vous le relis. Promettre une vie pluricentenaire avec des pouvoirs en prime. Alors grâce à l'alchimie, mais promettre la santé et la connaissance parfaite de soi et des autres. C'est très exactement le programme affiché par le gourou de la secte de mes parents. C'est exactement ça qui est vendu. C'est toujours ça qui est vendu. C'est toujours ça. Vous serez l'élite, vous serez supérieur et vous vivrez beaucoup plus longtemps, voire même vous deviendrez immortel. Pitié, dis-moi que je suis spécial et que je ne vais pas mourir. Voilà. C'est euh... que Grimaud en voûte. Volubile, éloquent, doté d'une mémoire impressionnante, le maître récite aussi de beaux textes de philosophie hermétique. La première fois que je l'ai vu, je suis tombé sous son aura. Astur Stéphane Barral, un ancien compa compagnon de route. Tu es subjugué. Tout ce qu'il lit, il l'absorbe. C'est un très bon orateur. Il montre tout de suite qu'il est supérieur. Lui qui n'avait jamais eu de repère intellectuel a été englouti par le vortex grimaud. Pendant trois ans, ce campagnard organisera ses tournées de conférences dans le sud de la France, évidemment, gratuitement. On assistera à l'ébahissement du public et assistera à l'ébahissement du public face à ce nouveau Messie. Car sur le passage du chef, les gens se lèvent, ensorcelés. Certains lui parlent en tremblant, les pupilles dilatées. Bah, C'est ça. Stupeur et tremblement. On est exactement là-dedans. Exactement ce que je voyais avec les disciples du gourou de mes parents. C'est exactement ça. Stupeur et tremblement. On est exactement là-dedans. Espèce de fascination. Euh... Euh... Sa soudaine notoriété a eu au fait de lui monter à la tête. Tout le monde lui léchait les bottes. Il a commencé à chercher sciemment à soutirer de l'argent aux, aux gens, assure, accuse Barral, qui assure le voir demandait régulièrement de l'argent à ses plus riches sympathisants et se promener avec des liasses de billets présentant plusieurs milliers d'euros. Outre le prix de ses cours et conférences de 5 à 10 euros, évidemment tout ça c'est pas déclaré, hein, soyons clairs, de ses livrets, des feuillets A4 agrafés, 15 euros pièce, Grimaud propose des voyages guidés en Égypte à 1800 euros. Oui, et puis alors tu vois les conditions de voyage, tu, tu rigoles. Sur son site, il est aussi mené en pré-vente 8 livres qu'il n'a pas encore écrits. <laughs> à 35 euros l'exemplaire. C'est fabuleux. À ceux qui se plaignaient de ne rien recevoir, il nous disait de répondre par des formules lambda, affirme Alain, un restaurateur qui a géré l'association et s'occupait du service après-vente. Grimaud et son équipe récoltent plus de 108 000 euros via des cagnottes en ligne pour financer le très attendu épisode 2 de son film, dont il fait miroiter la sortie prochaine, euh, depuis 10 ans, selon des documents comptables. Donc maintenant, ça fait 20. Euh, non, ça fait, euh, ça fait, ça fait 13. Selon des documents comptables que nous avons épluchés, le fonds de Helena est surtout servi à assurer à Grimaud et à sa compagne un confortable train de vie. Restaurants, traiteurs, lingerie, bijoux, parfums, séances V. Il commençait à avoir de jolies montres, de belles chaussures. Je me suis dit, ça pue, explique Bernard Guesneck, resté à Helena de 2012 à 2018. Selon ce quinca, ce sont de petites gens qui ont donné. Il les a arnaqués, il leur a sournit, soutiré de l'argent. C'est toujours les petites gens. Vous vous, vous souvenez de de l'histoire de, de Jésus au Temple, qui disait, il euh, y a un mec qui lui dit, oh regarde ce que ce marchand, euh, combien il a donné au Temple d'argent. Et euh, Jésus qui lui répond, oui, mais regarde plutôt cette femme très modeste qui donne son nécessaire. C'est toujours les petites gens qui, donnent, qui se sacrifient pour ce genre de truc, qui donnent le nécessaire. Euh, ceux, qui ont, ceux qui ont les moyens, euh, c'est du superflu. Mais, mais souvent, ce sont les petites gens qui sont le plus victimes de ce genre de truc Avec le temps, les crises de furie. Alors, en vain, car d'après tous ceux qui ont travaillé sur le projet, le second film n'a en fait jamais abouti. Tu m'étonnes. Avec le temps, les crises de furie, le dogmatisme et l'arrogance du chef commencent à éloigner les disciples commencent à éloigner des cibles. Ceux qui osent le contredire sont excommuniés, assure Gezneck, selon qui le patron avait de fréquentes poussées de sang. Les plus dociles s'en accommodent. Il y avait des inconditionnels pour qu'il ne fallait pas remettre sa parole en doute, poursuit-il. Un noyau dur soutient le chef coup de coûte, alors que peu à peu, Grimaud devient un prédicateur d'extrême droite. Conférence à égalité et réconciliation, le groupe antisémite d'Alain Soral, publication Facebook niant l'existence des chambres à gaz et diatrible contre les gouvernements talmudo-mondialistes. Voilà. Euh, en fait, la thèse euh, est hyper raciste, alors pour l'humanité entière et, euh, et plus précisément euh, euh, pour, pour les pour les peuples entre guillemets autochtones où on trouve les constructions. Parce qu'en gros, l'idée c'est de dire euh, bon, pff, les Amérindiens, les Africains et euh, les, 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 les Indiens, les Asiatiques et les euh, et, et les, euh, et les, euh, et les euh, et les, euh, les, les, les peuples du Pacifique, en gros, étaient trop cons, n'étaient pas assez intelligents pour construire ces trucs-là. Il a fallu qu'un extraterrestre explique à des blancs, race supérieure, comment faire. Et c'est eux qui ont éduqué ces peuples-là et, et ont dirigé les travaux. C'est ça, hein, en gros, sa thèse. Euh, il dit que tout. Il a tourné vinaigre. Euh, et il dit que tout est la faute des juifs talmudiques. On ne sait pas ce que tout représente, mais bon, voilà. J'ai préféré m'éloigner, souffle Christian Cambois-Bonne-Maison, ancien ami et qui se dit lui-même médium. <laughs> Un mec particulièrement raisonnable, donc! Et de poursuivre, je me suis séparé de ce milieu-là parce que j'ai vu des médiums comme ça qui reçoivent les gens à 90 euros la séance, ce que j'appelle de l'abus. Bah oui, lui il fait payer que 30, c'est honnête. Ce virage a aussi refroidi Thomas, un ingénieur agacé par ses propos sur les extraterrestres et théories complotistes. Et comme dans un couple toxique, se rompre semble parfois impossible. En rencontrant Jacques, euh, je croyais accéder à une nouvelle vie. Ma vie me semblait lourde et compliquée, écrit Didier, actuellement membre du bureau de Helena, dans des échanges privés avec un autre adepte. Cet homme est toujours sous la férule de Grimaud. Chaque fois que je m'éloigne de Jacques, une force mystérieuse m'y ramène, écrit-il. Ouais, l'addiction. Vous vous souvenez. Car beaucoup restent alors même que Grimaud prend un tour inquiétant. Auprès des plus fragiles, il s'autoproclame donc guérisseur, garantit que l'alchimie permettra de soigner leur miasme. Putain, j'ose même pas imaginer ce qu'il en raconte comme conneries. Oh putain, c'est effrayant. C'est fou. Je, je oh. C'est terrible avec ce genre de, de personnalité parce que tu finis par t'énerver et, si fin, euh, et si jamais tu as le moindre geste, enfin, il te pousse dans tes tranchements en t'insultant, avec les allusions, etc. Si jamais tu as le moindre geste d'agacement, ces gens se présentent comme des victimes. Ça m'est arrivé une fois en vélo, comme ça, il y avait une dame qui n'a cessé de me faire des queues de poisson pendant je ne sais pas trop combien de, de fois. Enfin, je... Il se trouve que naturellement, j'allais plus vite qu'elle, même sans forcer. Et elle pensait que je faisais ça uniquement pour l'humilier ou pour la dépasser, enfin juste que enfin, je faisais la course, quoi, alors que je m'occupais absolument pas d'elle. Mais toujours est-il qu'elle l'a mal pris. Et... Et donc, à chaque occasion qu'elle pouvait, elle me. Genre, elle, limite, elle me poussait, elle me faisait des queues de poisson, etc. Quand je ralentissais, elle allait plus vite ou elle pilait devant moi. Etc. Elle m'a fait ça plusieurs fois. Arrivé à un feu, on se retrouve l'un à côté de l'autre. Je lui dis Est-ce que vous pourriez essayer d'éviter de. Et là, elle se met à hurler On m'agresse, on m'agresse, on m'attaque Voilà, Jacques Grimaud, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui pousse les gens dans ces retranchements et si jamais on réagit, il se pose en victime. Voilà, c'est euh, assez euh, étonnant. Euh... Alors, donc, euh, pour guérir les miasmes, Jacques Grimaud prescrit des mélanges de miel et d'aloe vera, des séances avec des planches en plastique à clous pour éloigner. Bon, je recommence. Il prescrit des mélanges de miel et d'aloe vera, bon, ça, voilà, regarde, des séances avec des planches en plastique à clous pour éloigner les énergies négatives. Des planches en plastique à clous? Bon, je sais pas. Euh, pas la peine de se déplacer, voir un charlatan qu'on appelle médecin, dit-il, dans un de ses cours. À Quentin, un adepte fragile qui a des problèmes de pancréas et de carence en fer, il prescrit comme à Thibaut des pots de pommes de terre, et ce, depuis des années. Il a pris le contrôle de Quentin, se lamente ainsi l'un de ses amis. D'après plusieurs sources, Grimaud se livre aussi à des séances d'exorcisme et de magie noire avec des disciples qui seraient habités par des entités. Il y a des gens malades sous sa domination encore aujourd'hui. Sa larme moins sa Mohamed, pardon. À ceux qui partent, Grimaud réserve un sort cruel, les exposant et les insultant férocement sur Facebook. Deux repentis ont déposé plainte pour diffamation le 7 novembre. Il a une façon d'agir malfaisante à mon égard, note Alain, qui souhaite qu'il cesse de nuire. Le gourou menace deux anciens collaborateurs qu'il accuse d'avoir volé son matériel informatique. D'une procédure judiciaire, mais son propre avocat n'a jamais reçu les pièces justificatives. Ça fait un an que j'attends, atteste M. Paul Couder. Alors, l'avocat de Grimaud, manifestement, c'est un génie. Je ne sais pas si c'est le même que durant l'incident avec, euh, avec Thomas dans, dans les couloirs du, du palais de justice, mais si c'est le même, <laughs> Grimaud est un très mauvais euh, comment juge des caractères. Quoi. Vraiment, le mec est totalement. Complètement incompétent. Enfin bref, Grimaud tente d'amadouer, certains transfuges. Après le départ de Thibault, il lui expédie ce courriel qui témoigne de son constant effort d'emprise sur lui. J'ai tenté de te venir en aide, mais tu ne t'es pas aidé toi-même. Tu n'as pas médité ce que je t'ai dit au fil des mois de, de, de ces mois de souffrance. Il poursuit Sache qu'on ne peut sortir de cette voie par soi-même et encore moins par des médicaments ou traitements médicaux. Bah, tiens. Contacté par Marianne, Jeanne Grimaud a coupé court à la conversation, niant tout en bloc, évoquant de simples conseils de médecine paysanne et dénonçant des âneries, des trolls, mais aussi des manœuvres de la part des francs-maçons qui, selon lui, peuplent la Mivilude. <laughs> Évidemment, le complot judéo-maçonnique. <laughs> bon Voilà, donc ça, c'est un article de Paul Conge, qui, euh, qui donc est euh, 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 la personne qui a tweeté. Euh, à propos du, bon, écoutez, vous savez ce qu'on va faire, on va, on va, on va, essayer de retrouver. Ces... Genre, déjà, je vais regarder vos réactions, et puis pendant ce temps-là, je vais essayer de, de retrouver sur Twitter, <coughs> euh, dans la recherche Twitter, si je peux, euh, si je peux, si je peux choper Aurélien Pradé, deux hommes dont une gamme Homo, non, c'est pas ça. Alors, on va Grimaud. Grimaud, Anne Grimaud, Dominique Grimaud, Vincent Grimaud, non, Jacques Grimaud, alors Grimaud, on va voir. Est-ce que j'ai quelque chose <laughs> Procès de Jacques Grimaud. Ah euh, Thomas a une communication d'une minute trente-deux. Vous voulez aller la regarder On va regarder ça, si vous voulez bien. Hein Qu'est-ce que vous en dites Alors, hop, je vais l'instant je vais hop l'arrêter je vais revenir au début soin de soin hop 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 tac tac, 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 tac. Mmh. alors bon j'espère que alors attendez on va, je... on va on va voir si voilà. c'est l'épisode 2 nous sommes de retour au tribunal de paris le procès de Jean Grimaud pour euh, les méchancetés qu'il euh... Euh, qu'il l'aurait, parce qu'on va être prudent, qu'il l'aurait dit sur Internet. Euh, je vais vous rendre compte de, de sa défense. Je vous ferai part de l'expertise psychiatrique qui était ordonnée pour lui. Je vous ferai part de, de ce qui se passe dans, le, dans, dans la salle. On y rentre dans, dans un quart d'heure. Ça doit durer deux heures. Alors tout s'est bien passé. Hein Les gens sont là. Euh, voilà, Grimaud est condamné à, à, à 40 ans de prison. Non. Non, le verdict, ce sera le 19 avril. Le réquisitoire, c'est obligation de soins. Parce qu'il y a eu une expertise psychiatrique, pas piquée de Je ressors de ça en ayant vécu un moment, je crois, d'anthologie. Il y a un avocat qui est aussi perché que lui, <laughs> qui euh, ne l'a pas défendu sur l'affaire, mais a voulu plaider le, la, la thèse du complot, ce qui n'était pas à lui rendre service. On a eu une séance pas très étonnante quand on connaît le personnage, qui aurait mérité d'être capté, euh, parce que ce, ce serait un, un objet vraiment euh, intéressant pour décortiquer la, la rhétorique et les, et les délires complotistes des, des, des gens, mais malheureusement vous n'aurez droit qu'à des comptes rendus sur la presse et, et sur le en biais. On a des stars qui viennent assister à ce qui se passe. Vous n'avez pas honte Non Bon bah tant mieux, moi non, non plus. Bon. Eh bien, c'est ce que je vous disais. <laughs> apparemment, c'est toujours le même avocat. <laughs> Et apparemment, pour que Thomas dise qu'il est complètement perché. <laughs> ah ben, voilà, Samuel qui dit, j'imagine que tu parles de Grimaud. C'est du fait de son procès contre mon ami Faustine. Ah ben j'ai assisté, et je peux témoigner. Et oui, Coudir est toujours dans en... euh, Samuel, est-ce que tu veux euh, monter sur euh, sur Discord pour qu'on pour qu'on en parle Super. Bah, je t'attends dans le... Euh, Samuel, mais colle-toi dans le, dans le salon vocal euh, du, 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 du Discord. Euh, Mets-toi dans le... Euh, en réunion publique. Ah bah tiens, il y a Jean-Robin. <laughs> je croyais qu'il n'était pas dispo, mais apparemment... <laughs> Bon, je vais monter Samuel et puis je, je vais. Euh, je vais. Euh, ben on, va, on va discuter de ça. Et puis après, je vais. Euh, je vais euh, alors attendez, je vais envoyer un petit message à, à Jean Robin. Oh euh, juste pour lui demander s'il veut prendre la parole aujourd'hui. Je vais attendre sa réponse. Enfin, je veux dire, s'il est, euh, est dans le. Je viens de voir qu'il était là. Euh, en attendant, je vais, je vais. En attendant le. Bon, éventuellement, si quelqu'un peut, peut surveiller ce qui. Euh... Éventuellement, aller dans le, dans le salon où se trouve Jean, si, si quelqu'un, un des modérateurs sur le Discord peut aller. Discuter avec Jean-Robin pour voir s'il veut prendre la parole aujourd'hui. Euh, oui, oui, je t'ai vu, Samuel. J'arrive, je, 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 je te montre dans le, dans le salon live. Tout de suite. Hum, hum. Hop. Pouf, pouf, pouf. Dagada, soin, de soin. Est-ce que tu m'entends Oui, alors attends, je, je, je... je coupe son du Voilà. Ah, super alors attends, faut que j'ouvre la fenêtre, euh, paf paf que je t'affiche. Tu veux allumer ta caméra ou pas Bon je vous prie, je suis en pyjama. <laughs> Bah, écoute, ça dépend du pyjama et comment il est rempli. Hein. Je... Je... Euh, oui. ça, ça peut être très bien comme une catastrophe, c'est à toi de juger. Je m'en fous. Ouais, fous. Allez. Ah, le problème, c'est que d'habitude, je ne dévoile pas ma vraie identité euh, en ah, dehors bah, de... Alors, alors, non, je... non, 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 oui. non mais reste ah. comme ça parce qu'on ne sait jamais. Il peut y avoir des observateurs euh, entre guillemets passifs euh, qu'on qu ne veut pas forcément. Euh, si, si, comme des fois, on a des discussions dans des dans espèces ou des choses comme ça avec des gens pas sympas, euh, restons prudents hein. Si, si tu oui. Je ne peux pas t'assurer que tous les gens qui sont là euh, en train de regarder l'émission sont forcément des gens euh, so, so, dont l'innocuité aurait été euh, prouvée. Donc, euh, nous prenons. Non, non, si tu, si tu as l'habitude de garder ton. <coughs> toi, t as, t as, pardon, ton anonymat, euh, garde-le. On, on continue comme ça. été, ouais, euh, ouais, j'ai euh, déjà été, été arpelé, <laughs> je préfère. Ok, bon, bon très bien. Alors, hop, ouais. je, vais, je vais juste hop, afficher ça. Voilà, pouf. Et normalement, ça devrait être bon, je vais juste, euh, hop, interview, voilà, donc on a un joli carré avec, euh, avec ta grande couleur, mais ah, donc, wow. <laughs> euh, voilà, bah écoute, bienvenue, merci à toi d'intervenir, de, de, c'est formidable. Ah, ouais, pas de souci. Alors, fais-nous fais un petit peu un, un, un petit résumé de ce, de, de, de ce bon, enfin c'est un procès, mais avec, euh, avec Grimond, on peut carrément parler de, 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 de théâtre. Oui, oui, c'était une piste de théâtre, hein, clairement. C ouais. Alors, euh, j'ai assisté aux deux procès, donc il y a eu euh, il y a eu huit mois et aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, il suffit aujourd il y a quelques jours là, c'était mercredi, c'est ça? Oui, mercredi. Euh, et donc oui, alors je confirme déjà son avocat c'est toujours coup d'air, et il est vraiment, vraiment totalement à côté de la plaque, ce mec. C'est un truc de fou. Hein. Euh... C'est ce, celui qu'on avait vu avec l'incident avec, euh, avec... Oui, oui, oui. c'est le même. C'est le petit vieux oui, oui, là euh, qui, est qui est complètement à côté de la plaque. Le, le petit vieux complètement à côté de la plaque, oui, c'est toujours le même. Il est hallucinant. <laughs> le, le mec, il est hallucinant. Puis les deux, les deux. Mais, enfin, on aurait dit des extraterrestres au milieu de gens normaux, quoi. Ils étaient complètement à côté de la plaque. C'est à... bouvard et pécuché, quoi. Ils, ils sont aussi <laughs> cons l'un que l'autre et puis ils se renvoient la balle, quoi. Ah mais enfin euh, je, je pense que euh, ce, son son avocat à couder, il, il devrait être en retraite depuis des années quoi c'est c'est pas possible euh, je, je veux dire est, il est gâteux <laughs> le, le, le le gars quand il a le, le gars quand il a fait son comment on dit ça s'appelait ça s'appelait c'est ça merci ça s'appelait euh non, non seulement il est pas de charisme mais il bafouillait. Ça, à ça, il ça, ça, je veux dire, les quelques images qu'on a de lui dans les couloirs, on, ça, pour le charisme, on était au ah, courant. Il bafouillait. Et euh, le, le pire qu'il a fait, c'est qu'il euh, a conclu son réquisitoire par, euh, enfin, son, pardon, son réquisitoire, son, son, sa plaidoirie par, euh, oh, y a, y a, y a, on ne peut pas parler de, de harcèlement. S'il y a eu harcèlement, c'est un tout petit harcèlement. Le ouais, ah, mais, la, la, la salle a rigolé. Normalement, dans on n'a pas le droit de faire du bruit. La salle a ri. Et euh, ça ne m'étonne pas. pas. <laughs> J'ai regardé même les policiers qui faisaient la... Ouais, ouais. Il enfin, y a, a 3-4 policiers qui, qui circulent dans la salle pour ouais, vérifier ouais. que personne ne, ne fait de bêtises. Quoi. Et... Il y, a deux qui ont poussé. Il y en a deux qui ont pouffé, alors qu'eux sont censés faire... Euh, oui, bien sûr, ils sont, euh, voilà. ils sont là, faire, tu vois. Voilà, Et ils sont censés faire respecter l'ordre dans le, le tribunal, <laughs> donc rappeler les gens à l'ordre quand ils pouffent, quoi. <laughs> même eux, ils Non mais c'était surréaliste !» C'est formidable <laughs> Ces voilà. gens sont là, extraordinaires Alors, pour vous redonner un peu de contexte, on était... À peu près 40 à être là pour soutenir Faustine, on a eu peur de pas tous pouvoir rentrer dans la salle. Pour, oui, pour, d'accord. Euh, Donc, il euh, y avait euh, bah, sa famille, il y avait euh, bah, des, des, des youtubeurs sceptiques, comme vous avez vu. Donc, il y avait euh, Mandax, Tant euh, Primum, euh, Mycelium. Ah, euh, c'était Primum, sont... d'accord, qui sont arrivés. d'accord. C'est euh, des Primum étant mort qu'on voit sur la vidéo de. Oui, je, je, je les connais de nom, mais je connais pas leur visage, en fait. Oui, ben euh, voilà, moi c'était pas la première fois que je les voyais, donc euh, ah oui, je, je les ai bien repérés. je les ai bien repérés. Ben, ils n'étaient pas là. Euh, en bas, c'était au premier procès, euh, oui. mais euh, eux deux n'étaient pas là. Oui, oui, ouais, je sais, ça, ça, je, je m'en souviens. Et donc alors, est-ce que, est que tu, as d'autres détails qui, qu'on qui, qui, euh, qui, euh, qu n'a qu pas encore Alors, euh, Grimaud est parti du tribunal la tête basse, alors que la, à la fin du premier procès, il fait à rené. Donc déjà, est-ce qu'il a compris euh, que c'était foutu pour lui je ne sais pas euh, moi, moi comme je dis à euh, ceux qui me demandent euh, je pense que Faustine ne peut pas perdre là où oui, il on est c'est la... à dire que il y aura condamnation de, de Grimaud le pire qui puisse arriver c'est qu'il prenne une petite tape sur les doigts mais euh, euh, il, y a, il y a demandé oui. euh, c'est 8000 euros pour les frais de Poisset et, et 25 000 balles je crois de dommages d'intérêt alors, euh, 25 000 euros de dommages intérêt et 8 000 euros de frais de justice, c'est ça. Euh, et peut et, et euh, ce qui était requis aussi, c'est une obligation de se faire soigner. Oui, obligation de soin. Alors là, là, le mec, il doit grimper au rideau. Mais je ne suis pas fou Je ne ah, suis, suis pas fou Je suis victime d'une cabale judéo-maçonnique ah ben, euh, C'est son genre, mais euh, il, a, il, 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 a, alors, il, il a coupé la parole plusieurs fois à plusieurs personnes durant le procès. A, il a été recadré plusieurs fois par un magistrat qu'on avait ras le bol. Euh, mais euh, là, je crois que sur l'expérience, la, sur la, euh, l'expertise le, enfin, juridique, au premier. Parce que. Alors, je ne sais plus si c'est la juge ou la procureure qui, qui avait détaillé ce qui était dedans. Mm -hmm. euh, sur les premières lignes, euh, on le voyait protester. Et il a fini par la fermer. Et je ne sais pas s'il s'est résigné ou s'il a compris que ça ne servait à rien de protester. Mais euh, est-ce qu'il a compris que. que, que, que... Oui, il avait un problème. Bon, ça m'étonnerait qu'il ait compris qu'il avait un problème. Honnêtement. Euh... Non, mais non, euh, bien, euh... Sûr, bien sûr. C'est le genre de. de que, que, comme, comme a dit l'expert psychiatre, euh, comme a dit le, le psychiatre, une hypertrophie du moi comme celle-là. Euh, alors, je ne vais pas tout ouais, ramener à moi, mais ça me rappelle très exactement celle de mon père. C est, c est, c est, c est une des phrases de mon père, c'était J'ai toujours raison. Bah, oui, d'accord. <laughs> okay. euh, on est exactement sur le même genre de profil, donc je vois très très bien. Oui. Euh, là, ce qui, ce qui était bien euh, aussi, euh, parce que Paul Grimaud, il a, il a longtemps eu sa petite secte autour de lui. Oui, oui. Euh, quand il était au tribunal avec juste sa femme, euh, son avocat et un autre gars. Ils étaient quatre. On était 40 en face. Donc, et on... l'autre gars, c'est celui aussi qui avait été euh, hyper agressif aussi avec euh, Thomas c'était ce type-là euh... type ou c'était autre... bah, son avocat qui était hyper agressif avec Thomas Non, il y avait un autre type qui l'accompagnait, un mec ah. euh, plus ou moins blond dans la quarantaine, qui était hyper agressif aussi, euh, et qui avait insulté, ah, je... euh, qui avait insulté Thomas et, et les gens qui étaient... Euh, qui ah, étaient... Je ne même pas remarqué qui lui la première fois, du coup, donc euh, je ne sais pas. Je sais pas si c'était lui, probablement lui aussi, parce que je crois que c'était les mêmes qui étaient là euh, pour le deuxième coup. D'accord. Euh, ouais, l'autre gars, je ne l'ai pas vraiment remarqué parce qu'il était, euh, était vraiment très en retrait. Oui, alors ça ne euh. ça, ça doit pas être le même parce que euh, la dernière fois, l'autre était vraiment un genre de matamor dans le même genre genre, je vais vous casser la gueule. Ouais. C'est bizarre parce que la première fois que j'y étais aussi, je ne l'ai pas vu. Alors que j'étais pas loin de Thomas, quoi. J'étais. Euh, mmh. pas... J'ai vu l'altercation à quoi De, de mètres de là quoi. Donc, euh, ouais. Mais ce n'était pas, euh... pas exactement au même moment ce type-là. avant était là avant ou après l'intercation directe euh, où il y avait Grimaud et sa femme et, et, où, et où Grimaud est venu euh, euh, taper, taper dans la caméra de Thomas. Euh, mais je crois me souvenir qu'il y avait un autre type qui était... Il faudrait re revoir la, la, la vidéo de, de, de Thomas sur le ah. premier procès. Il me semble que c'est son avocat qui a... Non, non, il y avait... son avocat était intervenu. Mais il y avait aussi un autre type qui était, ouais. je ne sais pas si c'était le producteur ou si c'était un autre monteur ou un autre auteur euh, du film. Je ne sais pas, mais c'est quelqu'un, a priori, c'est quelqu'un qui est proche de lui, d'après ce que j'ai compris, qui est qui toujours mmh. avec lui, toujours fou avec lui. Donc un petit chien-chien qui le suit un peu partout. Oui, bah, ils, ont, un, ils ont ils toujours un peu à son pilote. Hein. C'est quelqu'un qui doit être toujours en prise, donc je ne vais pas être oui. trop méchant avec lui, hein, mais bien euh, sûr. Mais voilà quoi. Donc, Mais euh, il faut savoir que Grimaud, ça fait un moment qu'il est suivi dans le sphère Z, hein. Et, euh, et ça, oui, commence à aller mal pour, ça commence à aller mal pour lui de tous les côtés. Hein. Euh, euh, sa révélation des Pyramides 2 qui n'est jamais sortie, sorti. euh, il y a, y, a, y a un gros groupe de mécontents qui, qui, qui s'organisent. Peu... Qui ont porté plainte, si ah. je ne me trompe pas, non. Alors, je ne sais pas si, si c'est fait, déjà, le port de plainte. En tout cas, il y a que... une association des gens qui sont victimes de Grimaud, ça je, je crois me oui, souvenir. C'est ça, voilà, et c'est eux qui l'ont fondé, parce qu'il n'y a pas que sur la révélation du pyramide, il y a des gens qui ont été sous prises très longtemps avec Grimaud. Ouais. Et, euh, quand, quand, euh, alors, je crois que c'est la tronche en bien, je crois que c'est Thomas qui avait fait euh, une enquête sur Grimaud et qui avait dit que souvent, euh, il y a des gens qui refusaient de témoigner, qui étaient mécontents, parce mais qui refusaient de témoigner, parce qu'ils avaient peur de Grimaud, c'est ça. Parce qu'il pensait euh... effectivement qu'il avait des, des pouvoirs, euh, des, 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 des pouvoirs spirituels ou ce genre de choses. Oui, oui. Puis euh, Grimaud lui-même se targue d'être un expert en arts martiaux, ce qui est totalement, <rire> <rire> qui est totalement risible, Ce qui est à mourir de rire. Je veux dire, ouais. euh... Grimaud, mais euh... sans, sans problème, je lui dis viens, on va dans l'Hexagone. Quoi, je veux dire, mais même sans entraînement, je pense que. Ah non mais, j'ai euh, même pas besoin de me remettre en forme pour y aller, quoi. Je veux dire, tu lui mets trois baffes, le mec il tombe par terre, quoi. Grimaud, c'est un, je veux dire, c'est un mythomane pathologique. Quoi. Il peut ah, pas se complètement, empêcher. Complètement. À, 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 à la sortie de son, euh, euh, à, à la fin de la lecture de son bilan euh, psychiatrique, euh, la, preuve, la, la juge dit comme ça ah, :« Bon, vous n'allez quand même pas constater le, si, le bilan si, psychiatrique. Si. Vous n'êtes pas, pas médecin. » Et le mec, sort, oh, j'ai quand même ça ou j'en années de médecine, mais charme, mec, franchement. Mais genre. Mais il, a, il a des années de tout. Il est expert en et tout. Oui, il a tout expert. fait. Et, et euh, donc, ce qui n'a pas été trop rapporté dans les, qui a pas été trop rapporté dans les débats, dans les articles que j'ai vus de journaux, ouais. euh, c'est que euh... j'ai perdu que ce que je voulais dire. Je ne me rappelle plus. <laughs> si euh, sur, euh, sur ses compétences, sur ce qu'il prétend faire, sur ce qu'il a prétendu faire. Euh... Euh, ouais, ça n'a pas trop été. Euh... Ça n'a pas être, trop été sorti, mais il y avait autre chose. Et je sais plus, mais ça me reviendra peut-être. La pierre euh, philosophale, c'est euh, pouvoir télétidésiques. Non, non, ça, on euh, pas parlé. Non, 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 75 non pas ça. Pas, pas ça. Je sais plus. Il y a un truc que je n'ai pas vu ressortir dans les différents articles que j'ai pu lire. Et je sais plus ce que c'est. Maintenant, Du coup, je suis en tête et ça, avait... ah, ça m'énerve que ça fait ça. Ça m'a échappé oui, complètement. t'inquiète pas, ça m'arrive tout le temps. <laughs> et... Voilà. Voilà. Donc, mais euh, ouais, c'était le premier procès hein, mmh. euh, que, que je citais, c'était assez surréaliste, je veux dire. Je ne sais pas ce que tu as dit avant que je me reconnecte au live, parce que je viens de me reconnecter et euh, je faisais une sieste. Hein. <laughs> c'est oh, scandaleux. C est, c est scandaleux. Euh, euh, quel abandon. <laughs> euh, euh, bah, grosso merdo, euh, ce que, genre, en fait, ce que, ce que, ce que tu dis, c'est grosso merdo ce qui avait été euh, fait dans le dans le trade de conge. Oui, ouais, qui est très juste. Et il était là, hein. j'étais pas loin de lui. Et Conge, euh, ouais, il était là. Voilà, c'est ça. Et donc, je, en fait, je viens de lire un article que. que comment il s'appelle Que Paul Conge a écrit pour Marianne en 2020. Oui. Donc, ah oui, d'accord. Voilà, donc ça commençait déjà à chauffer pour lui. Ça commençait déjà à chauffer pour lui. Mais euh, et, euh, et donc euh, oui, alors donc il y a les gens qui se plaignent bah, pour les 108 000 euros qui ont disparu et qui n'ont pas servi à produire oui. le deuxième film. Il y a euh, les gens de l'association où il était avant, euh, je crois qu'ils le poursuivent parce qu'il y a du matériel informatique et des bouquins pour des, pour euh, des bouquins précieux oui. qui ont oui, été, y a, y a... Qui, qui ont disparu. Il y a pour 3, plus de 3 000 euros de bouquins qui ont disparu, je crois, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Il y a euh, donc les détournements de fonds, évidemment, euh, des associations. Il y a, euh, bon, voilà, donc je pense que. Et, euh, et je crois effectivement que le ministère public commence à s'intéresser très fortement euh, à, 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 tout ce que, à tout ce pognon en liquide qui circulait avec la, la vente des brochures et des, et des trucs qui, évidemment, n'étaient pas déclarés. Je... Ah oui, il y, y a aussi autre chose, c'est que l'avocat de Faustine. Euh, est également l'avocat euh, de, de pas mal d'associations juives sur Paris et, 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 et a priori a priori il y aurait des choses qui se... alors je je peux pas être plus précis il y aurait peut-être des choses qui se prépareraient de la part d'associations juives contre Grimaud donc voilà Ça ça prend un peu l'eau de tous les côtés euh, chez Grimaud. Euh, voilà. euh, donc, euh, l'avocat la, la, de Grimaud, qui est euh, très sympathique, hein, soit dit en passant, euh, ouais. euh, Maître, euh, maître Cime, Simon, Ben Simon, ouais. euh, qui a mangé avec nous. Après, on a tout fait un grand repas à 40 euh, après avec euh, Faustine pour, la, cool. pour péter la, la fin du. C'est était là aussi. Donc, euh, voilà. Et, euh, assez accessible comme gars. Hein. Franchement, euh, pas mal. Sympa euh, l'avocat. Bon. Donc euh, oui, on a embarqué, on, on, on était entre Z, on a embarqué deux trois journalistes avec nous, <laughs> il y avait un journaliste de je crois, euh, euh, donc Paul, euh, j'ai besoin d'une famille euh, de, de, de chez Marianne, et il y en avait un autre, je ne sais plus de quel au Média. D'accord. Qui était là. Euh, Jean-Louis Adenor n'était pas là Je ne sais pas, je ne les connais pas tous. Hein. D'accord, euh, okay. parce que je j'ai pas, pas pu discuter avec les 40 personnes tellement ça a été mouvementé. D'accord. Okay. Jean-Louis Dénor euh, travaillait euh, comme journaliste à, à, à Marianne et maintenant il est, il, a, il est rédacteur en chef adjoint de, de, de la plateforme numérique de, de Marianne. D'accord. Et j'en parle parce que c'est euh, quelqu'un qui m'a interviewé deux fois et, euh, voilà, et donc qui, qui est dans la sphère euh, zététique, tout ça, etc. Et il ah, fait partie non. des gens, si je ne me trompe pas, qui sont invités euh, au prochain REC. Voilà. D'accord. Euh, voilà. euh, J'essaie de voir sa tête. Ah oh, oui, il est rigolo. Il y a des nuits électrons, des cheveux tout bouclés. Ah, il est peut-être là, alors. Voilà. Mais euh, bon, bah, en tout cas, euh, alors moi, je. je, 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 je non, je, je viens voilà. voir sa tête, là, sur, euh, je vais voir sa tête sur, euh, sur Google, non, c'est pas lui. Ok. Euh, alors, soit, je, soit je, il était là et je ne l'ai pas vu, soit. Euh, soit non, peut-être qu'il n'était pas dispo. <laughs> voilà. L'explication la plus simple étant qu'il n'est pas été là. Pas là voilà. <rire> <rire> euh, bon bah écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Euh, non, si, tu, si tu as l'occasion euh, de, de, de passer le bonjour et nos salutations à Faustine. Voilà, pas de si je. Euh, moi je, je, je pouvais, profiterai. Je pouvais pas être là parce que parce que désormais je vis à une distance. Euh, c'est-à-dire, je vivrais en Allemagne, ce serait plus rapide pour moi de venir à Paris que de là où je suis. tu Oui, oui, ouais, non, mais je vois très bien. <laughs> je, très bien. Voilà, je suis au fin fond de la France. Dans cette... Voilà, bref. Donc, euh, bah, de, de lui dire que bah, je, je, je pense que je peux parler pour moi et pour, euh, et pour tous les gens qui me font la gentillesse de, de, de me suivre, qu'on est vraiment de tout cœur avec elle et qu'on la soutient, euh, évidemment. Euh, et, euh, et voilà, d'ailleurs, j'avais euh, évidemment euh, participé... Euh, euh, à, à l'effort financier, voilà, et j'avais amené, enfin euh, j'avais, en tout cas j'avais sollicité ma communauté pour l'aider de ce côté-là. Je m'en rappelle, ouais, je sais. voilà. Je rappelle. Donc euh, je, si ça a pu avoir un impact, tant mieux. Et euh, euh, bah, euh, pour l'instant, elle a pu, euh, elle a pu payer tous ses frais d'abocat grâce aux cagnottes. Euh... Mmh. Elle re, déjà, elle, elle rechignait à en faire une deuxième parce que mm. trouvait que c'était abusé. Je lui dis que non, faut que non, qu a... non. Les gens, les gens veulent des Il faut qu'on apprenne, faut, qu faut qu qu'on qu 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 ait ce réflexe de se soutenir les uns les autres. Oui, oui voilà. Euh, les qu mecs hésit... en face, ils ont des moyens, ils n'hésitent pas, ils euh, voilà, donc, euh, faut... euh, A, a voilà. priori, Grimaud, il commence à avoir épuisé son pécule, parce que de, de, dans les réquisitions de, ouais, c'est ça que j'ai pas vu. Voilà, ça me revient. Voilà. De la réquisition du. Euh, du pro de la procureur ouais. euh, S'il ne peut pas payer euh, rubis sur l'ongle, il a euh, obligation de faire des démarches pour trouver un travail. Un ouais, vrai travail. Oh, yeah, wow, wow, wow oh, le drame. Voilà, donc, <laughs> le euh, drame. <laughs> voilà. et, 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 et euh, On, 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 on s'en est tous parlé à la fin du procès. On s'est dit, mais t'imagines, les collègues de Grivaud, les pauvres, quoi. <laughs> je ne suis pas sûr que ce soit sympa pour eux quoi. mais euh, pour son égo il en prendra sacrément mais qu'est-ce que Grimo pourrait faire il n'a aucune réelle compétence ce gars je, je, je ne sais pas ce qu'il pourrait faire bah, je, je, pense que, je pense que la solution serait d'ouvrir un OnlyFans euh, pour que sa femme euh, gagne, gagne le pognon en fait ouais enfin, sa femme elle n'est elle pas moche mais enfin, elle a, a, a quand même de l'âge maintenant il y, a un, il y a un public pour ça oui c'est vrai il y a, il y a, public a, public pour a tout, toujours diras, un vrai. public pour ça <laughs> il y a un public ouais. pour tout <laughs> mais voilà oui non il faudrait, que, il faudrait que Grimaud arrive à trouver un travail qui protège ses collaborateurs. J'en vois, vois dans le chat qui font des propositions. Alors, je vois Grimaud chez McDo, on s'est dit ouais, « t'imagines, tu vois à McDo, c'est Grimaud qui te sert ton Happy <laughs> Ah oh, putain, mais, alors, mais sans déconner, si jamais il se retrouve dans un boulot comme ça, de service et tout, etc. Ah mais, mais je pense que ça va pas se passer. Mais quel pied oui. ce serait, oui. d'aller le je voir. Je, je pense que surtout, tout le monde va se passer le mot, et qu'on va tous aller je voir les je mots, mots, je bien, le Bonjour Jacques Bonjour Jacques, comment ça va Ça se <laughs> passe bien avec les collègues <laughs> ouais non euh, on a conclu que le seul boulot qui pourrait la, qui, qui pourrait être satisfaisant pour lui et pour son employeur ce serait le gardien de nuit dans un édifice il n'a a aucun intérêt voilà, voilà c'est <laughs> la seule chose qu'il pourrait faire mais absolument sans faire trop de dégâts et encore voilà, <laughs> ouais. oh la vache <laughs> ah oh. non mais enfin voilà j'imagine j'imagine difficilement Grimaud dans une structure normale quoi non non mais le mec est totalement <laughs> inadapté euh... ah ben bah, clairement Peut-être qu'il pourrait donner des cours de R karaté <laughs> Des cours de blabla Non, non mais parce que, bon, de rien, on dit ce qu'on veut, on ne veut pas lui enlever un truc, il est charismatique. C'est vrai oui, qu'il apparemment, euh, apparemment il a Apparemment aussi, il a une mémoire assez fantastique. Ah, euh, Peut-être. Je, je il n'a pas fait montre particulièrement pendant le procès. D'accord. Euh, enfin, ouais. dans l'article euh... dans la, dans que, que, que j'ai lu, la deconge, euh, donc qui a été écrit il y a deux ans, il disait qu'il était assez impressionnant parce que manifestement, il, il est capable de retenir pratiquement tout ce qu'il lit, quoi. Donc, euh... c'est pour ça qu'il peut donner facilement le change quand euh, quand il blablate, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense. Les références, les citations, les choses comme ça. Euh, voilà. Enfin, bref, bah, écoute, merci. Euh, une fois de plus, euh, bah, si tu as l'occasion de dire coucou à Faustine de notre part, je pense que je, je peux parler euh... pour, tout, pour, pour toute l'audience, euh, qu'on est derrière elle, qu'on la soutient, et puis surtout que vraiment, euh, réitère-lui -ré la chose, hein, si, si vraiment euh, au niveau pégunier, elle a besoin d'encore d'un coup de pouce, vraiment qu'elle n'hésite pas, qu oui. même, même qu'elle n'hésite pas à me contacter directement si elle veut, mmh. je me ferai un plaisir de, 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 de passer le message et de et de faire appel à ma communauté pour la soutenir, évidemment. Pas de soucis, je vais redirais que tu la soutiens en plus de tous ceux qu'elle sait qui sont derrière, donc c'est important, parce que... Non, non, mais bien sûr Déjà, elle ne s'attendait pas à avoir autant de soutien, et elle est très très fragilisée psychologiquement, la pauvre. Oui, c'est ce que j'avais Moi, je la connaissais d'avant ce bordel-là, c'était une fille vachement vivante, toujours souriante, vraiment énergique, et aujourd'hui, elle est... Elle est complètement refermée aujourd'hui. Éteinte, est, ouais, est, bien est, sûr. La, la peau, elle est complètement éteinte. Alors, on a réussi à la faire sourire, elle a fait rire après le procès parce qu'on s'est mis euh, tous à, mm. à, à, à van gribot puis on parlait de tout et de rien. Donc, euh, ouais, elle euh... a. J'ai cru comprendre même oui. qu'elle qu avait, qu qu avait eu euh, presque une réaction de rejet à l'égyptologie, quoi. Qu'elle avait abandonné c est, c est son, pas... euh, son travail, presque. C'est pas vraiment un rejet, c'est que. Ouais, euh, quand, quand elle a peur. Euh... Quand tu as peur d'ouvrir ton PC, de... parce que tu ah sais ouais. que tu vas y trouver une insulte ou quelque chose, oui, tu es en train comprends. de faire ta thèse et voilà, tu ne tu vas non, tu euh, après, tu peux oui, pas travailler. C'est euh, insupportable. Elle, elle a arrêté de travailler, mais elle n'a pas arrêté son travail euh, dans l'association qu'elle a créée euh, pour. Euh... Ah d'accord. Voilà, ça, ça Elle est toujours présente dans son association. pour C'est important parce qu'il la... qu y a un soutien. Ça veut dire qu'il y a Forcément, euh, comme elle est en communication avec des gens qui soutiennent son travail, euh, voilà, etc. Oui, voilà, c'est ça. Elle n'a pas. Voilà, elle n'a pas coupé les ponts avec ouais. l'égyptologie il, il y avait des historiens des restaurateurs euh, okay. etc qui, qui étaient là hein, de, 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 pas, pas des gens très connus mais, euh, mais, ouais, oui, mais qui, des, des gens du métier qui, qui étaient là qui, qui voilà. comptent dans la profession et qui sont du métier oui. voilà qui, qui comptent qui, qui, qui ont publié qui sont des gens tout à fait intéressants de vrais scientifiques voilà de vrais scientifiques tout à fait intéressants en plus hein, moi, alors est-ce euh, qu'il y a on des a ceintures dit... noires de karaté parmi ces gens là parce que ces <laughs> sont pas non. très sérieux euh... non, non je ne crois pas mais par contre il y avait tellement beaucoup de ceintures noires de de péter la gueule avec Rimo Est-ce qu'ils ont est... une expérience considérable <laughs> Ah, en péter je... la gueule Grimaud, malheureusement non, ils ont pas l'expérience. Euh, <laughs> mais après, il faut un début à, à tout, comme on je peut dis. Organiser hein. un tiroir. On fait... En fait, on... il y a un truc qu'il faudrait faire c'est proposer un... un octogone à Grimaud et on fait un tirage au sort parmi tous les gens qui veulent l'affronter. <laughs> <laughs> je pense qu'on peut, faire... peut faire une tombola, mais, mais gros, gros. Ah il oui. ah y, y a, y a, y a moyen pas mal de... de pognon, à mon avis. Il <laughs> y, a... y a moyen d'avoir pas mal de. Euh, ouais. Pas mal de moyens. Ok, bon, bah, formidable. Ouais. Merci beaucoup de ton passage. et ça de euh, rien. Et puis, euh, voilà, c'était très, très plaisir. Et puis, ben dis bonjour à Offustine et puis euh, tout ça, et voilà. Je lui passerai le bonjour, il n'y a aucun souci. Merci à toi. Ciao. Ouais, bah, merci à toi. Allez, à plus. Ciao. Voilà. voilà. Bon, bah, c'était quand même très intéressant tout ça. Euh, et puis, amusant. <laughs> Donc, merci à Samuel. Et alors éventuellement, euh, on, on a une on a une petite euh, une petite surprise, c'est que Monsieur Jean Robin est là. Alors euh, je, 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 vais, je vais juste lui, lui parler euh, deux petites secondes, je, je, je vais le faire monter dans, dans, le, le, dans le salon live, deux petites secondes pour discuter. Déjà, je vais prendre une petite euh, un petit break euh, mise à niveau des fluides. <laughs> Et puis, je, je vais aller voir Jean, euh, discuter avec lui deux secondes, voir s'il veut prendre la parole. Et puis, de nous, on discute. Et, et voilà, ce genre de choses. Et, et, et voilà. Donc, euh, à tout de suite. Et puis après, je, enfin, en revenant, je regarderai ce que vous avez marqué sur le chat. Euh, voilà, j'ai des trucs à gérer, quoi. Voilà, <laughs> à tout de suite. Ouais, salut, tu m'entends toi Ah, on se tutoie ou se voit, je sais plus en fait. <laughs> ouais, on peut se voir, alors pas de problème. Bah écoute, je suis sur ta chaîne, donc c'est une chaîne dédiée plutôt au témoignage de ceux qui croient. Et donc, euh, moi, je peux bien apporter mon témoignage et partir là-dessus. Mais avant, je voulais te, te féliciter publiquement pour ton travail sur euh, bah, la critique de l'islam, parce que ce n'est pas évident. Et, euh, et je pense que. Et, et la défense des apostats, parce que ma femme est apostate. Je ne sais pas si tu as reçu mon mail, mais euh, voilà, j'y tiens beaucoup. Et je trouve que ça mérite d'être euh, souligné. Et vraiment, euh, ce n'est pas un combat qui est facile, hein, <laughs> comme on sait. Et euh, voilà. C'est si tu me permets. Hein. <laughs> voilà. ouais. Tu me vois là, de toute façon? C'est bon le. le... Ah voilà, c'est mieux quand on se voit, ouais. Moi je te vois bien. Ah, voilà. C'est ça. C'est comme chez toi. <laughs> Ça marche, merci. Pouf. Bon, ben bah écoutez les amis, c'est euh, super bien. C est, c est, c est, la, la, la chaîne va en, va enfin. Euh, enfin a l'air de commencer à... Alors, euh, on ne va pas passer beaucoup de temps parce que Jean attend dans le SAS pour prendre la parole, et que comme le but de cette chaîne, c'est de donner la parole aux croyants pour qu'ils viennent nous expliquer pourquoi ils croient ce qu'ils croient. Hum, je, je vais euh, rapidement lui donner la parole et puis, puis il, 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 va, il va venir nous expliquer euh, pourquoi il croit ce qu'il croit. Hein, parce que, voilà, c'est ça l'idée. Et, et donc, euh, et donc bah, voilà. Je, je, je... Comment ça, vous m'entendez pas Vous ne m'entendez pas Si, vous m'entendez quand même. Rassurez-moi. Ah, oui, voilà. Eh, bah oui, c'est normal. Voilà. Euh, bon, euh, tiens, il y a quelqu'un à collègue qui dit Vive les Claudie. <laughs> Mais vive la baronnie maintenant. Euh... Euh... Ok. Et voilà. Donc, euh, voilà. Bon, ben, on, va, on va attaquer. Je, 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 vais, je, vais, je vais ouvrir le truc interview. Et puis, ben, on, va, on, va, on va discuter avec Jean. Voilà. Ça va, ça, ça va être sympa. Voilà. Hop, et donc, pouf, et voilà, j'en nous voilà. Alors pourquoi est-ce que je ne te vois pas, cam intervenant, comment ça se fait, propriété Alors je... je ne sais pas pourquoi. Hop, pourquoi ça ne s'affiche pas Je ne te vois pas, je ne sais pas pourquoi. Tu m'entends Alors moi, je t'entends. Bonjour Alexandre, et bonjour à tout le monde. Je ne sais Alors... pas si on me voit. Ouais. Euh, non, apparemment, OBS ne euh, veut pas m'afficher. Non, ce n'est pas, pas ça que je veux. Excuse-moi. Euh, je sais pas pourquoi il me montre pas ta cam. Non, c'est pas ça. Euh, c'est quoi ce bordel Alors là, c'est très étrange parce qu'en plus, ça, ça, ça marque... Euh, il était pour cam intervenant. Ah. Je ne sais pas pourquoi. Hop, tac. Euh... Ah ben si, t'es là. Pourquoi est-ce que, pourquoi c'est par intermittent Je ne sais pas pourquoi ta, ta cam ne s'affiche pas. Je ne suis pas un adonis, mais quand même. C'est <laughs> peut oui, être oui, sympa. Non, mais euh... oui, oui, non, mais c euh... non, c'est très bizarre. Euh, parce que dans la fenêtre. Euh... Bon, alors on va essayer autrement. Hop, plein écran. Tac. Voilà. Donc, normalement, Jean-Robin. Voilà. Donc, pourquoi ça ne marche pas Est-ce que ça marche là Attends, je vais vérifier le résultat sur... sur Sinon, au pire, ce que je dis est plus important que mon apparence. Donc, euh... Ouais, mais alors, c'est <laughs> satisfaisant. C'est-à-dire que mon ego était absolument énorme, mais là, de m'avoir deux fois à l'écran, c'est peut-être peut pas. Euh, voilà. <laughs> ah Voilà, ça y est Alléluia. J'y suis, suis pas à reviendre. <laughs> voilà. voilà, formidable. Bon, eh bien, bonjour à toi. Bonjour à vous, à tous. À la baronnie alors, il faut dire comme ça Écoute, je ne sais pas. Depuis que j'ai passé chez Zioclo et j'entends parler de la Zioclodie en particulier, je vous dis, pourquoi Allons-y, assumons le truc. Dans ce cas-là, ce serait la robinetterie. Pas terrible. La robinerie, oui, c'est pas mieux non plus. Écoute, c'est grâce à Zioclo que je t'ai connu, puisque pour ceux qui n'ont pas vu notre notre échange il y a une semaine de ça, c'était chez Zioclo. Non, voilà, c'est grâce à lui. Deux semaines. Ou deux semaines peut-être déjà. Une semaine déjà, et demie oui. parce que c'était un mercredi, non C'est ça Je ne sais plus. Mercredi, ouais. Voilà. Ouais, ça. Alors, ouais. Le temps passe vite en tout cas. Et, et, et c'est oui, grâce, oui. grâce à lui qui, euh, qui invite vraiment des gens euh, très intéressants qu'on connaît pas parce qu'il y a tellement de, de, de gens euh, qui parlent. <laughs> mais euh, mais j'ai trouvé ton discours vraiment euh, posé. Enfin, de ce que j'en ai vu, j'ai pas vu toute l'émission, euh, mais je l'ai trouvé posé. Euh, moi, j'ai été athée 36 ans. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant aussi que je peux me. Euh, je peux comprendre euh, quasiment tous tes arguments, puisque c'était les miens, <laughs> tout simplement. Euh, alors, juste avant de, de rentrer dans le dur, euh, je voulais te, te féliciter, comme on en a un peu parlé avant. Je voulais te féliciter parce que euh, c'est pas, pas évident aujourd'hui de, de défendre les apostates de l'islam. Ma femme est apostate de l'islam, encore que. Euh, elle, donc, elle a vécu en Algérie les 30 premières années de sa vie, elle a vécu la guerre civile, et elle a vécu le, ce qu'elle appelle, elle, le triple terrorisme de l'islam terrorisme familial, euh, terrorisme intellectuel et terrorisme en plus de, de la guerre civile qu'elle a vécue. Et donc elle a écrit un livre là-dessus, mais il n'est plus en vente malheureusement pour l'instant pour un monde sans islam. Mais dès l'âge de 4 ans, elle disait à sa mère d'arrêter de, de porter le voile. Donc je ne sais même pas si on peut parler d'apostat d'islam, parce qu'elle n'a jamais vraiment été musulmane. Tu vois elle, elle, elle sait jamais. Euh... Comme tu disais, tu connais quelqu'un qui, dès l'âge de 7 ans, euh, ne se sentait pas musulmane déjà ou, ou rejetait l'islam, ça existe. Hein. Ma femme en est l'exemple le, aussi. Et donc, à, à 29 ans, elle a décidé de venir en terre chrétienne, d'après ses propres termes. Euh, elle considère la France comme une terre chrétienne. Donc, euh, ce que, que les les français ne le considèrent déjà plus comme une terre chrétienne elle elle le voyait comme ça en fait de, depuis l'algérie qui, qui est elle est une terre musulmane. Donc en fait, il y a une lecture religieuse qui est encore dominante dans beaucoup de pays dont l'Algérie et donc ils voient l'Europe et notamment la France comme un pays chrétien parce que c'est vrai qu'historiquement on a été plus longtemps chrétien que athée. Mais aujourd'hui indéniablement, on est athée. Je veux moi-même, j'ai été éduqué par des parents athées. Dans une... je, je pourrais même dire endoctriné si j'étais un peu polémique mais c'est un... enfin je pense je pense qu'un enfant ne peut être qu'endoctriné en fait quelle que soit l'éducation qu'il reçoit au début au départ c'est une page blanche et il reçoit donc de force il n'a pas choisi l'éducation qu'il reçoit donc si comme toi il est euh, éduqué par des catholiques il, il va être endoctriné par le catholicisme. Et tout ce que ça représente, tout cet univers, etc. Moi, pour info, donc j'en parle dans mes mémoires, j'ai écrit des mémoires à mon, à mon âge avancé, j'ai écrit des mémoires, et ça s'appelle « Mémoires d'avant-guerre », et j'explique comment un de mes cousins, puisque une partie de ma famille est catholique, une partie assez éloignée, mais j'ai un de mes cousins qui s'est suicidé parce qu il refusait cet endoctrinement catholique. Donc, à 15 ans, il est revenu chez lui, il en avait marre. C'était un artiste, donc euh, plutôt peintre, pas, pas musicien. Oui, les, et, les, euh, artistes souvent, les artistes, souvent, ne sont pas adaptés à ce genre de, de, ça. de, et, de modèle mental. Ben, ça dépend, parce que tu, tu as des grands artistes aussi euh, chrétiens, mais, mais là, en l'occurrence, lui, il refusait ça euh, de tout son être. Et comme ses parents euh, appuyaient et le mettaient dans un, dans un, lui faisaient subir un endoctrinement euh, hallucinant, euh, il, est, il est revenu pour un week-end euh, chez ses parents. Il a pris le fusil de chasse et il s'est tiré euh, ça dans la bouche. quoi. Donc, euh, Pardon, de... ah, ouais. Alors, attends. Euh, C'était en quelle année Oh là, euh, ben, on avait à peu près le même âge et j'avais 13-14 ans. Donc, euh, je suis né en 78. Tu voilà, fais le calcul là, c'est le matin euh, pour moi. Donc, ouais. je ne suis pas très réveillé. Ok. Euh, donc euh, voilà. Non, parce que je, donc, je pense, je je pense ouais. à ça parce que j'ai un de mes camarades de classe. C'est exactement ce qu'il a fait en revenant de la pension. Euh, ouais. C'était chez les frères, hein, Saint-Martin-de-France. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, il, est, il est revenu un week-end. Euh, et, et puis le lundi suivant, il n'était pas là. Et on, mmh. nous a, on nous a parlé d'un accident de chasse. On s'est tous regardé. Prenez-nous pour des cons. Mmh. Voilà. Bref. Non, 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 ça, ça existe. Il euh, y, y a une détresse psychologique euh, terrible de gens. À qui on impose euh, des choses qu'ils ne veulent pas, et, vo et voilà comment ils peuvent réagir. Alors, moi, je n'ai pas réagi à ce point, mais j'ai failli me suicider aussi. C'est marrant, mais euh, quand j'ai eu 18 ans, donc moi, j'ai été endoctriné athée, par des parents athées, euh, dans une société majoritairement athée. Donc, euh, euh, je j'ai été dans un cocon, si tu veux, nourri à la télévision, aux jeux vidéo. Euh... Tu sais, à la télévision, tu avais, euh, il était une fois l'homme, par exemple. Ou où... ouais, oui, c'est ça, sûr. avec le, le générique au début, la théorie de l'évolution, tout ça. Donc, on, on en a en permanence. Euh, tu peux pas y échapper, en fait, euh, à cet Mais endoctrinement. À alors ça, c'est Alors, je ne suis pas d'accord sur le thème d'endoctrinement <laughs> pour, 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 pour une raison assez simple, euh, c'est que. Euh... c'est que personne va te... Comment dire ça Excuse-moi, j'ai besoin d'un petit moment pour rassembler mes idées parce que tu as dit énormément de choses. Un autre c'est quand on te dit que tu pas le choix. On ne t'éduque pas à ne pas croire en Dieu. On oublie de t'en parler. C'est complètement différent. On ne dit pas, c'est pas... Parce que moi, je me souviens des, des, des émissions. L'exemple que tu viens de prendre est assez intéressant. Parce que dans Il était une fois l'homme, je n'ai jamais entendu un discours qui était Dieu n'existe pas. Il y a le mot Dieu. Des, enfin, moi, je ne me souviens pas d'une seule émission où le mot Dieu était prononcé et euh, accompagné d'un commentaire négatif. Euh, on n'est pas du tout dans une situation équivalente euh, du côté des croyants. Parce que pour le croyant, le non-croyant est forcément quelqu'un, par définition, il est toujours défini comme étant amoral. Il suffit de voir, enfin bon, on a des, trente, des, trente, des exemples, enfin, on n'a même pas besoin de chercher. Enfin, je veux dire, à chaque fois que je reçois des, des, des commentaires d'islamistes ou de cathos fondamentalistes, j'y ai droit. De toute façon, l'athéisme est amoral, etc. Entre, on a toujours droit au stalinisme et aux chambres à gaz, alors que ça n'a aucun, aucun rapport, mais bon, c'est pas grave. Et. Donc, y a, y a, les deux situations ne sont pas du tout équivalentes. Parce que ne pas parler d'un sujet, euh, ce n'est pas euh, le dénigrer. C'est tout simplement vivre sans s'en préoccuper. C'est tout. Et en ce qui concerne euh, les, les dessins animés, il était une fois l'homme ça parle du savoir scientifique. Ce n'est pas une croyance. C'est un savoir que tout un chacun peut acquérir euh, s'il veut creuser le sujet. Alors, il y a des gens qui comprennent toutes ces choses-là très, très vite. Il y a des gens qui sont plus ou moins doués pour les maths. Moi, par exemple, je suis complètement bouché. Hein. J'ai un, un niveau de quatrième, hein, soyons clairs. <laughs> Mais ça ne m'empêche pas de faire confiance. Euh, une confiance qui a été construite par l'expérience et par la. Comment dirais-je? Euh, par le fait que chaque fois que j'ai testé des connaissances scientifiques, les réponses qui m'ont été apportées étaient convaincantes, logiques et reproductibles. Donc, voilà, je pense qu'il est important de faire la différence entre le savoir et le croire. Voilà, c'était juste, juste ça. Je ne considère pas qu'il n'y a pas d'éducation à l'athéisme, parce que sinon, il faudrait faire une éducation à la non-croyance de tous les dieux qui ont existé. Et ce n'est pas possible. Et ce n'est pas ce qui se passe. Voilà. Et alors, donc, en fait, euh, c'est un peu comme si euh, je t'expliquais ce que c'est l'endoctrinement catholique. Alors, je ne l'ai pas vécu. Moi, je n'ai pas vécu cet endoctrinement catholique-là, donc je ne pourrais pas euh, dire ce que c'est. Toi, si <laughs> voilà. toi, tu peux en parler. Voilà. Exactement. Donc, toi, tu peux en parler. Donc, je pourrais pas t'expliquer, en fait, euh, ce que tu as vécu, toi, puisque toi, tu l'as vécu et pas moi. Par contre, moi, j'ai vécu l'endoctrinement athée. Et je peux t'en parler. Et tu ne l'as pas vécu, toi, puisqu'on ne peut pas vivre deux endoctrinements en même temps, par définition. Donc. Euh, ça va beaucoup plus loin que ce que tu expliques là, parce que euh, si je prends l'exemple de mes parents que j'adore, hein, c'est pas la question, mais ils m'ont imposé de force une vision où Dieu était euh, nié totalement, euh, où il était euh, moqué, rabroué. Moi, mon père euh, m'a même offert une Bible en disant euh, une Bible en BD, en BD, en disant regarde les fables, c'est intéressant les, les fables qu'on qu raconte aux adultes. C'est comme le Père Noël. Ah, oui. Donc euh, non, en fait, la, la culture dominante en France, elle n'est pas euh, païenne, elle n'est pas hindoue, elle n'est pas sikh, elle est pas, euh, elle est chrétienne. Donc, il suffit de nier euh, ce dieu-là, ce dieu de la Bible, pour les nier euh, tous, parce que personne en France va commencer à chercher euh, dans les sikhs, je veux dire, la vérité. Tout le monde s'en fout euh, des sikhs. Mais le premier dieu auquel on est attiré nécessairement puisque c'est notre histoire, hein. on a 2000 ans d'histoire, à peu près 1500 euh, d'histoire chrétienne, mmh. c'est ce Dieu-là. Donc euh, en fait, il euh, y a différentes manières d'endoctriner. Il y a effectivement une manière plus brutale qu'une autre, moi je veux bien être d'accord là-dessus, c'est-à-dire que la manière athée, encore que ça dépend des périodes, hein. sous la Troisième République, euh, c'était beaucoup plus violent qu'aujourd'hui. Euh, sous la Troisième République, euh, raciste d'ailleurs, athée, euh, on endoctrinait les gens. Euh, de façon bien plus euh, violente. Mais aujourd'hui, c'est vrai, euh, voilà, on est un peu plus civilisés, et donc moi, mes parents, euh, ils ne m'ont pas menacé de quoi que ce soit si euh, je devenais euh, croyant. Encore que c'était assez clair pour, pour eux que euh, <laughs> je, je n'avais pas à fréquenter ces gens-là, qui n'étaient pas comme nous. Donc il y, y a les mêmes préjugés, il y a les mêmes euh, réflexes, en fait, chez les athées, quand ils, en, ils endoctrinent leurs enfants. Moi, je, je, je tiens à ce terme parce que je l'ai vécu. Et j'en étais au suicide, puisque j'ai parlé du suicide euh, réel de mon cousin. Moi, j'ai failli sauter, si tu veux, du sixième étage, quand je suis monté à Paris, donc je suis sorti du cocon euh, familial, où j'étais choyé, donc, dans la, la non-croyance en Dieu, et je me suis retrouvé tout seul, avec moi-même, si tu veux, et là, je me suis dit, mais, ma vie n'a aucun sens, en fait. <laughs> euh, J'avais des études, ok euh, j'étais amoureux d'une nana, euh, pas, pas, c'était pas réciproque. Donc, je commençais à, à, à me confronter, si tu veux, à la, à la dureté de la vie, à Paris en plus, là où euh, tout se, se, se joue. Mais il y a aussi beaucoup de dureté, de compétition, etc. Et j'étais tout seul dans ma chambre euh, de bonne, si tu veux, de 12 mètres carrés. Et là, je me suis retrouvé face à moi-même. J'avais plus de télé, j'avais plus de jeux vidéo. j'avais je, fait exprès de, parce que j'étais drogué en fait, là aussi. Et la télévision est un des moyens pour l'athéisme de se répandre aujourd'hui de manière très claire, à part le jour du Seigneur, et ça c'est clair aussi, mais je veux dire, c'est une heure par semaine. L'athéisme, c'est matin, midi et soir, euh, du début à la fin de ta journée, euh, dans tes, chez tes proches. Enfin, moi j'ai vécu ça 36 ans, et ça, ça ne me venait même pas à l'idée euh, qu'on qu pouvait être croyant. Pour moi, c'était la débilité même, c'était euh, vraiment. J'ai intégré, si tu veux, au plus profond de moi comme des croyants intègrent ce que leurs parents leur disent, parce que c'est de l'endoctrinement. Et pour moi, je croyais au libre arbitre parce que tout le monde y croit, euh, je croyais que Dieu n'existe pas parce que personne n'y croit, etc. Et je voyais des gens, effectivement, qui y croyaient, mais déjà, j'avais le, le suicide de mon cousin, donc c'était bien la preuve que c'était n'importe quoi, que ça menait à, à, à des horreurs, cet endoctrinement catholique. Euh, et donc, bah, je n'avais aucune raison. De, de, de prendre au sérieux. J'ai même étudié la Bible avec des croyants qui m'ont gentiment invité pour l'étudier avec eux et je me foutais de leur gueule à chaque étude biblique en disant, vous croyez à ça, regardez, est, euh, contraint les d'entrée, Luc 14, 23. Donc vous croyez que votre Dieu vous force à croire. Donc c'est un Dieu totalitaire. Donc fin de la discussion. Pour moi, c'était clair et net, tu vois. La Bible est très claire. Euh, c'est un Dieu totalitaire, etc. Ça, c'est ce que j'ai cru quand j'étais athée. Mais c'est ce que tu crois aussi aujourd'hui, puisque tu es un irréductible athée, non, alors, <laughs> comme un irréductible Non, non, non. non, 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 non. non, non, non. Reprécisons. Re -re L'irréductible se réfère au fait que je suis français. Hein? Il se rapporte plus au fait que je sois gaulois qu'au fait que je sois athée. Ah, c'est ça. Voilà. C'était oui. un clin d'œil. C'est justement. Ce... Alors... Voilà. C'était exactement <laughs> ce que j'étais en train de dire. Ouais. Par rapport à ce, que... à ce que tu viens de dire, tu as dit qu'il y avait une propagande athée à la télé. Toi tu la vois, moi je la vois pas. Est-ce que tu peux me donner des exemples Est-ce qu'il y a, une émission, télé, et il y a une, télé, une émission télé en France qui t'explique que la religion c'est mal, que croire c'est que, que, que Dieu n'existe pas Est-ce qu'il y a une émission à la télé française où il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas oh. Alors, Il y a des, des mentions directes et il y a des mentions indirectes, puisque l'athéisme c'est un mode de pensée. C'est pas juste Dieu n'existe pas, c'est tout ce qui en découle. Parce que si on croit que Dieu n'existe pas, euh, bah, l'avortement ça ne pose aucun problème. Quoi, euh, donc quoi, non, 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 ça a aucun rapport. Désolé. Il y, Alors, y a des gens qui sont athées, ici si, qui sont contre l'IVG. Et puis ça en vrai, une exception. Tout. Non, pas du tout. Non. Je n'en connais pas. Moi, donc, je ne ouais, sais pas si tu en connais. Ouais, mais... mais ton expérience individuelle, anecdotique, ne fait pas foi. Là, y a une non, je sais. Mais il y, y a une proportion non négligeable de croyants qui. Qui, qui sont partisans de l'IVG. Et de la même manière, alors effectivement, la, la, la part peut être moins importante, mais il y a une part non négligeable de gens qui ne se revendiquent d'aucune religion et qui sont contre, par principe, l'IVG. Alors raison, après, on peut en discuter, etc., mais c'est un fait sociologique. Maintenant... Euh, à titre personnel, par exemple, j'estime je, 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 effectivement qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Je pense que l'IVG, effectivement, doit être extrêmement euh, très euh, bien cadré, etc. Et les propositions euh, euh, qui permettraient à une femme qui dirait ah bah, au 8e ou au 9e mois, bah non, finalement, je ne le veux pas, aller euh, débarrasser euh, Non. Je, je, ça, non, ça, c'est pas. Non. Là, je ne je, 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 je pourrais pas dire que je, que je soutienne ce genre de choses. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, pour revenir très précisément à, à, à la propagande athée à, à la TV... Je peux t'en donner d'autres exemples, si tu veux, mais ju juste euh, sur, sur l'histoire de Palmade, par exemple, c'est intéressant, il y a dans l'actualité un fait euh, qui permet à chacun de voir euh, ce qu'il en est. C'est-à-dire que euh, Palmade euh, a donc fait ce qu'il a fait, je ne reviens pas là-dessus, mais il se trouve que dans la voiture euh, qu'il qui a frappée directement, euh, il y avait une dame qui était enceinte, mmh, donc de 27 bébé, ans, qui était enceinte ouais. de 6 mois. Ouais. Alors mais donc en euh, plus 3 ans de vive. Euh, oui. Et donc euh, la justice apparemment est en train de décider que l'enfant, c'est pas un meurtre en pas, fait. Elle est pas en train de décider. La loi... C'est ce que j'ai cru comprendre, mais non, si non, as non, des infos, ou... non c'est pas ce qu'elle est en train de décider. C'est-à-dire que ça fait longtemps ouais. que le fœtus n'a pas de statut de personne. Voilà. Et sauf qu'au début euh, j'ai lu je sais plus où et puis j'ai pas la source là, mais j'ai lu que euh, ça pouvait être considéré comme un meurtre. C'était envisageable et, et rapidement, ça a été effectivement. Non, mais je vais dans ton sens. Rapidement, ça a été évacué. Non, parce ça a pas que été évacué, ça a été un rappel à la loi. Oui, c'est ça. Parce que la loi récemment, en plus, a mis dans la constitution. C'est même pas la loi, c'est la constitution. Tu comprends que le fœtus n'est pas un être humain euh, et, et n'est pas un être vivant. C'est pas un être humain en fait, on ne sait pas ce que c'est. Et donc Alors, ça, c'est un être vivant, mais ce n'est pas une personne au sens législatif. C'est tout. Bah, c'est ça. Donc on peut mais être -dire une personne sans C'est-à-dire que la vie de la mère prévaut sur celle de l'enfant, en tout cas à naître. Voilà. voilà donc oui. ça, c'est ça. Voilà, bah, c'est ça. cette idéologie dont je parle. Mais ça rien ça, à voir avec l'athéisme. Bah, si. C'est-à-dire que dans non. les, il bah, n'y a aucune religion fait... qui le fait. Le fait de répondre à quelqu'un, Dieu existe et de lui dire, est-ce que tu as une preuve Et qu'il me réponde, j'ai pas le type de preuve que tu attends, et, et de lui répondre, donc je ne te crois pas, ça n'a aucun rapport, aucun, avec le fait d'être pour ou contre l'IVG. Alors ça, c'est une autre question, parce que c'est la question non, de la non, preuve. Non, et moi, je est, peux être... non, 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 on ne non, non, part pas sur l'histoire de la preuve. Je t'explique simplement. Si te non, 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 non. Je... Ah, Anna, pas compris, Anna, la définition de l'athéisme, en tout cas, ma définition de l'athéisme. Et euh, celle que je pense la plupart des gens qui nous écoutent euh, euh, partagent avec moi n'est pas celle du dictionnaire qui a été, euh, qui reprend la définition de l'athéisme, qui est qui a été forgé justement par 1500 ans de chrétienté et, euh, et, de, et, de, et de vision grégo-romaine de, de, de ce qu'est un bon citoyen et euh, qui dit que c'est une doctrine. L'athéisme n'est pas une doctrine, ce n'est pas non plus une philosophie. La plupart des gens sont athées sans y réfléchir plus que ça. Ils vivent sans s'occuper de Dieu. Certains réfléchissent un petit peu à la chose, et quand il y a des croyants qui essaient de les convertir, euh, eh bien l'athée répond. Euh, donc le croyant vient en lui disant Dieu existe, euh, l'athée lui répond je ne crois pas à ton affirmation. Point final ça s'arrête là et c'est même pas et c'est même pas une déclaration par rapport à dieu c'est une déclaration par rapport à l'affirmation que fait le croyant c'est tout ça va pas plus loin que ça donc ça c'est très important à garder en tête euh, l'immense majorité des gens qui sont athées ne le sont pas pour des conceptions philosophiques ou particulièrement morales ou après une réflexion très profonde ils le sont tout simplement par non-croyance dans, euh, dans les livres sacrés, dans les affirmations des croyants, etc. Ça s'arrête là. Ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une philosophie. C'est juste une position par rapport à l'affirmation des croyants. C'est tout. Ok, très bien. Donc, euh, je dit quand même juste avant que euh, on n'apporte pas de preuve que Dieu existe. Donc on crois pas. C'est ça quand même la logique. Et moi, je suis d'accord avec toi. En général, déjà... le dialogue. Effectivement, en général, le dialogue, c'est euh, Dieu existe. Est-ce que tu as une preuve Non. Bon, ben, je te crois pas. Ouais, c'est tout. C'est comme euh, j'ai gagné au loto. Euh, ouais. Tu peux me montrer ton compte en banque Ah, mais non. Mais c'est un compte en banque invisible. Bon. Ok. Va, va, va mythomaner ailleurs. Voilà. Ah, et donc euh, là, on est d'accord. C'est-à-dire que moi, je pense, en tant que protestant présuppositionnaliste, il y a un présuppositionnaliste euh, qui a débattu avec Matt Dilanti -Dila en 2013, qui s'appelle Brückenkate, J'invite les gens à regarder ce débat qui a dépassé le million de vues maintenant, qui est vraiment fondateur, selon moi, des deux visions qui sont les nôtres. Euh, Est-ce que... Est que tu peux préciser est... ce que c'est que le présuppositionnalisme Le présuppositionnalisme, ça veut dire qu'on euh, on, on ne croit pas aux preuves de l'existence de Dieu. Euh, même en étant euh, calviniste, chrétien comme moi, enfin protestant réformé, c'est-à-dire qu'on ne pense pas qu'on puisse démontrer l'existence de Dieu par des preuves. Oui, donc en fait, que... on se base sur la foi. Point final. Alors, c'est pas exactement ça, mais en tout cas, ça s'oppose à la vision évidentialiste qui, elle, euh, apporte des preuves. Et c'est ce que j'ai fait moi, avant d'avancer dans ma foi. J'ai écrit un livre qui s'appelait euh, « 50 preuves que Dieu existe ». Je suis vraiment tombé dans ce. Okay. Voilà. Je suis vraiment tombé dans ce piège-là parce que j'ai confondu indice et preuve. Or, ça n'a rien à voir. Tu peux avoir sur une scène de crime des indices tu peux, euh, qui, te, voilà, qui te font réfléchir, qui t'amènent peut-être même à un coupable, mais ce n'est pas la preuve du coupable, les indices. Voilà. Or, ce qu'on a dans... Oui, ouais, moi... ouais, alors. Euh, ouais. OK. Alors, donc, ta position euh, est... Comment dirais-je opposé à, au travail qu'on qu pu faire ah, euh, ouais. Bonassi et Bolloré avec leur livre Dieu de la science l'épreuve. D'accord. Tu, tu te poses. D'ailleurs ils ont refusé ma proposition d'interview parce qu'ils se doutaient que j'allais les mettre en slip, comme on ah, dit. <laughs> voilà cette obsession du slip. <laughs> c'est quand même terrible. C'est un peu ma marque de fabrique. Si tu veux. Je, je cherche à avoir euh, le soutien de la marque française le slip euh, le qui me subventionne. D'accord. Pour l'instant voilà, ils veulent pas. <rire> <rire> en fait c'est le problème c'est que tu n'es pas une éminence. Ah, je l'ai. Mais cela dit, je ne l'aurais pas proposé. Hein, donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas accepté. Voilà. Et peut-être ça viendra, on ne sait jamais. Donc, euh, je pense que c'est intéressant de. Parce que on parle de faisceaux d'indices, on parle aussi de faisceau de preuves. Euh, effectivement, des indices, c'est des marques. Finalement, c'est des preuves non concluantes. On pourrait dire ça comme ça plutôt. Parce qu'à partir du moment où on arrive à, à, à tisser un, un, un lien direct, par exemple avec une trace de pneu, un ADN, une, une empreinte digitale, enfin ce genre de choses, euh, ce qui était un indice devient une preuve. Donc en fait, on pourrait considérer que l'indice est une preuve non concluante, en tout cas pour le, entre guillemets, le commun des mortels. C'est-à-dire que quand tu présentes le truc, toi tu dis je suis convaincu que ça, c'est une preuve. Euh, une vraie preuve, quand tu la présentes, elle convainc n'importe qui par elle-même. Elle n'a elle pas besoin de soutien. On est d'accord Elle agit par elle-même. Euh, donc, toi, tu penses que les indices, euh, c'est-à-dire un faisceau d'indices pour toi finit par constituer une preuve. Non, 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 justement, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faisceau d'indices suffisant euh, pour démontrer l'existence de Dieu. Je te donne un exemple. Euh, moi, je croyais avant, quand j'étais croyant, hein, parce que j'expliquerai aussi peut-être comment je suis devenu croyant, c'est peut-être intéressant pour, pour toi oui. et pour non, les bon, gens qui nous écoutent. C'est plutôt ça, oui, ta démarche. Après, voilà, à, après 36, que 36 ans. Qu Qu'est-ce voilà. Tout d'un coup, tu as fait retourner ta jaquette et ton <laughs> truc. Après, après, après 36 ans d'athéisme, ouais, c'est impressionnant, mais je, je vais t'expliquer après, mais juste avant. Euh, je ne sais plus de quoi on parlait du coup euh, ouais, donc par exemple une preuve mmh. ce que je croyais être une preuve et qui n'en est pas une euh, que j'écrivais dans mon livre 50 preuves que, de l'existence de Dieu et je l'ai retiré de la vente, hein, il n'est plus en vente mais c'est que euh, la Bible euh, a été écrite par 40 auteurs sur 2000 ans 40 donc pour moi un... chiffre mi... minimum <laughs> voilà, 40 l. C'est beaucoup d'auteurs sur une grande période de temps. Si tu veux l'opposer au Coran, par exemple, moi, quand je débat avec des musulmans, je leur dis bon, votre Coran, là, il a été écrit par une personne. Non. Euh, sur sur. Enfin. Non. Après, il a été rassemblé. Non. Par euh, non. une personne. Non. En tout non. cas, c'était pas sur 2000 et... ans et c'était pas 40 auteurs. Ça, c'est là-dessus. C'était juste sur à peu près 300 ans et euh, lit le Coran. Si, si, lis le Coran des historiens. Là, on a des preuves euh, sur les styles de graphie, sur tout, 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 les, tout ce qui a été euh, la récupération des mythes euh, de la région à ce moment-là, des histoires qui se. C'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup de, de, de formules qui viennent directement de l'Ancien Testament et même éventuellement enfin, certaines parts qui ressemblent aux évangiles. C'est tout simplement parce que c'était des histoires qui circulaient dans la région et qui ont été récupérées. Euh, on n'a pas de. Alors, il y a plusieurs thèses sur le sujet, alors parce que. Non non non. par un rabbin. Non alors. Ok. Je connais cette thèse Non, je connais pas cette thèse. Et honnêtement, euh, une thèse sur l'histoire d'un texte sacré écrite par un religieux, a priori, je, part... je 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 vais avoir un a priori sur le biais de confirmation de l'auteur. Si j'ai affaire à des historiens, c'est-à-dire des gens qui prennent la distance et qui disent je ne suis pas concerné, je m'occupe simplement. Des textes, de leur origine, de ce que je sais de manière scientifique, de ce que je peux prouver, j'aurais tendance à écouter plutôt ces gens-là. Or, depuis, on va dire, 35-40 ans, euh, tous les travaux qui ont, euh, qu ont été, comment dirais-je, compilés ces dernières années, et vraiment, achète, si tu l'as pas encore, le Coran des historiens pour le lire. Euh, ils viennent de sortir d'ailleurs une édition un peu plus, un peu plus courte qui est, qui, est, qui, est, qui est presque une synthèse, si tu veux, des trois bouquins. Euh, voilà, parce que quand même enfin, le truc est un peu massif euh, le la conclusion c'est que euh, le Coran a été écrit par de multiples auteurs que les hadiths ne sont absolument pas fiables que etc bref c'est enfin, toute la ça c'est les hadiths c'est encore autre la, euh, chose la mais etc. le Coran lui-même à cause de la mmh. graphie, à cause de la prononciation, à cause d'un certain nombre d'éléments de, de, de ce genre-là, culturels, voilà, on n'a aucune raison de penser qu'il y a eu un seul auteur à un moment donné. Non, c'est un travail ah. de longue haleine sur 300 ans, ouais. de différentes écritures, de récupération, de, voilà, etc. Exactement comme la Bible. C'est exactement le même processus. Non, justement. là c'est là où je pense que je vois où tu vas en venir, du coup. Mais je pense ne pas en venir nulle part. Moi, je te dis simplement ce que disent les historiens. C'est tout. D'accord. En tout cas, le livre des Mormons, par exemple, on va prendre cet exemple-là, ça va être plus clair. Ah ben là, oui, le chapeau avec les lingots, oui, non, clairement. On est Là, ça a été écrit par un seul homme, mmh. dans son propre intérêt, parce que le Coran favorisait quand même Mahomet. Donc ça, c'est ce, ce que je voulais dire, en fait. C'est que euh, le Coran favorisait un homme qui euh, prétendait l'avoir écrit, et qui justifiait comme ça euh, de pouvoir coucher avec n'importe qui. Ses exactions, coucher avec n'importe qui, qui, voilà. Or, ce n'est pas le cas dans la Bible, c'est juste ce que je voulais dire sauf, avec sauf Jésus, que, sauf par que, exemple. Non, sauf que le, pardon, le dernier chapeau, c'est qu'on n'a aucune preuve formelle, historique, que je, Mahomet ait vraiment existé. Ah oui, moi je veux pas défendre ici l'islam. Que... Non, non, mais ce que, ouais. je, ce que je veux dire, c'est que euh, la thèse mythiste, alors moi j'étais très mythiste par rapport à Jésus, j'ai pris un peu de distance avec cette, avec cette, euh, cette hypothèse, euh, il semblerait que la thèse mythiste en ce qui concerne Mahomet n'est pas du tout ridicule. Voilà. OK. Bah, très bien, on peut toujours creuser. Moi j'ai arrêté de creuser sur l'islam parce que déjà, <laughs> j'ai été traîné au tribunal pour blasphème en 2019. Alors, je ne sais pas si tu l'as su, mais voilà, Le personne... Le blasphème euh, n'existe la... pas en France Voilà, ben, j'ai quand même été condamné même en première instance pour blasphème de l'islam. Et oui, c'est intéressant, c'était ici en Polynésie ah où... Ouais, ouais. Ah oui Ah la, la loi française, hein, ici... Ah oui, c'est la euh, loi française, pareil. mais il n'y a, y a, pas, euh, ouais, y a ouais. pas un statut euh, particulier... Ah non, pour, euh, pour ce sujet-là, c'est exactement la même. Il y a un statut particulier pour tout ce qui est euh, comptabilité, il y a une comptabilité oui, spéciale bien, hein, à la ah, Polynésie, mais pour tout ce qui est... Euh, je dis « religion euh, ». Il faut savoir que les Polynésiens, en 2013, ont pas fait viré... Hein. — C'est scandaleux. — Si, ah, si, si. Mais attends, parce que... Justement, c'est intéressant. Donc euh, savoir qu'on peut être condamné en 2019 pour blasphème de l'islam en France, euh, c'était un procès politique, évidemment. Et on voulait se faire Jean-Robin, parce que je dérangeais un peu trop l'État, que je critiquais depuis pas mal de temps. Si on entend derrière, c'est des coques, Oui, oui hein, je sais. Oui, J'ai compris. <laughs> ouais. Donc c'est le matin, là, a Tahiti, oui. c'est ça voilà, il est 8h41 du matin. C'est pour ça que je n'ai pas pu venir dès le début de l'émission, c'est que c'est trop tôt pour moi. Déjà 8h, <laughs> euh... je ne sais pas si j'aurais fait l'effort. <laughs> mais, mais donc en 2019, euh, je suis traîné au tribunal pour avoir dit l'islam est pire que le nazisme. C'est-à-dire que sous certains aspects, on peut défendre ça, notamment au niveau du nombre de morts, je tire simplement à ce niveau-là. Mais ça, ça a été condamné. Euh, et que, alors que je disais que j'étais euh, du côté des musulmans. Y compris contre l'islam. Quand l'islam quand voulait du tort aux musulmans, voilà, ça, ça a toujours été ma position vis-à-vis -vis de, de ma femme, par exemple, et d'autres. Je ne peux pas avoir dans, dans sa famille, c'est tous des musulmans, hein, donc je ne peux pas être contre ma propre famille. Bref, donc j'ai dé, débattu de ça avec le... C'était marrant, d'ailleurs, on a débattu de ça en appel, parce que le premier procès en, en première instance, je me suis fait lyncher quand même médiatiquement ici en Polynésie, hein, pour euh, même traiter d'antisémite, alors qu'il ne s'agissait pas d'antisémitisme, de, 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 par euh, la première télévision ici, hein, qui dépend de France Télévisions. Bref, après ce lynchage, qui a duré six mois hein, quand même, euh, j'ai été relaxé en appel. Parce que, ben bah, voilà, on, ils n'allaient pas quand même. Me... Oui, mais c'est scandaleux parce que j'ai été traîné au tribunal pour blasphème de l'islam, euh, ce qui, ce qui on a le droit. Et, et non, mais le procureur n'a jamais, dit... euh, j jamais dû. Ah. Enfin. Euh, ça. Mais il l'a fait. Et j'ai perdu dans l'histoire ma réputation déjà parce que traité d'antisémite publiquement à la télévision publique locale. Tout se sait ici, c'est des petites îles, etc. Oui, ça, euh, bien. Pas, de pas de droit de réponse, etc. Et j'ai perdu dans l'affaire à peu près 20 000 euros. J'avais une boutique, j'ai perdu la moitié de ma clientèle parce que j'avais des enfants qui venaient jouer aux jeux vidéo. Tu sais, j'avais un cybercafé, ah, donc il y a la moitié des parents qui ont dit euh, ah bah non, on va pas confier nos enfants à jean » Ils les laissaient un peu comme une garderie, tu vois, il mmh, les laissaient jouer. Mmh. Et puis... Donc voilà. Et j'ai finalement été relaxé, mais euh, après une année de d'horreur, quoi, j'ai vécu euh, l'enfer. Et donc il faut savoir que ça existe. Ça, et donc on euh, t'a pas France. remboursé les frais de justice pour l'information ah. Alors on m'a rien remboursé du tout. C'était le procureur, donc euh, l'État. L'État, de tout son poids, a dit maintenant cet individu-là. J'avais fait une vidéo qui avait été vue 15 000 fois, tu vois, euh, et j'avais été dénoncé. <laughs> C'était sur Arnaud Beltram. J'avais dit qu'Arnaud Beltrame n'était pas un héros. Donc j'ai été dénoncé par un militaire. Tu as dit que R, euh, Arnaud Beltrame n'était pas un héros. Ça, c'est encore un autre sujet, mais je ne veux pas en reparler, justement, parce qu'on on va se faire traîner au tribunal, tu vas voir. J'ai été dénoncé. On, on, va, on va ne traîner, traîner, <laughs> va pas se faire traîner au tribunal, parce que je vais te rentrer dans l'art <laughs> pour ça, parce que je ne suis pas d'accord du tout. Non, mais, on peut, euh, mais on a le droit de ne pas être d'accord, et moi, j'avais expliqué pourquoi je pensais que ce n'était pas un héros, bref, et j'ai été traîné au tribunal pour ça, mais après, ils se sont rendus compte que la diffamation envers un mort, ça n'existait pas en, en loi française, et que Beltrame était mort. Mais donc, ils ont trouvé dans ma vidéo que je critiquais l'islam. Et ils se sont raccrochés là-dessus pour me traîner quand même. J'ai eu 10 heures de garde à vue, deux perquisitions euh, sur mon lieu de travail. Donc, j'ai les flics, t'imagines, tous les flics. C'est pour ça aussi que la, la moitié de la clientèle s'est barrée. C'est que tout, tout se sait dans les petites îles. Et donc, euh, j'ai subi ça, quoi. Donc, c'est hallucinant. Enfin, alors, je ferme la parenthèse. Alors, euh, bon, pour euh, clore la parenthèse, euh, j'ai un chat qui est... Qui est euh, enfin, un auditoire qui est, qui est assez réactif et qui a, qui a, qui a une, une tendance à la, à la vérification des, des faits. Et donc, euh, là, on me dit que tu as été condamné pour, incita enfin, con condamné pour incitation à la haine et relaxé. Donc, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas, pas pour blasphème, c'est pour incitation ouais. à la haine. Alors, tu pourras dire, oui, c'était un prétexte. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit, l'islam est pire que le nazisme. Donc, c'est quoi? C'est critiquer une religion, non? Donc, quand on critique, évidemment, on va faire passer ça pour de l'incitation à la haine. Mais euh, j'ai expliqué avec mon avocat que critiquer une religion, ce n'était pas critiquer les adeptes de cette religion, oui, ce oui, qu'on avait oui. acquis depuis euh, la Révolution et les Lumières. Donc, euh, excusez-moi d'avoir dû pour, de... pour, pour, pour l'avoir, enfin, euh, acquis pas vraiment. Disons que c'est la loi de 1881 euh, sur la liberté de la sur la liberté de la presse qui entérine le fait qu'on ne peut oui, pas être dans la loi. Pour... Oui, 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 mais, mais, mais philosophiquement, ça. on l'a acquis à la Révolution française, on, on l'a acquis aux Lumières. Avant, il y avait le blasphème, c'était interdit en France catholique mmh, de euh, même le roi, même le Bien roi, tu n'avais pas le droit, tu te faisais écarteler en place publique. Bien sûr. Donc là, je me suis fait écarteler en place publique. Nouvelle mode, parce que là, les gens vont dire Ah non, tu t'es pas fait écarteler en place publique Ouais, essayez de vivre ce que j'ai vécu moi pendant un an. C'est-à-dire que tout le monde vous prend pour un raciste, un antisémite. Euh, parce qu'évidemment, on ne dit pas euh, Ah, tu as blasphémé. Évidemment, ça n'a ça plus de. Mais concrètement, c'était ça. C'est le blasphème moderne. Voilà. On n'a plus le droit de critiquer l'islam sous peine d'être traîné au tribunal par le procureur de la République. Alors, je sais bien que c'était un prétexte. Là aussi, il voulait se faire Jean-Robin parce que je suis un opposant politique au système. Bon, et donc, alors, ils ont trouvé ce biais. Je vais jouer les, euh, les, les rabat joies. Est-ce qu'on pourrait revenir à ton, oui, à fait, à, oui. à ton parcours et... À ce qui t'a amené Exactement. de l'épouvantable athéisme à l'illumination de la non. révélation. <laughs> J'ai si failli me, me suicider quand même parce que je me suis rendu compte à 18 ou 19 ans, dans ma chambre là tout seul, au sixième étage, où je pouvais sauter par la fenêtre et ça m'a traversé l'esprit, c'est pour te dire, je ne l'ai pas inventé. Donc je ne suis pas passé à l'acte, heureusement, mais euh, l'athéisme peut mener euh, au suicide euh, parce que. Et, et, et je finis juste ma phrase et je, ouais, ouais, ouais. je te donne la parole. Parce que c'est ce qui m'est arrivé, et je l'ai vécu, et je le sais, et à 19 ans, on est, on est fragile, mais dans ma situation, je pensais que euh, mettre un terme à ma vie, puisque la vie n'a pas de sens, quand on est athée, c'est ce qu'on croit, on, on pense que bah, euh, qu'il n'y a rien après, donc je risque rien de toute façon, et là, je souffrais tellement psychologiquement, ce n'était pas une souffrance physique, mais psychologiquement, je me retrouvais tout seul, J'avais n'avais plus, si tu veux, mes, mes jeux vidéo, mes machins à tt, là, c'était truc de gamin, et mes dépendances, que j'étais drogué. Et quand tu es en manque... Eh ben, il y a des idées comme ça qui te traversent l'esprit, et je pense euh, que ça ne me serait pas traversé l'esprit si j'avais été euh, croyant à l'époque, parce que quand on est croyant, justement, on se dit non, le suicide, non, interdiction alors, stricte. Suicide. Alors, voilà. alors, alors, alors. D'abord, moi aussi, à 17 ans, 18 ans, j'ai failli plusieurs fois me foutre en l'air. Euh, parce que j'étais malheureux parce que, parce que je, je pas à avoir de relations normales avec mes parents parce que voilà il me semble curieux d'attribuer ça au manque de croyance. Et euh, je... Pour appuyer mon propos, je vais te donner un exemple tout bête. Du côté de ma mère, je viens d'une famille très catholique. Alors, tu, tu es peut-être au courant. Euh, ma mère pratiquait pas énormément, mais euh, dans ma famille, c'est genre euh, un membre sur cinq euh, faisait partie du clergé, quoi. Hein, ce genre euh, bon, voilà quoi. Euh, ça allait à la messe euh, tous les dimanches, évidemment. Euh, T'avais des croix partout. Enfin bon, les bons gros catholiques de Provins de enfin, tu vois, juste à côté de la Vendée. Enfin bon, je te fais pas de dessin. Mon grand-père euh, voilà, donc toute la famille était très croyante. Mon grand-père a collé 11 marmots à sa femme. Euh, enfin voilà, ma mère était la petite dernière. Il euh, euh, y avait un de mes, mes grands-oncles qui était éditeur de musique sacrée. Enfin bon, voilà, je, je, je pense que sur le tableau bon, croyant, catholique de la France profonde, on, on fait difficilement plus, comment dirais-je, plus archétypal que ma famille du côté de ma mère. Et un jour, ma mère rentre et demande où est son père, et puis on cherche, on cherche. Ma mère a fini par le retrouver, pendu à la poutre principale du grenier. Donc, on a dit que mon père, mon grand-père était mort était morte d'une crise de mélancolie. Alors, il y a un truc assez rigolo, c'est que quand, 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 je, quand je caressais l'idée un jour de gagner ma vie en étant chanteur de variété, euh, il y a beaucoup de gens en entendant ma musique qui, qui, qui la qualifient de, de, bah, de mélancolique. C'est le caractère général de ma musique. D'ailleurs, tu, tu peux l'entendre dans ma valse euh, athée à la fin de mes vidéos, etc. J'ai un caractère naturellement mélancolique. J'ai une nature naturellement mélancolique. On sait avec euh, les, travaux, les travaux sur les neurosciences et choses comme ça qu'il y a des gens qui sont naturellement, entre guillemets, optimistes, et puis il y a des gens qui sont naturellement dépressifs, mélancoliques, etc. Bon, c'est ma nature, c'est comme ça. Voilà. Euh... Mon grand-père était très croyant. Et pourtant, il s'est pendu. Il a choisi de se suicider, ce qui, si on s'arrête à l'anecdotique, est une contradiction absolue avec ta, ta ton, ton affirmation précédente. À savoir que les gens qui sont croyants sont plus heureux et ne se suicident pas. C'est fou. Non, je n'ai pas dit ça. Oh j'ai loin de moi cette idée-là. Mais... Non, j'ai dit se... qu'il y avait, un, il y avait un, une limite, si tu veux, morale, euh, imposée par la religion qui dit. Oui, si mais tu, si tu, cette, te... cette limite tu morale iras en enfer. Cette, cette limite et l'enfer n'existe pas pour les athées. Oui. Tout. Mais même avec, ah. même avec la peur de l'enfer, cette limite est franchie. Oui, mais c'est beaucoup plus dur de la franchir si elle existe, tu es d'accord S'il n'y a pas de limite, bon, on n'en sait bah, rien. Vas, naturellement. On n'en bah, sait rien. C'est la logique. Non, non, non. Ah. Comment veux-tu mesurer à quel point la peur de l'enfer euh, augmente la difficulté de passage à l'acte chez un croyant ou chez quelqu'un qui ne croit pas Il n'y a aucun moyen. Il faudra interroger le bord. Il y a un moyen. Non, et par exemple, si tu lèves aujourd'hui les lois qui interdisent le vol, il y a plus de gens qui vont voler. Logique. C'est pour ça qu'il y a des lois qui interdisent le vol. Si tu fermes pas ta porte à clé et que tu le dis partout, il y a des gens qui vont venir te cambrioler. Ça dépend de la culture. Dans la ça. Ca... ça dépend de la culture dans laquelle tu te trouves. Là où je vis, où là où je vis, personne ne ferme sa porte. Ben, très bien, mais je veux dire, c'est un fait. C'est-à-dire que absurde. si tu lèves les lois sur si le vol revois... voil... et si tu revois le, le, le film de de merde, comment il s'appelle, Michael euh... merde. Euh, ce gros réalisateur Moore. Euh, Michael Moore. Ouais. Et ouais, le Canada, je l'ai vu aussi. Ouais. Voilà, il franchit la frontière, ah. il se rend compte que à 30 km de distance d'un pays complètement paranoïaque et fermé à double tour, il passe dans un pays ouvert où les gens n'ont pas peur. Alors qu'il y a autant d'armes ah, tu Ferme ta, ta porte ou pas Où ça la clé Ici, tu Moi. sors de chez toi. Ouais. Tu sais, si je m'en vais longtemps, c'est-à-dire euh, un nombre d'heures important ou choses comme ça, oui, je ferme je ferme ma oui, porte voilà. à clé, mais j'ai plusieurs Pourquoi portes. Je ne ferme pas toutes mes portes. Si quelqu'un veut vraiment rentrer, il peut rentrer chez moi. De toute façon, voilà. Mais le cambriolage, si on veut rentrer chez quelqu'un, on... on est obligé de casser des fenêtres. On obligé... Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas remettre en question toute la... le principe de la loi. C'est quoi le principe de la loi C'est mettre des interdits pour que les gens être ne les transgressent pas. Être dissu... Voilà. En enfin, fait, non. La... C'est pas, pas la loi qui est dissuasive. C'est les conséquences si on se fait choper. Ce que je dis. Donc mais la non, conséquence. C'est pas, de... euh... pas la même chose. Ça rien il même, de... ça dire que... Non, il y a des tas de fois où je me suis retrouvé dans des situations où j'aurais pu briser la loi sans aucun risque de me faire choper. Et pourtant, je ne suis pas passé au-delà. Et il y a des tas de gens qui font comme ça. C'est peut... un exemple tout bête. Je suis sur une section de route qui est limitée à 90 km heure. Je suis dans un endroit où il n'y a, a pas un radar. Tout le monde roule à sang et des patates, etc. Moi... alors. Je suis peut-être un être particulièrement exceptionnel et, 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 et moral, mais je roule à 90 sur des sections où je pourrais très bien rouler à 100, 110, sans aucune chance de me faire choper. Donc ce n'est pas, de... pas, pas, la... pas, pas la peur de la punition qui fait agir les gens, c'est aussi bah, bon, oui, la moralité. Tout, je tout dis toute pas. simple. Je... Je, je dis pas le contraire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui respectent euh, la loi, même si ils ne craignent pas. Euh, même s'il n'y avait pas de loi, ils respecteraient quand même ça, un principe moral. Et des euh, fois, par exemple, il y a, y a des... regarde, aux États-Unis, dans les États où il y a la peine de mort, n'as pas moins de crimes, alors que ça devrait être dissuasif et ça l'est pas. Bon. Tu veux lancer le, le débat sur la ah peine non, de mort Non, veux... non, non, je ne veux pas lancer le débat. C'est un exemple. Tu dis, dans le genre, ouais, puni punition épouvantable, la peine de mort, ça se pose là quand même, pour la plupart des humains. D'accord C'est quand même la grande question. Je ronde. veux dire, si tu mets en place la peine de mort, ça ne va pas inciter des gens à tuer d'autres gens ou à commettre des, des crimes et des délits non, tellement mais, graves qui risquent la peine non, de mort. Non, mais ça, Donc, ça, ça, ça prouve simplement que le fait qu'elle y soit n'est pas incitatif à ne pas tuer et ne pas commettre de crimes qui pourrait t'amener à être condamné à mort. Donc ça ne sert à rien. Ça c'est le, le débat sur la peine de mort. J'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que c'est trop polémique pour moi non, ce matin. c'est le, <laughs> le, le, le débat. C'est le, le débat, ma c est, c est le débat mais... sur le simple fait que tu dis la peur de l'enfer permet aux gens oui. de rester moraux. Alors, non, le... j'ai pas dit ça non plus. Ça c'est non, j'ai dit ça incite. C'est comme le les, si tu suasifs. fumes. Non, c'est pas dissuasif. Si tu fumes, tu auras plus de chances d'attraper un cancer du poumon. Mais il y a des gens qui fument. Toute leur vie, qui n'attrape rien, et t'as des gens qui fument pas du tout et qui attrapent le cancer. Donc, euh, si tu veux, mais c'est une augmentation de la probabilité. Mais oui, mais c'est l'augmentation. Je parle de l'augmentation de la probabilité. C'est-à-dire si tu crois mais à l'enfer, tu le as un cancer. C'est pas une punition. Je parle de probabilité. Là. Non, non, non. C'est-à-dire si... toi, tu es passé à la probabilité. Moi, je suis encore sur la punition. Mais c'est mon raisonnement logique que j'étais. Mon raisonnement logique, c'est sur la probabilité. C'est-à-dire, si tu crois à l'enfer, tu, tu es moins probablement sujet au suicide non. que si tu n'y crois pas. C'est ça mon raisonnement, en tout cas. Oui, Toi, rais... tu dis non C'est ton rais... raisonnement. il faudrait Toi, avoir... tu dis non, alors. Parce qu'il faudrait avoir des statistiques sur le fait de dire, quand on regarde les croyants et les pas-croyants, est-ce qu'on peut mesurer la trouille qu'ils avaient D'aller en enfer Alors, ou pas. C'est compliqué, je suis d'accord. Bah, ouais. voilà, mais moi, par exemple, pour opinion, aller dans ton sens. C'est une opinion que tu n'as oui. aucun moyen d'étayer. Désolé. Alors, si, il y a la logique quand même. Non. Mais, mais moi, pour aller dans, pour aller dans ton sens, euh, quand j'étais athée, j'avais des envies de me suicider et je ne me suis pas suicidé. Tu vois donc, c'est pas la, la religion qui m'a empêché de me suicider. Donc, y a, ça va dans donc, ton as, sens. Mais tu pas quand même trouvé sens. un sens à la vie. Alors c'est marrant parce que pourquoi je me suis pas suicidé au final, c'est que j'ai acheté un magazine euh, psychologie, donc et, et j'ai lu un truc sur Diogène, savez, ce, cette mmh. philosophie, euh, Autumn, et ça m'a retourné le cerveau. Mmh. Voilà. Et ça m'a retourné, euh, c'est le cynisme, hein, et ça m'a retourné le cerveau, donc je me suis dit tiens, en fait ça m'a, je sais pas, ça a fait euh, un euh, truc euh, euh, qui... Euh, euh, résumer Diogène au seul cynisme c'est un peu court, mais bon. C'est la philosophie cynique, non je ne résume pas, mais c'est le nom de sa philosophie. Mais peu importe, en fait, c'est juste que j'ai vu la réalité différemment, en fait. Ça Et donc je me suis dit, tiens, je peux faire des choses que je croyais que je ne pouvais pas faire, par exemple. Et ça m'a, du coup, ça m'a donné un sentiment. On se raccroche à rien hein, quand on est dans cet état-là. Bien sûr. Mais euh, ça, voilà. Et donc ensuite, euh, j'ai étudié la Bible avec des croyants. Je leur démontrais qu'ils avaient tort surtout euh, Je me suis rendu compte, d'ailleurs, depuis que je suis croyant, que eux-mêmes n'étaient pas croyants, parce que quand on a une foi. Euh, très clair et très net en termes de dogme, moi je considère par exemple que les catholiques sont athées. Tu vois, c'est une horreur pour eux d'entendre ça quand je leur dis, mais je le crois vraiment. Et eux, normalement, s'ils étaient cohérents, ils, ils devraient croire que ceux qui ne sont pas catholiques sont athées aussi. Alors tu dis, tu, 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 tu dis tu, que, que tu crois que les. Alors là, il y a un truc qui me trouble parce que. Pardon, je suis un petit peu bavard, mais j'essaie de mettre de l'ordre dans, 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 dans ce que tu me dis. Euh... Moi, je trouve très curieux que tu dises, je crois que les catholiques sont athées, alors que je me serais attendu à ce que tu dises, je pense, que tu aies des arguments rationnels pour appuyer cette, ce, cette, cette opinion. Okay. Oui, finalement, Et finalement, non, et finalement on n'est mais... toujours pas. Tu je ne sais toujours pas qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, tu alors, as eu vu, la ouais. foi. Tout à fait. Mais je vais y venir, mais juste pour répondre sur ce point précis, en fait, je dis je crois parce que euh, je ne sonde pas les, les cœurs et les reins des gens. Et il euh, y a des catholiques qui, malgré tout, peuvent euh, avoir la, la vraie foi, mais elle n'est pas pure, tu sais, c'est jamais 100%. Et moi non plus, d'ailleurs, je n'ai pas la foi à 100%. Donc, euh, seul Dieu connaît les élus. Donc, euh, d'après euh, la Bible, il y a des élus qui ont été élus avant la fondation du monde. Et seul Dieu les connaît. Ce n'est pas écrit sur notre front, je suis élu. C'est bien pour ça qu'il faut... Euh, évangéliser tout le monde que nous dit Dieu et, et bref alors, Donc, mais moi pardon, justement pardon, oui. pardon euh, tu, tu, tu viens de dire un truc euh, à propos des élus euh, je ne suis pas d'accord avec toi parce que les élus il euh, y en a plein les, les couvents ou les nonneries j'avais fait une vidéo où je, je montrais des extraits de gens qui disaient c'est Dieu qui m'a appelé alors ils présentaient ça comme une espèce de modestie mais en fait, c'est un, un aim dropping ultime. Le maître de l'univers a fait appel à moi pour, pour diffuser son message. Et pardon, hein, mais il me semble que ta position n'est pas loin de celle-là. Alors, les catholiques ne pensent pas aux élus en ces termes. C'est vrai qu'ils sont obligés, parce que c'est dans la Bible, donc voilà, ils ne peuvent pas nier. Par contre, ils l'interprètent de manière opposé aux protestants, c'est-à-dire que les protestants ne croient pas au libre arbitre, alors que les catholiques y croient. Et donc euh, ils pensent les catholiques que certes on peut être appelé par Dieu, mais ensuite il faut répondre à cet appel. Mmh. Il faut dire oui euh, Seigneur, j'ai entendu et je suis d'accord avec toi. Mmh. Alors que les protestants disent non, nous on n'était pas d'accord. <laughs> Moi j'ai été alors pour parler de mon cas précis puisqu'on y arrive. Donc euh, je suis en, en très grave problème avec ma société euh, d'édition. Je suis euh en grave problème financier, en grave problème avec mon couple, donc ça marche pas du tout, euh, ma femme songe à me quitter, comme elle me l'a dit <laughs> depuis, bon heureusement voilà, ça s'est pas produit, mais pourquoi alors euh, Elle va prier pour moi parce qu'elle-même est devenue euh, chrétienne, euh, assez rapidement en fait, euh, dans sa vie, elle a eu des visions euh, très claires euh, d'anges, et c'est là où on en arrive aux choses compliquées pour des athées. Parce que moi-même, quand on me racontait ce genre d'histoire, bah, voilà. comme tu l'as dit toi-même, les gens qui ont des apparitions comme ça, ce sont des malades mentaux, hein. tu l'as dit, euh, chez euh, le Russe là, qui t'a interviewé. J'invite tout le monde à regarder ton interview si vous ne l'avez pas fait. C'était il y a chez, un chez an Antoine, très intéressant. chez Anton Malafév. Voilà, j'arrive jamais à prononcer son nom, mais c'est ça, tu l'as très bien dit. Et, euh, et j'ai regardé toute l'interview parce que c'était passionnant d'avoir ta vision. Et j'étais en... d'accord quasiment en tout point de mon point de vue d'athée, évidemment quand j'étais athée donc voilà je, je connais très bien ta position pour l'avoir partagée pendant 36 ans de ma vie sauf que euh, quand je rencontre ma femme elle me dit pas qu'elle est chrétienne elle me fait même croire qu'elle est athée parce que sinon j'étais athée moi-même et donc j'aurais jamais accepté d'être avec une croyante <laughs> donc elle a été euh, voilà maligne là-dessus mais elle était chrétienne et en secret elle priait pour moi euh, et ce soir-là en particulier quand on s'est vraiment engueulé fort au point que j'avais déjà un enfant euh, un bébé qui avait euh, 2014, donc deux ans, et donc ça me tapait sur le système parce que je suis très sensible au bruit et voilà, moi, je suis pas musicien comme toi, mais, mais je, je, depuis que je suis tout petit j'ai un problème euh, ah, euh, d'oreille. Je, je suis musicien, mais je, je, il y a des tas de gens qui pensent que je suis euh, sur le spectre autistique. Enfin, euh, je, je suis à moitié Asperger. Je ne supporte pas les bruits parasites, ça me rend fou, Vraiment, ça me fait mal aux oreilles. Bref si tu as si, si un bébé ou si tu vas en avoir un, attends-toi à, ah bah, à avoir dans les doigts. J'ai élevé ma fille et c'était voilà. un moment un peu délicat, mais j'ai eu de la chance qu'elle était un bébé absolument formidable et était très gentil. Et quand, quand je lui ai expliqué « arrête de crier », elle a arrêté de crier, elle était absolument incroyable. Oh, alors ça, c'est… Non, <laughs> non, 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 elle a été un bébé absolument inc... un enfant absolument incroyable. <laughs> Moi, j'adore mon fils, attention, euh, tout de suite. Mais, mais c'est vrai qu'il criait beaucoup. Et donc, en tout cas, d'après moi, il criait beaucoup. Et donc, euh, cas, moi, mmh, beaucoup, et donc ouais. ça me tapait sur le système. Donc, ça, ça faisait un tout. Et je pétais un câble. Et donc, ma femme a prié pour moi. Et cette nuit-là, j'ai eu un, un, une nuit mystique. Donc, je ne rentre pas dans le détail. On peut trouver ça dans mes mémoires. Ça sera un peu long. Mais en gros, euh, euh, un truc qui m'a retourné le cerveau. Euh, et sans que je le demande, ni que je le veuille, ni rien du tout. C'est-à-dire que moi, je venais en plus d'éditer un, un livre contre... Euh, le christianisme, j'en avais édité beaucoup d'ailleurs, y compris d'une juive. Euh... Donc j'étais vraiment, si tu veux, à fond. Moi, contre le christianisme, il n'y avait pas de problème. Pour moi, c'était... En plus, je faisais pas de différence entre le protestantisme, le catholicisme, le mormonisme. Tout... Pour moi, c'était toute la même merde. <laughs> tu vois Et c'est ça quand on est athée. Euh, on, on voit tout, c'est ce que j'entends, ce que tu dis, je me reconnais tout à fait là-dedans, parce que je faisais aucune distinction. Moi, je ne connaissais pas le protestantisme calviniste, puisque personne n'est calviniste en France, où, Voilà, il y a dix personnes... Je veux dire, les, les catholiques ont, ont persécuté les, les calvinistes pendant trois siècles ou quatre siècles, il y avait près de 15% de, de protestants réformés en 1560, c'est-à-dire 43 ans après l'apparition officielle du... Donc c'est énorme, tout ça par l'évangélisation, hein, pas par la force. Je, fais, je tiens vraiment à cette distinction. Et puis, bah, il y a eu tout ce qu'on sait, hein, la Saint-Barthélemy, euh, <laughs> la révocation de l'édit de Nantes et toutes ses conséquences. Et donc, au 19e siècle, d'après Patrick Cabanel, qui est l'historien du protestantisme en France, bah, il n'y en avait quasiment plus, 2%. Et depuis, bah, il n'y en a plus. Et ce qu'on appelle protestants aujourd'hui ne sont pas des protestants réformés parce qu'en fait, ils croient au libre arbitre. Même ceux qui se disent protestants réformés, en fait, croient au libre arbitre humain, ce qui les coupe de Luther, de Calvin et de toute la tradition euh, protestante réformée. Je ferme la parenthèse. Donc, je vis cette nuit mystique qui me retourne le cerveau euh, et je vois ma vie prendre un sens dans mon cerveau. Je vois les, les, les points se relier. C'est-à-dire pourquoi j'ai appelé mon fils Louis, pourquoi j'habite à Blois, ville des Rois, pourquoi plein de choses comme ça, pourquoi ma femme est ma femme, etc. Qu'est-ce qui va arriver en France pour certaines parties C'est-à-dire que il va y avoir un déluge de sang. Là où je te parle 2014, 18 décembre 2014, il va y avoir un déluge de sang euh, et tu dois aller en Polynésie française. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Et au début, on refuse avec ma femme parce que je lui parle de tout ça. Elle-même, la même nuit, à la même minute, parce que moi je regarde à quelle heure je suis converti, c'est-à-dire où je plie le genou, parce que c'est une, une nouvelle naissance, hein, comme on dit chez nous, euh, Born Again, tu sais, Born Again Christian, donc les, les, les nés de nouveau, je regarde et il est 1h24 du matin. J'en parle à ma femme, elle me prend pour un dingue. Sauf que elle-même n'osait pas me parler d'un truc de peur que je la prenne pour un dingue, une dingue. C'est qu'elle a vu un ange d'environ 2 mètres euh, cinquante, habillé, tu sais, comme les mecs de troyes euh, Comment s'appelle Les Brad Pitt, là, tu as, tu as vu le film Trois <laughs> Oui, d'accord, je vois. Oui, ok. Les ah, bah, les comme Athéniens ça. ou comme les... D'accord, ok. Là. Donc, euh, en armure, quoi. Il débarque dans sa chambre de nulle part, qui la réveille. Elle a peur pour le bébé et tout ça, et qui va dans la mienne au même moment où je suis converti. Donc en fait, d'un point de vue spirituel, ça s'explique, mais là, c'est peut-être pas le moment. Vous étiez, en tout cas, euh, voilà, vous tout... faisiez chambre séparée. Ouais, parce que en fait, je suis tombé très malade. Bah, déjà, on était en mauvais terme, ouais. mais j'étais, je suis tombé très malade, comme ça, en un claquement de doigts. J'ai eu très froid. Euh, j'ai dû mettre euh, X couverture. j'avais toujours froid, j'ai bu un thé très chaud, j'avais toujours froid, bouillotte. J'explique tout ça en mémoire pour ceux qui veulent les détails. Mais -ce pardon, ce qui... euh, pardon le, le, le rationaliste de Redébarque, euh, tu as jamais. Eh ben c'est normal. Tu, hein. tu... Est-ce que tu t'es fait tester pour euh, ce qu'on appelle les. les euh, zut. Paralysie nocturne. Je sais pas ce que c'est. En fait, ça m'était jamais arrivé. Alors, en fait. Euh, c'est des c'est des enfin, c'est des événements en fait c'est des paralysies, euh, paralysies nocturnes c'est comme ça que ça s'appelle, euh, qui provoquent euh, des visions ou des cauchemars euh, si, euh, si, si, si si précis et si, euh, si impressionnant que les gens sont absolument persuadés que c'est réel euh, ça inclut par exemple, des révélations mystiques comme celles que tu décris, euh, ça inclut aussi, par exemple, les gens qui sont absolument persuadés qu'ils ont été enle élevés, enlevés par des extraterrestres, d'accord Donc, t as, t as, t as, tout le as tout le panel. Hein. Euh, donc, je, je, alors effectivement, si t'es pas, si pas au courant, tu peux, tu peux pas euh, envisager euh, que que, que, que c été euh, le fruit euh, de. Et puis, ce que tu, ce que tu, ce que tu, ce que tu décris tu es manifestement en état totalement dépressif vu, 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 ce qui se, vu, vu ce qui te tombe sur la gueule, hum, euh, tes problèmes de couple, etc., etc. Or, on sait que ce genre... Euh, tu, si tu as quelque chose à faire, vas-y. Hein. J'ai juste le coq qui gueule à côté, ouais, je ouais. demande à ma de, ma de le euh, D'accord. <laughs> Là, il gueule tellement que Sors je suis obligé de couper le micro. À Sors <laughs> la bouteille, ce soir, c'est coq au vin. <laughs> Va bien, mais... ils sont pas assez musclés. Et euh, et donc euh, voilà, c'est moi tout de suite le rationaliste. Enfin apparition d'ange, voilà euh, paralysie nocturne, je... voilà. Oh, c'est normal. Et, et, et j'aurais eu la même réaction que toi euh, si j'étais resté à thé. Mais je, justement, je ne le suis plus. Et, et simplement, oui, tu, la, tu la seule vue différence... à cause de ça. Ça. Et, 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 et la seule différence avec ce que tu dis, c'est que j'ai un témoin. Euh, c'est ma femme qui elle-même a vu l'ange moi j'ai pas vu l'ange c'est ma femme et donc il faudrait là c'est plus compliqué déjà euh, moi, moi je dis pas que j'ai raison et que tout moi je nie pas déjà toutes ces réalités scientifiques c'est je... une première chose ça existe c'est juste, juste mon et... réflexe mon réflexe ah. rationaliste qui, qui te, qui, qui oui, te dit vrai. aussi que par exemple dans les, dans les... Dans les, dans les enquêtes qui ont été faites sur les phénomènes de poltergeist, de, de maisons hantées ou de choses comme ça, on retrouve souvent des, 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 des cellules de psychose dans les, dans, les, dans les familles, si tu veux, qui sont en état de crise euh, mota, euh, morale, enfin euh, voilà, ce genre de choses où effectivement, il où y a, y a un des, une des personnes qui, qui interagit et dans un état où physique ou psychologique très particulier et vraiment en crise. C'est pour ça que j'ai pas voulu te le cacher, tu vois, j'aurais pu le cacher parce que c'est ah très bien non, que tu mais, le... mais, enfin, mais j'aurais pu dire tout allait très bien entre nous, mais j'ai eu ça qui m'est tombé dessus. Non, c'est pas vrai. C'est la... voilà la réalité telle qu'elle s'est passée euh... et donc je sais qu'il y a des réalités scientifiques qui existent par ailleurs si tu veux. mais moi mon cas, moi d'une part, je veux pas le généraliser, je veux pas dire voilà, Dieu existe disons parce que, que j'ai ça, ça a été ça, suffisamment toi. impressionnant pour que tu sois convaincu euh, point barre. Disons que moi j'ai été athée 36 ans, ça c'est un non, fait et comme je suis un a compris mais réaliser. comme je suis une personnalité publique, tout le monde peut vérifier. Pour le coup, je ne raconte pas des, des craques. Oh. Et suite à cette nuit, je suis devenu... Alors, je ne savais pas que j'étais protestant. Si tu veux, il a fallu que je cherche de, de quelle foi il s'agissait, parce que Dieu ne m'a pas dit, voilà, maintenant c'est le protestantisme réformé qui est la vraie foi. Parce que toutes les autres sont des fausses foi, d'après moi. Tu vois vous vous dites, euh, finalement, euh, vous, les athées en hein, général, mais ils disent... Bah, toutes les personnes euh, qui ne font pas partie des religions ont tendance à penser qu'effectivement, n'importe quelle autre religion n'est pas la bonne. Ça. Et, et moi je dis c'est pas parce qu'il y a de la fausse monnaie qu'il n'y a pas de la vraie monnaie en fait c'est pas parce que tous les dieux sont faux euh, qu'il n'y en a pas un qui est vrai et qui n'a pas été ensuite copié mal plus ou moins tu vois bref donc ouais, mais, mais à ce à que je veux dire là, à la personne qui affirme ça on... c'est une information quand même extraordinaire tu connais la formule on va lui demander des preuves extraordinaires et c'est là où on en arrive à notre sujet des preuves. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il n'y a pas de preuves. Je peux t'amener des indices, mais ça ne va pas te convaincre. Et c'est le but d'ailleurs. Parce que moi, je pas de te convaincre ici ni de te convertir. Parce que nous, on croit que seul Dieu peut convertir. Et ça, c'est très important parce que si on croit pas ça, et là, j'en veux beaucoup d'ailleurs à tous ceux qui croient au libre-arbitre humain, en fait, les religieux, je parle, c'est que si tu crois au libre-arbitre humain et que tu es religieux, tu es obligé de croire à la conversion de force. Et j'en reviens à Luc 14, 23. les d'entrée c'est quoi Ça a été interprété par les catholiques, contre les protestants, Attends, là, comme étant une je J'ai pas un... suivi ton raisonnement. Ok. On croit au libre-arbitre humain. On croit qu'on peut convertir l'autre. C'est pas Dieu qui convertit, c'est nous. Euh, beaucoup de gens disent qu'ils ne ils sont... Que qu son rôle. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne sont que l'instrument de la volonté divine quand ils, quand ils... Quand ils évangélisent, et qu'ils arrivent à toucher l'autre, ils ne sont que l'instrument de Dieu. Alors ça, c'est ce qu'ils disent. Après, qu'est-ce qu'ils font Ils prient pour que Dieu les convertisse. Déjà. Donc, ça, c'est croire euh, que Dieu peut avoir une action que nous, on ne peut pas avoir. Donc, Donc tu je suis d'accord avec crois, toi. Je ne a... crois pas à l'action de la prière. Si, c'est ce que je te dis. C'est-à-dire que même ces gens-là euh, sont en hypocrisie. C'est-à-dire que. Euh, mais je te parle des gens qui croient au libre-arbitre humain. Ils vont, ils vont prier quand même pour que Dieu aille contre le libre-arbitre de l'autre. Qui une dissonance cognitive, là. C'est ce qu'on explique, nous, aux catholiques, aux mormons, etc. On, on leur explique qu'en fait, ils ne croient pas au libre-arbitre humain, même s'ils disent qu'ils croient. Donc je suis d'accord avec toi. Alors, Le problème, c'est que. Pardon. Euh... Je, je suis en train de réfléchir. Euh... Je, je vais mettre une hypothèse. Donc vous, en tant qu'écrivainiste, vous ne croyez pas au libre-arbitre humain, parce que, par exemple, il y a des exemples dans la Bible. Alors je vais prendre cet exemple-là qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que euh, c'est Dieu qui assombrit le cœur de Pharaon au moment où, euh, où, euh, où Moïse lui demande de libérer le peuple. C'est un bon exemple Oui, il y en a des milliers dans la Bible. Non, mais c'est un exemple qui rentre. Ça, dans, dans... Ouais, d Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Ouais, c'est ça. Euh, et ensuite Pharaon a endurci, a endurci son cœur, mais c'est Dieu toujours le, le, le premier. Et euh dans la Bible, euh, c'est que ça. Si tu veux, ta Psaume 139.6, par exemple, euh, avant même que tu naisses, je te connaissais déjà. D'accord. Donc... Et je savais tous les livres qui étaient écrits avant même que qu'aucun n'existât. Tous les jours qui étaient écrits dans le livre, c'est-à-dire le livre de vie, avant qu'aucun d'eux n'existât. Alors, alors donc, c est, c est... pardon, hein, mais c'est exactement ce que disent les musulmans. Alors ça c'est intéressant les musulmans aussi parce que du coup j'ai dû creuser parce que Alors, en fait avant de parler des musulmans parce que non non mais je, en... je, je, mais si tu, tu veux tu, on peut en parler tu ouais. dis que ta religion est particulière et la seule vraie or cet argument que tu amènes est exactement celui des musulmans alors si tu veux, en parlons-en. Donc les, les musulmans sont fatalistes. Euh, nous, on est déterministes, comme la science d'ailleurs. C'est pour ça que les fruits, on juge un arbre à ses fruits, et que l'islam n'a quasiment rien donné dans toute l'histoire en termes de science, alors que le protestantisme a donné euh, les meilleurs fruits connus, c'est-à-dire que le pays non. le plus non. protestant... Non, non, mais c est, c est, cet argument tu, tu, ne, ne fonctionne pas. Je veux dire, ça ne sert à rien que tu le répètes. Le répéter mille fois ne changera pas, ça n'a aucun sens. Parce que tu peux arguer, exactement peu la, peu. tu peux exactement arguer la même chose avec l'hindouisme, avec une certaine période des mathématiques. Oh. Si. Tu peux, tu peux arguer de, 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 de l'invention de toute une partie du modernisme euh, qui s'est fait... Euh, bah, bah, les musulmans, parlent, quand ils parlent du modernisme, hein, soyons clairs, ils parlent de la Renaissance. Donc on est en pleine période catholique. Hein. Ce n'est pas les protestants qui, qui ont amené, entre guillemets, ce que les musulmans appellent la modernité ou ce que euh, historiquement on appelle la modernité. Donc. Euh, euh, et on peut considérer que la science moderne naît à ce moment-là. Donc, euh, donc, ça, ça c'est un argument qui ne tient pas parce que chaque période, à chaque période de l'humanité, euh, période gréco-romaine avec, euh, avec euh, on pourrait dire que c'est parce qu'ils croyaient en Zeus euh, qu'ils ont été assez intelligents pour inventer l'algèbre et l'astronomie, euh, les, les, les premiers calculs et l'astronomie. Donc, ça, pardon, mais ce que tu considères comme étant les inventions les plus importantes de la science Maintenant, dans un siècle, ça ne sera plus du tout vrai. Donc, ça ne tient pas comme argument. Je, il faut que tu l'abandonnes, ouais. il faut que tu arrêtes avec ça, parce que ça ne tient pas. Je suis désolé. Oui, je sais que ça, ça dérange les intérêts Non, mais, non, mais, mais ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange si, pas. Si, je vois bien. Mais ça, vois ne, bien. ça ne ça... me dérange pas. Je statue juste que ouais. c'est un argument qui ne tient pas. C'est tout. Ça ne me dérange pas. Tu peux mais, dire autant de Nico... bêtises que tu veux, moi je m'en fous. Ce n'est pas des bêtises. C'est si. simplement, il y a un seul. Il y a un seul pays, à ma connaissance, hein, peut-être tu en connais d'autres, mais tu nous le diras alors. Il y a un seul pays qui a mis six fois de suite des humains sur un, une autre planète. Donc c'est les États-Unis, et c'était euh, un pays à 90% protestants et euh, alors depuis quatre siècles. Mais je suis désolé, je suis désolé, ça ne tient pas. Parce que euh, sans, sans les Juifs, sans les Allemands avec Bernard von Braun, sans les Juifs. Qui ont, fait, euh, qui, ont, euh, qui, qui ont travaillé sans Newton, qui n'était pas protestant, sans... Euh, Lincoln. Hein Lincoln, c'est une branche du protestantisme. Oui, mais il n'était pas du bon protestantisme, puisqu'il n'était pas calviniste. D'accord En bon. fait, non, non. Euh, Donc, moi, pardon, je ne prétends euh, pas... Il que... faut, faut arrêter avec il... Dieu est américain, quoi. Merci. Le, bon, là, c'est intéressant, parce que moi, je suis... Je ne suis, je suis pas pour convaincre ici de quoi que ce soit, de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Mais je, je suis là pour remettre en, en place certaines vérités. C'est-à-dire que, par exemple, euh, le protestantisme réformé, il y a quatre branches. Il faut le savoir, c'est historique et ce n'est pas Jean Robin qui l'a établi. Donc il y a effectivement le calvinisme, le lutherie, plutôt donc, ce qu'on qu appelait les Huguenots en France, ouais. euh, qui a essaimé beaucoup en Suisse avec Calvin, évidemment, euh, et puis après aux États-Unis. Et euh, aussi en Afrique du Sud. On va dire, ah voilà, salaud d'apartheid et tout ça. Ok, très bien. Ensuite, il euh, y a les luthériens. Donc, ça, c'est Luther, bon. c'est l'Allemagne, c'est normal. Bon. Et puis, ça a essaimé en Scandinavie. Pendant, pendant quatre siècles, euh, les pays scandinaves ont, ont refusé même toute influence catholique. C'est intéressant à savoir. Donc, ça peut être vu comme de, de l'intolérance religieuse, mais les gars, ils avaient soupé du catholicisme et ils ne voulaient plus en entendre parler comme toi Donc, et comme moi. Donc, euh, on peut les comprendre. Hein. Ensuite, tu as la branche presbytérienne. Ça, c'est plutôt les Écossais. Ils ont essaimé eux aux États-Unis. Et puis il y a les Anglicans. Il ne faut pas les oublier. Alors après, certains disent non, parce qu'il y a un archbishop de Canterbury, un archevêque. Et donc, ce n'est pas pareil. Bah si, en fait, parce que quand on regarde la théologie. Et alors certains vont même jusqu'à ajouter le jansénisme. Mais bon, d'une part, le jansénisme n'existe quasiment plus. Tu sais, c'était ce que faisait mmh. Blaise Pascal, notamment, mmh. provincial. Bah, J'allais par parler justement de, 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 de ton illumination qui me fait penser à celle de Blaise Pascal. Bah, très bien. Donc, euh, Blaise Pascal, janséniste. Jansénisme, c'est quoi C'est en gros le protestantisme qui reconnaît le pape. Donc, en fait, si, si, on, si on veut aller plus loin, c'est qu'à l'époque, les protestants étaient persécutés hein, par la monarchie depuis François Ier. Euh, et donc, bah, les gars, ils voulaient, ils voulaient garder leur foi. Ils avaient compris que le catholicisme était faux en termes de doctrine. C'est-à-dire, catholicisme, là aussi, il faudrait faire une distinction, mais on, ça serait un peu. Après, euh, le... Après 451, parce que nous, les protestants, on reconnaît tous les conciles jusqu'en 451. Mais bon, admettons, voilà ce que j'appelle le papisme, en fait, voilà, ce que Calvin appelait mmh. le papisme, pour être très clair, le, le papisme se trompe. Par contre, le protestantisme a raison, d'après les jansénistes, et donc, pour pas subir les persécutions, bon, ils en ont subi quand même, hein, mais moins, ils reconnaissent le pape. Et comme ça, on va les laisser tranquilles. Mais euh, Blaise Pascal a quand même voilà, Ce sont les jaunes du protestantisme. Voilà, si on... <laughs> c'est ça. Là, ce sont les lâches du protestantisme. Mais on pouvait les comprendre aussi, parce que les persécutions étaient tellement euh, terribles. Par rapport à l'athéisme, moi, je, je les appelle des agnostiques. <laughs> euh, non, là, je ne serais pas d'accord. Ah, bah, bah, après... Je, je m'en fous que tu sois d'accord. Moi, Je dis simplement que les agnostiques, parce pour que... moi, sont les jaunes de l'athéisme. <laughs> Mais bon. Ah pardon pardon oui oui dans ce cadre là oui je croyais que tu appelais les gens non, 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 non. d'accord voilà non, non. voilà donc voilà les cinq branches bon, et tout donc ça, tout ça sais. ne m'éclaire ah pas, pas vraiment sur euh, bah, à part à part cette nuit de révélation ouais. euh. donc en fait ce ah c'est pas euh... rien c'est à dire que c'est la nuit c'est quand tu nais tu nais bon bah voilà tu nais et t'as pas choisi euh, tu arrives sur cette terre, et puis, bah voilà, t'as des parents que t'as pas choisi donc là, on n'a pas de libre-arbitre. dire, tu parles une langue que t'as pas choisie, tu, tu tu es dans un temps, une période que t'as pas choisi, t'as rien choisi, en fait. Jusqu'à tes 18 ans, au moins. Tout le monde fait des choix pour toi, et tu les subis. Ensuite, tu crois que, mais ton esprit, il est pas complètement formé, à 18 ans, tout le monde sait ça, même si on nous donne le droit de vote et le droit de conduire, Alors, on sait que, bon... Mmh. C'est peut-être pas déjà, des folies, mais... Déjà vrai. 21, on n'est on pas bien malin, mais bon... Voilà Mais il ne s'est pas le baisser la majorité sexuelle à 16. Je ne sais pas si tu as entendu, maintenant. Donc ça, c'est du délire. Bref, oui, oui. en tout cas, euh, on subit tout ça. Et eh bien, moi, ma naissance, ma nouvelle naissance, je peux la dater comme je date mmh. à, à la minute près de ma naissance. Ma mère m'a dit, voilà, tu es né à 9h. J'ai regardé, 9h du matin, clinique des Neuf Soleils à Clermont-Ferrand. Ça, c'est ma naissance physique. Maintenant, ma naissance spirituelle, c'était à 1h24 du matin et... Il y a eu des messages. Alors ça, c'est un peu spécifique, je suis d'accord. Moi, je n'ai pas été converti, si tu veux, par évangélisation. La plupart des gens sont soit convertis par la force, soit par l'évangélisation. Et tu m'as expliqué tout, euh, tout à l'heure que l'évangélisation, c'était aussi une conversion par la force. Non, je n'ai ah, pas dit ça. Ce l'évangélisation, c'est quoi tu, tu, On te présente la parole de Dieu, et ensuite Dieu fait le travail. Mais tu convertis pas par la force. Prés... L'évangélisation, c'est présenter la parole de Dieu. Mais tout à l'heure, tu autre chose. Non non mais alors je, je me suis mal fait comprendre tout, parce tout à que d'ailleurs force... tu as tu, tu as dit que les gens qui faisaient de l'évangélisation, euh... ben Il faut qu'on repasse. J'ai fait la distinction si je si je vois à quoi tu fais référence j'ai fait la distinction entre la manière dont le protestantisme s'est diffusé en France c'est-à-dire par l'évangélisation et pas par la force c'est là où non, non, ça, ça j'ai entendu mais je, je, bon je, je... après on a développé sur le fait qu'il y avait des gens qui évangélisaient et l'air Tu crois au libre arbitre humain Ils sont obligés Ah oui, c'est on n'a pas fini l'argument, c'est quand on croit au libre arbitre humain et qu'on est religieux, on est obligé de convertir par la force parce que ça voudrait dire qu'on peut faire échapper les gens à l'enfer éternel et qu'on ne le fait pas. Attends. Donc c'était ça attends, le attends attends, attends attends attends, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Je, je suis un lent moi, j'ai besoin de Alors attends. Tu es en train de me dire que Donc si on croit au libre arbitre si on croit au libre arbitre on ne peut convertir que par la force. Euh, non, j'ai pas dit ça. Euh... Déjà, c'est chez les religieux. Là, je ne parle pas des athées. Chez les religieux, quand on croit au libre arbitre humain, on est quasiment obligé de convertir par la force parce qu'on ne peut pas laisser. Surtout quand on est dans une position de pouvoir, comme un roi ou comme un président ou comme un, un monarque quelconque, on est obligé parce qu'on ne peut pas laisser des gens échapper enfin, aller en enfer. Alors, attends, la logique alors, en fait de secondes. Deux secondes. <laughs> Pourquoi tu prends l'exemple du roi ou d'une personne de pouvoir Prenons, prenons un, un mec de base. Non, je m'en fous. Moi, le Louis Je parle du mec dans la rue. Actuel, et je ne parle pas du passé. Je te parle de maintenant. Ouais. Le mec dans la rue qui croit au libre arbitre et qui veut me convertir. En quoi il fait usage de la force c'est parce qu'il n'a pas le droit, légalement. Mais s'il avait le droit, oui. Il n'a pas le droit de t'obliger à croire. Non, pas le droit personne ne peut t'obliger à croire. Si, justement, dans l'histoire, Louis non, XIV. Non, non, non. On peut t'obliger à te convertir, à faire éventuellement semblant de croire pour avoir la vie sauve. C'est ce qui Oui, si tu préfères. On est pré d'accord. Oui, si, de, si tu d'arborer les atours de la croyance. Sans croire. Non mais tu fais bien de me, de me corriger là-dessus parce qu'en effet, ce qu'a fait Louis XIV avec les protestants et les dragonnades, il a voulu convertir 400 000 protestants, mais la plupart ne se sont même pas convertis. Il n'y avait que 10% qui se sont convertis et 300 ou et, et ne plus crois, de 300 000 et, et ont devenu athées. Et ne crois-tu pas que tous les succès dont tu, que tu attribues au protestantisme n'est pas plutôt dû à une situation géopolitique qui a fait que les protestants qui se sont barrés dans les pays euh, en Hollande, en Belgique, euh, en Allemagne, etc. Donc, on est d'accord, c'est tout c'est tout, 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 ce coin-là hein, que ça, que ça s'est passé. Et qu'il y avait aussi une autre partie de la population qui a trouvé refuge dans ces mêmes villes. Et c'était les Juifs. Donc, d'un côté, tu as des gens qui doivent gagner leur vie parce qu'ils n'ont pas de situation et choses comme ça, donc ils deviennent imprimeurs, euh, euh, chercheurs, industriels, etc. etc. Et ne peut-on pas imaginer une chose très simple du strict point de vue socio sociologique et historique, c'est que pour développer ces industries, pour faire de la recherche et, et, et inventer des trucs, il faut du temps et de l'argent. Et qui avait de l'argent, c'était les juifs. Et pourquoi un certain nombre de, 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 de nations catholiques ne se sont pas développées Mais tout simplement parce qu'il ne fallait pas euh, s'occuper des affaires d'argent. C'est ça la, la grande différence psychologique. C'est-à-dire que pour beaucoup de protestants, le fait de réussir dans la vie est un signe de bénédiction et d'élection de Dieu. « Aide-toi, elle s'aidera ». Et effectivement, le fait de réussir, c'est parce que euh, Dieu, euh, Dieu te récompense de, de, de tes efforts et de ta foi. Mais c'est assez intéressant de constater que là où les Juifs n'étaient pas, il n'y avait pas d'investissement, donc il n'y a pas eu de recherche, donc il n'y a pas eu de découverte, donc il n'y a pas eu de développement technologique. Moi, je pense que la réussite technologique que toi, tu, tu attribues au calvinisme, moi je l'attribue aux juifs, parce que c'est eux qui ont donné le pognon qui a permis de faire la recherche. Oui, il y a une part de vérité dans ce que tu dis, c'est évident, c'est-à-dire que les catholiques ont toujours diabolisé l'argent jusqu'à ce jour d'ailleurs. Mais bien sûr, Le pape, bien depuis sûr, depuis 2000 ans, ou 1500 ans, a diabolisé le capitalisme, euh, l'argent, l'usure. Ça est Mais tu as exactement la même chose dans les pays musulmans où effectivement l'usure, etc. Il y a énormément. Et tu vois, enfin, c'est pour ça que les fruits les pays... sont similaires. Mais... Non, ben oui, voilà. Donc, donc en Mais fait, oui. le produit... entre le catholicisme et l'islam, voilà. les fruits sont similaires. Ils ne produisent rien, ni économiquement. C'est-à-dire quand tu regardes les pays d'Amérique latine qui sont plus catholiques, disons que les pays d'Europe, parce que même les pays d'Europe qui sont catholiques sont au Contact oui. du protestantisme, oui. c'est ça, oui, mais c'est justement ça qui fait la différence. Et eh bien, on voit les, les mêmes fruits moi, en Amérique surtout latine, surtout des juifs et du pognon. Parce que bah, les juifs, en fait, les... Pardon, souviens-toi du sketch de, de, de Ils sont partout, ces catholiques. Euh, du... bah, je veux dire, <laughs> les catholiques, ça fait un moment <laughs> euh, qui, qui, qui se sont. Je, moi, j'ai vécu toute une grande partie de ma vie dans le 7e arrondissement. Il n'y avait pas beaucoup de protestants, hein, soyons clairs. Hein. <laughs> 7e arrondissement, ouais, 7 16e, 15e <laughs> de, de arrondissement de Paris. Tu as du pognon et c'est du catholique, c'est des grandes familles de nobles, etc. Ils ont parfaitement compris que l'argent, c'était pas mal. Hein. Et que on pouvait gagner. Il y a une hypocrisie et... complète là-dessus. Mais... Moi, je pourrais te donner ah, mille mais... exemples mais de suis... catholiques qui suis... diabolisent l'argent, mais qui je... gagnent beaucoup eux-mêmes. Je, voilà. je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Et leur explication est exactement les mêmes que pour les calvinistes, c'est-à-dire je suis béni par Dieu parce que j'ai la bonne religion. Donc tout ça. Qui ça, les catholiques Ben oui, bien sûr. Il y a, il y a... il y a... Non, c'est justement pas. C'est pas pareil. C'est-à-dire qu'eux, ils en sont honteux, les catholiques. Ah, oui. Quand ils gagnent de l'argent. Voilà. Oui, Alors que non. les protestants. On non, a... non, est non, pour non. Il y a une différence entre. Ce n'est pas qu'ils sont honteux, c'est qu'ils qu ne considèrent pas que c'est un signe d'élection divine, que ce n'est pas le premier signe d'élection divine. Ce qui est le cas souvent, en particulier aux États-Unis, où, et c'est d'ailleurs là-dessus que, 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 que prospèrent les, les évangiles de la prospérité, c'est le cas de le dire. On est d'accord. Et qui hein sont anti-calvinistes. Euh, on... anti non, mais on est d'accord. Il faut est, est, On est d'accord, c'est l'utilisation de ces psychologies. Non, c est... C est... On est d'accord. Oui, c'est l'utilisation, la manipulation même de cette idéologie. Parce que euh, le... Le Calvin lui-même n'était euh, pas, pas porté sur la. Je ne dirais pas idéologie, mais de cette psychologie. Logier, voilà. C'est-à-dire qu'on. On est... ah, pas protestants, non, non. Les pentecôtistes, c'est si, 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 si. là où. Non, non alors, alors toi, bah tu ne les appelles pas protestants, oh, mais pas bon, ok, ils sont mais plus protestants. Ils pentecôtistes. Ok, ils sont plus protestants. Mais il faut les appeler par leur nom, parce que ici, par exemple, en Polynésie, il y a plein de pentecôtistes, et je discute beaucoup avec eux. Hmm. Euh, ils me disent, mais moi, je ne connais rien à Calvin, je ne connais rien à Luther, je ne connais rien au protestantisme réformé, et je ne suis pas protestant. Donc, je suis pentecôtiste. Okay, et c'est vrai. Mais en attendant, c'est une secte qui vient du protestantisme, on est d'accord non, là non plus, parce que les protestants réformés, donc, ni nient. C est, c est, quelle est l'opposition théologique euh, à la réforme, de la réforme à l'Église catholique C'est le libre arbitre humain. C'est-à-dire que tu, on peut, li, euh, Luther a écrit un livre qui s'appelle Le cerf-arbitre. C'était bien pour répondre à Erasme, euh, qui a écrit, donc, lui, un livre dont je me rappelle plus du nom, mais où il défendait la conception du libre arbitre humain, et qui était catholique, progressiste, ce qui fait que certains catholiques tradits euh, ont tendance à. à Nier qu'Erasme fait partie des catholiques, mais si il en fait bien partie parce que l'école humaniste a été est née là aussi chez les catholiques. Très important, Pétrarque, Erasme, Thomas More, celui qui a écrit l'Utopie, mm. ça c'était des catholiques et ça donc ça a donné des fruits humanistes. C'est en fait l'humanisme est né chez le catholicisme. Les protestants, nous, c'est le contraire. Euh, on ne met pas l'humain au centre, ce que font les catholiques et les athées, on met Dieu au centre commence et tout finit par Dieu, c'est l'alpha et l'oméga. Donc le pentecôtisme rejoint en tout point sauf le pape et la Vierge Marie, voilà, c'est les deux seules différences. C'est des dogmes importants aujourd'hui, euh, mais qui n'existaient pas, pas il y a encore deux siècles. Je suis d'accord. Ça n'existait pas il y a encore deux siècles. Donc les catholiques empilent les hérésies, d'après nous, euh, depuis 451. <laughs> et ça, c'est deux non, nouvelles non, hérésies pardon, qui sont pas nulle part. Pardon, mais euh, le fait de ne pas reconnaître la Vierge Marie... Euh, c'est quand même euh, bah, un, des grands, un, 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 un des grands traits du protestantisme. Oui, mais c'est récent euh, chez les catholiques d'avoir un dogme sur l'assomption le... la C'est important. Ça, je m'en fous que ce soit récent que... chez les catholiques. c'est euh... un des grands trucs de la réforme. Euh, c'est quand même ça. Non. Là, non, c'était pas ça, parce qu'à l'époque, les, les catholiques ne mettaient pas en avant la Vierge Marie comme ils la mettent aujourd'hui, justement. Euh, nous, on s'est opposés, enfin, les protestants réformés se sont opposés au libre arbitre humain, dont tout le reste découle, en fait. Si tu regardes les cinq points du calvinisme, je ne pas revenir là-dessus, c'est trop théologique. On n'est pas d'accord en fait. sur les dates. Je, mais, je suis désolé, mais les, 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 les trucs à la Vierge, ça ne date pas de 200 ans, quoi. Si, l'Assomption, tu regarderas, l'Assomption, la, la, le miracle de l'Assomption, là, c'est 18e siècle ou non, 19e je siècle. On ne parle pas même. des miracles. Le dogme, le dogme. Ah, le dogme, le dogme, dogme de l'Assomption okay. C'est 19e siècle. Euh, le pape euh, qui a toujours raison, tu peux comment ça s'appelle, euh, c'est 19e siècle. L'infaillibilité du pape sur Faillibilité les... L'infaillibilité papale. L'infaillibilité papale sur les, uniquement sur les questions théologique ou dogmatique. Fait. Voilà. Attention. Ah, oui, Il a oui, le droit oui. de dire n'importe quoi. Il a, ouais, ouais, mais ça c'est trop facile. Enfin, bref, on pourrait. <laughs> C'est le jeu, quoi. Bref. Donc, voilà, non, la réforme protestante, ça, c'est peu connu parce qu'encore une fois, il y a plus de protestants réformés en France. Ou quasiment. Moi, je suis le seul à parler dans l'espace public que je connaisse. Ici, il y en a un autre, euh, le Salut en Jésus-Christ. Je le salue, il a une chaîne euh, YouTube, mais c'est une toute petite chaîne. Mais simplement, les autres, bah, ils ont été massacrés, ils ont été persécutés. Ou, comme tu l'as dit, alors je vais re re rebondir sur ton point, ils sont partis ailleurs parce qu'en effet, c'est ça le phénomène de, de migration. Les gens suivent leur intérêt. Et donc, quand ils sont persécutés à un endroit, ils vont ailleurs. Oui, les juifs Et les, les juifs. protestants se retrouvent au même endroit. Il faut faire du commerce. Ce sont déjà, au départ, des commerçants. Donc, je veux dire, le, pour, le pourquoi développement... Pourquoi ce sont des commerçants non, mais Pourquoi est-ce les... est est que les juifs sont banquiers C'est parce que les catholiques voulaient pas toucher aux fric. Ils, ils Sauf ont, que les juifs l'ont accepté. Non, ils mais, auraient pu refuser aussi. Mais, non, 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 excuse-moi. C'est Non, non, ça, le même livre. non, non c'est un faux choix. Quand on t'interdit de faire n'importe quel autre métier et qu'on te laisse les deux seuls métiers que personne veut faire, c'est-à-dire boucher et, euh, et, euh, et banquier, enfin, je veux dire, tu, tu, pour vivre ta famille, tu fais ce que tu peux faire. Tu peux être horloger, boucher, astronome, machin, etc. Boucher. Oui, c'était les deux. J'ai pas compris boucher parce qu'il n'y a pas des bouchers juifs aujourd'hui partout. Non, que le, le rapport. Mais, non, mais si. Au départ, au départ c'était les deux métiers. Ils n'avaient pas le droit d'être bourreaux. Ils n'avaient pas le droit d'être ah. bourreaux. Euh, ils ne pouvaient pas être médecins, etc. Pour un certain nombre de, de raisons. Et les deux raisons euh, qui ont fait qu'il y a eu énormément de bouchers et de, et, de, et, de, et, de, et de banquiers, c'est que c'était les deux seuls métiers qui étaient, euh, comment dirais-je, Accepté sans, 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 sans discussion, justement, parce que pour beaucoup de catholiques, il y avait une confusion, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bouchers qui sont devenus euh, euh, bourreaux, en fait. Le, le chirurgien, boucher et bourreau, souvent, c'était le boucher était aussi le bourreau, était aussi le chirurgien, bon, si tu veux, d'où l'expression c'est un boucher, tu vois, quand on parle d'un chirurgien. Ça, ça, ça vient aussi de là. Donc, euh, et, et c'était des, 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 des métiers qui étaient considérés, entre guillemets, comme sales, parce que justement, euh, le, le fait de, de rappeler le corps de chair, euh, la chair, et justement, c'est pour ça qu'on n'avait pas le droit de faire des, des autopsies, parce que justement, ça, ça, ça reprochait du métier de boucher. C'est intéressant le cas des autopsies. Je ne sais pas si tu as creusé Ambroise Paré qui il était. Ouais. Pourquoi il est le premier à faire des autopsies Non, mais on est d'accord. On est d'accord parce que justement il n'était pas bloqué par ce dogme. Il n'y avait pas cet interdit, voilà. Exactement. Donc l'Église catholique, là, je te rejoins, ils ont mis. Oui, mais du coup on ne peut pas dire il y a... toutes les religions freinent le progrès non, scientifique. C'est pas vrai puisque le protestantisme lui a accéléré le progrès scientifique. Non, il n'a pas accéléré. Non, non. pas d'Ambroise Paré alors. Non, il, il n'a pas accéléré. Non, il n'a pas accéléré le produit le. le... Le, le progrès scientifique, il a simplement suivi le cours du progrès scientifique qui aurait eu lieu si le catholicisme n'avait pas foutu sa merde. On a, perdu, là, on... on a perdu plus de 500 ans sur tous ces trucs-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on oui, avait accumulé. Ans, ans. Alors, je dis 500 ans non, parce que je veux je... être raisonnable. Enfin, voilà, genre, genre, <laughs> non, non, il faut dire les, les faits. Ça fait 1000 je... ans d'obscurantisme. Bon, absolu et moi, je, total. Je, moi, alors, pas absolu et total, puisqu'il y a eu des. Il y, a eu des, il y a eu des domaines Quasiment, où... Quasiment, je veux dire. Voilà. Ouais. Et pour moi, effectivement, la chape de plomb, parce qu'on tient les universités, parce qu'on tient la librairie, parce qu'on tient, etc., qu non, Sorbonne, qu on, qu on, qu on, qu on... qui interdit les livres jusqu'à la Bible. Ils ont interdit mais la oui, Bible. Oui, je sais, je sais. Pendant des sais. siècles. Je oui, sais. mais donc, c'est bien la preuve oui. que ce n'est pas une religion chrétienne, tu es d'accord Quand on interdit la Bible, il y a un problème. Ouais. Alors que les protestants, c'est là où je parle d'accélération, c'est que les protestants, eux, tu le sais, ils ont traduit la Bible et ils ont souvent été brûlés pour ça. Ils ont d'accord. Euh, ensuite, et ensuite, ils ont eux-mêmes brûlé et Calvin. Alors, je, je reviens à l'exemple de Servet parce que c'est le évidemment le, 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 le dirais-je l'archétype de le seul, le seul exemple. Non, c'est pas le seul exemple. Tu sais très bien. c'est Calvin, pas... si. Calvin, si. Non, allons-y. Bah que... hein. pas... Parlons de Saint-Servais. Saint <laughs> non, mais c'est pas une question. Je, je de... sais que ça devient, pas... non, ça devient un saint pour les athées, mais bon, c'est pas... bizarre. Pas... C'est pas une question de Saint-Servais. <laughs> <de> saint euh... Oui, je vois dans le dans le dans le chat aussi le barbier aussi était chirurgien. En fait, souvent, ah, parce que je... justement, c'était lui le barbier qui avait les instruments qui coupaient bien, euh... 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 qui faisait office de scalpel. Donc, rien euh... à voir avec Christophe Barbier, je <laughs> Non. Lui, il suffit, suffit de nouer l'écharpe, ça suffit. Je... En plus, ça ne se voit pas. Enfin, bref. Euh, euh, et voilà, et salopette noire dit pour les Juifs du Moyen-Âge et après, le travail manuel est interdit aux Juifs qui ne peuvent donc pas être des agriculteurs ou des artisans. Voilà, ne leur reste que les métiers intellectuels, voilà, et la médecine, les métiers financiers. Voilà. Quand Même, ouais, bah donc c'est pas que la banque, mais oui, simplement, oui, c'est ce... enfin, de... enfin, Si 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 si, euh, si, euh, si, euh, si Shakespeare euh, écrit, écrit sa, 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 sa pièce, euh, je veux juste une livre de chair, euh, c'est bien parce que c'est typique, quoi. C'est enfin, oui, euh, voilà. Attention, bah, l'antisémitisme était courant euh, sous euh, l'emprise du catholicisme parce que c'est ce qui rassemblait d'ailleurs les protestants et les juifs. C'est que déjà, les protestants reconnaissaient l'Ancien Testament, à où l'église catholique était censée la reconnaître aussi. Mais en fait non. Donc on était plus proche de, de l'hérésie qui avait été dénoncée au IIIe siècle, qui s'appelle le marcionisme qui ne reconnaît que le Nouveau Testament, euh, alors que l'Ancien Testament donc vient des Juifs. Euh, c'est euh, la Torah plus un certain nombre de non, livres mais pas la question, qui fait, qu enfin euh, c'est pas la question, le dogme de, du, du, le dogme du. Pardon, le dogme du peuple déicide, euh, je veux dire, il a été partagé aussi avec les euh, avec les, les protestants. Je vois pas comment tu peux affirmer un truc ah, pareil. Précisément non. Bah, je suis désolé, bah, mais je parce Allemagne, que. Excuse-moi, mais en Allemagne ou aux Pays-Bas, ouais. pardon, les nazis n'ont pas eu de problème pour récupérer les juifs. Hein. D'accord. Mais euh, remontons plutôt à Luther, non, non, si tu veux non, bien. Non, parce que... non 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 non. Il était le résultat, pour le, aller dans ton le, le résultat, le résultat de l'antisémitisme religieux. Dans la chrétienté, et je mets dans le même sac la catholicité et le protestantisme, c'est ce dogme du, du, du peuple déicide qui n'a été, euh, alors je ne sais pas, au protestantisme, je ne peux pas en parler, je ne sais pas à quel moment on a renoncé à ce dogme, mais en tout cas, euh, dans l'Église catholique, c'est 1962. Jusqu'en 1962, euh, c'était un ouais. dogme qui existait. Donc dans le protestantisme, je ne pourrais pas en parler, tu, 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 tu le sauras mieux que moi, mais je ne peux je pas te que dans laisser dire que les protestants n'avaient aucun sentiment antisémite euh, jusqu'à il y a non. trois siècles. c'est pas possible. C'est intéressant parce que le cas de Luther, justement, euh, ben, Luther, c'est celui qui officialise le protestantisme, même s'il existait déjà avant lui. Mmh. Euh, bon. Mais 1517, c'est reconnu comme la, la date. Parce que c'est Luther qui l'a fait. Bon, Luther était un antisémite. Ça, c'est absolument indéniable. Il a écrit des trucs abominables euh, sur euh, les Juifs. Et il y a une frange de protestants qui l'ont suivi au début. Mais pourquoi était-il antisémite Déjà, c'est intéressant. D'après moi, c'est parce que c'était un moine catholique au départ. Et qu'il a, il a amené avec lui ce dogme euh, déicide, en effet, euh, de, du peuple déicide. Il s'en est pas euh, parce que c'était le début et parce que voilà. Mais dès. Enfin, Calvin, c'est 20 ans plus tard. Calvin euh, n'a jamais été protestant, euh, n'a jamais été protestant, n'a jamais <laughs> été antisémite. Calvin n'a jamais été antisémite. Il a toujours condamné l'antisémitisme de Luther, ou, officiellement. Hein, de Luther, dans son institution de la religion chrétienne, enfin dans tous ses écrits, il y a une condamnation stricte de l'antisémitisme. Au contraire, euh, une... parce que dans l'histoire après. Euh, on voit, je veux dire, euh, une alliance objective, entre, notamment en France, entre les juifs et les protestants, qui étaient persécutés euh, par, les, par les catholiques. Donc euh, ils trouvaient une alliance. En plus, il y a cet aspect de l'argent dont tu parlais, c'est-à-dire que les protestants n'ont pas euh, le, le problème avec l'argent qu'ont les catholiques, donc ils rejoignent là-dessus les juifs. Mmh. Et au final, euh, Hitler était catholique, il hein, ne faut pas dire n'importe quoi, bah, il oui, a oui, fait oui. une alliance. Une alliance catholique Bien sûr, bien sûr. Il n'est pas protestant, donc euh, voilà, on ne peut, peut pas mettre sur le protestantisme euh, Hitler. Hitler était catholique, baptisé catholique. Après, il a dérivé dans tout un tas de trucs tarés d'occultisme de, de, et tout ça aussi. Donc, il peut être attaché aux deux. Et quand on est de mauvaise foi, on veut rattacher Hitler à l'un ou à l'autre uniquement. Non, c'était compliqué. Euh, mais en tout cas, ce n'était pas les protestants qui ont fait ça. Et les protestants, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont combattu le nazisme déjà, Angleterre, Amérique. Et euh, la, pr la principale ville qui a sauvé des protestants en France, c'était une ville protestante. C'était Chambon-sur-Lignon, où mon grand-père, juif, qui s'est caché pendant toute la guerre, est allé se réfugier après la guerre parce qu'il craignait le retour des nazis. Tu sais, quand on est persécuté comme ça, mmh. même si les nazis était morts avec Hitler, on craint toujours qu'ils reviennent. Il, so il est devenu, donc lui, il était dentiste, pas bouché, <laughs> mais il était dentiste. Et il y a beaucoup plus de dentistes. Voilà. Mais voilà! À son époque, c'est pas comme aujourd'hui. Je, je, je hein. Mon père m'a raconté une extraction de dents quand il était jeune. <laughs> je suis content de vivre à mon époque. Rend... Hein. Rend... <laughs> à Louis XIV où, euh, on lui avait racheté toutes les dents. Euh... Non, non, non. En et, fait, Louis XIV, il, il avait un abcès. Et quand on lui a retiré la dent qui était le truc, il y a une partie du palais qui est partie avec. Donc en fait, comme il c'était un gros mangeur, quand il prenait des bouchées un peu trop importantes, il mangeait toujours avec un mouchoir devant le, devant le nez. Parce que quand il prenait des bolées trop importantes, une partie de la bolée remontait dans le, dans le conduit nasal et ressortait par le nez. Voilà. Le mec, le mec vous fait deux poulets à lui tout seul par repas. Enfin bon, c'était monstrueux. Alors là, on va peut-être arriver à un sujet sensible, c'est euh, la guerre en Ukraine. Alors, tu, tu me dis, mais d'où il sort ça C'est parce qu'on parlait de la Deuxième Guerre mondiale, et pour moi, là, on est euh, proche d'une Troisième Guerre mondiale. Je ne je... sais pas pourquoi tu es parti sur la Deuxième Guerre mondiale. Que, tu verras que, bah, j'ai fait euh, une petite étude avant cette émission, tout comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, tu avais les forces protestantes, États-Unis, Angleterre principalement, qui étaient contre euh, le nazisme, le Japon impérial, et au début, n'oublions pas l'URSS. Tu bah, Tu te fous de ma gueule, pas que... bah, tu n'es bah, pas sérieux. Non. Pour les États-Unis, tu n'es pas sérieux quand même. Les États-Unis n'étaient pas contre l'Allemagne. Jusqu'en 1942, ils n'en ont, euh, ont, ont, ont rien à foutre. Jusqu'en 1942, ils se disent simplement est-ce qu'on va pouvoir faire du commerce avec, avec Hitler Et quand ils comprennent qu'ils vont perdre, euh, parce qu'avec le, le, le Japon, ils perdent une fenêtre d'ouverture sur, euh, sur, euh, sur le Pacifique, parce que c'est aussi euh, le, le, le marché asiatique, et qu'ils comprennent que s'ils laissent, euh, si, euh, laissent tomber l'Angleterre, euh, ben ça, va, ça va commencer à être un problème parce que manifestement, les, 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 euh, les, euh, les Allemands euh, n'en ont rien à foutre de faire du commerce avec eux, ils ont l'intention de vivre en autarcie. Euh, c'est à ce moment-là, c'est quand on commence à toucher à leur portefeuille, ils y vont pas du tout pour des questions morales. Hein. Et dis, on le sait très bien, puisque euh, avec le plan Marshall, on voit très bien qu'ils ont profité du truc pour faire du pognon. Donc, non, je viens pas me dire que c'est pour des raisons morales que les États-Unis ça... sont rentrés dans la, guerre de, dans la Seconde Guerre mondiale. Non, ouais. bien, je l'ai pas dit. Je ouais. pas dit ouais, ouais, et tu l'as pas dit, mais tu l'as fortement sous-entendu. Ouais. C'est un procès d'intention. Donc moi, ce que je dis, euh, c'est que dis, quand les... tu dis dès le début de la guerre, les États-Unis étaient contre les... Contre je les... Dit, dès le début de la guerre. J'ai je... si. dit... Euh... Alors vas-y, non, 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 voilà, tu redis la chose. Ah, moi, je dis que... Euh, les... Tout comme les gens suivent leur intérêt... C'est pour ça qu'ils partent de pays où on les persécute. Les pays suivent leur intérêt et donc ils défendent leur intérêt. Et moi, la morale dans la géopolitique, c'est très dangereux. Euh, ça doit jouer à un moment tu... pour savoir si on est je du suis côté. Désolé, comme mais tu as, tu as tenu le discours contraire en disant que les États-Unis sont rentrés dit, dans la Seconde Guerre mondiale pour, pour une raison morale. J'ai même pas dit ça. Non, j'ai dit que les États-Unis et l'Angleterre étaient du côté euh, anti-nazi. Ils n'ont jamais été du côté nazi. C'est l'URSS qui a, été, il a fait un pacte germano-soviétique. Oui, on est d'accord. Voilà. Ensuite, les États-Unis ont aidé même l'URSS avec le London lease pour lutter contre l'Allemagne nazie. Mm -hmm. Avant même d'entrer en guerre. Tu es d'accord Donc, euh, ils ont aidé aussi Churchill. Alors, ils ne l'ont pas aidé assez. Ça, on, on est d'accord. Tout comme ils n'ont pas aidé assez la France euh, au moment de l'attaque. Ça, on est d'accord. Mais après, c'est indéniable que euh, ils se sont placés venir clair et net dès lors qu'ils étaient attaqués Alors, par le Japon. C'était une raison plus politique de... aussi euh, entre guillemets, aussi une raison politique. Euh, si on a, s'il n'y a pas eu assez de largage d'armes sur la résistance, c'est que euh, tu avais 25% de la résistance qui était communiste minimum. Bon, pas par choix. Hein. On pas à cette époque-là justement, non. Avant juin quarante les, les, les ah communistes là, oui, étaient oui, collaborateurs. Ah oui, oui, C'est ce, 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 ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que les communistes, mmh. ils sont rentrés en résistance, mais pas au départ volontairement. <laughs> Puisqu'il y avait le, ah, capte, là, il y avait mais... le pacte d'acier. Ils sont rentrés... Euh... Donc, pour aller dans ton sens, les Américains auraient pu larguer des armes, etc., en 40, quand on a été occupé. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc ça, on peut leur reprocher, en effet, si on veut vraiment être jusqu'au boutiste. Bon, mais bah, concrètement, c'était en 40, ans, les en 40 euh, la résistance. Il n'y a personne quoi, faut être sérieux. Ah, elle était à Londres et même, et euh, de toute façon, les États-Unis gardaient des bonnes relations avec Pétain hein, jusqu'en oui, 1941. Bien sûr. bien sûr. Voilà, donc ça, c'est des faits, c'est historique. Maintenant, pour la Troisième Guerre mondiale, euh, on se rend, et là, d'un point de vue Mais athée, c'est quel, intéressant. Quel, quel, alors, il n'y a, a pas de point de vue athée sur la guerre en Ukraine, ça, c'est déjà la première chose, et ce, ça ne répond pas à la question ah, si, de départ je, de je, notre de je... conversation, qui est les raisons tu... de ta conversion. Ouais. Les raisons, moi je te les ai expliquées, c'est cette nuit mystique. Et ensuite, il y a que ça. Euh, oui, c'est-à-dire que quand tu es né, euh, ta mère a accouché. Il n'y a que ça. Et après tu es né, tu as fait ta vie. Bon, c'est comme sur ça le dans la arbitre, hein. Je ne sais pas du, comment du libre arbitre, on est, on, est, on, est, on est arrivé à la troisième guerre mondiale qui... Euh... Bon, on pourrait y venir après. C est, c est, c est... Je ne sais pas combien de temps ça dure en fait, mais on peut parler encore du libre arbitre. Bah, -à -dire moi, il 20h40, le problème il est 20h46. En, en général, j'essaie de m'arrêter aux alentours de 21h. Mais après, on peut reprendre la conversation en basant euh, en basant ta prochaine visite sur le libre arbitre. <laughs> Mais tu veux savoir quoi du libre arbitre Donc moi, je l'ai condamné le, la, cette croyance euh, qui n'existe pas et qui a été démontrée scientifiquement comme fausse depuis, euh, notamment dans le domaine neuroscientifique. Il n'y a plus un neuroscientifique sérieux qui croit au libre arbitre humain aujourd'hui. Alors, euh, pardon. Depuis les croyances de libre au libre arbitre absolu. Ah. Quoi. je sais pas après on peut rajouter mais soit Dis de ce, librette... que, ce, que, ce que les neurosciences démontrent c'est que la part de libre arbitre il y a une part de libre arbitre mais elle est, elle est beaucoup moins importante que ce que l'on croyait jusqu'à présent mais il nous reste une petite part de décision mais c'est très vague c'est très gris j'ai l'impression d'entendre un catholique très bien bah, je savais pas que tu étais d'accord avec ça euh, sur, avec eux sur, sur ce, cette histoire mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense comme Samaris, par exemple, mais qui est un athée. Ah, de libre je, je zéro. Je, je, je ne suis ah. d'accord ni avec l'un ni avec l'autre. Ah. Ma position, avec Samaris, ma, 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 ma position, ma position, ma, position, ma, ma position scientifique, c'est pas de dire il y a le libre arbitre ou pas le libre arbitre. C'est que c'est exactement comme la génétique qui rencontre un environnement. C'est pas rien n'est écrit ou tout est écrit. C'est il y a une partie qui est écrite. Et il y a une partie qui n'est pas écrite. La question est de savoir et d'arriver à déterminer quelle est la proportion. Est-ce que c'est pareil pour tous les individus Je ne crois pas. De la même manière que la chimie de chacun, la chimie de cerveau de chacun fait que notre rapport à la réalité n'est pas forcément le même pour tous. D'où la difficulté. Hein. C'est toujours la même histoire. Ça, c'est la vision que j'ai. C'est ce que je comprends de ce que dit la science, c'est que. Ce que nous considérions comme étant la partie de libre arbitre est beaucoup moins importante que ce que l'on supposait avant, où on disait grosso merdo, c'est un peu comme linéaire c'est 50-50. Non, c'est pas 50-50. La question est de savoir, c'est la proportion varie entre les individus, et quand on fait la moyenne de variation, est-ce que c'est comme une courbe de Bell Est-ce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de libre arbitre et des gens qui en ont quasiment absolument pas est-ce que c'est une courbe de belle et est-ce que la majorité de la population a à peu près la même répartition entre ce qui est écrit et ce qui, est, ce qui, ce qui peut être considéré comme du libre arbitre Mais contrairement aux religieux, je n'ai pas une vision pure ou absolutiste. Je ne dis pas c'est soit il y a tout le libre arbitre, soit il n'y a aucun libre arbitre. Je pense que c'est un mixage entre les deux. Je pense que c'est une position qui est beaucoup plus raisonnable. Mais Mais c'est pas une pression religieuse de dire c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est exactement ce que tu viens. de c'est pas religieux. Non, mais c'est pas la question, c'est ce que tu viens de dire, c'est que les religions que toi en tant que tu penses qu'on n'a aucun libre arbitre et que les catholiques disent Samarit aussi. Non, je ne sais pas qui est Samarit, je m'en cogne Je parle de ce que je me important quand même de connaître. Je me base sur ce que tu disais par rapport aux religieux. D'accord ben, Juste. Oui. Les religieux, je, tous, dis, sans, dis, dis, sans exception, même les musulmans croient au libre arbitre. C'est ça bien je, la tu, différence Tu, tu dis. C'est l'idée que, que je voulais faire passer aujourd'hui. Tu dis que chez les religieux, c'est ou tout ou rien. On est d'accord Ok. Et tu affirmes que la science dit la même chose. Et que c'est rien. Ok. Je, je ça m'a ce qui est athée. Voilà. Pardon, tu cites une personne. Bon, J'en place qu'une là. Non, non, pardon, tu, tu, tu cites une personne, ce qui, de mon point de vue, ressemble énormément à un argument d'autorité. Donc, la semaine prochaine, je vais m'intéresser à la chose, je vais faire des recherches, je vais interroger des gens. J'ai la chance d'avoir des amis qui sont médecins et ce genre de choses et qui, et qui travaillent dans ce genre de domaine. Donc, je vais m'enseigner. Et si tu veux bien. On remet ça à la semaine prochaine. Mais avec joie, parce que tu verras qu'il y a Spinoza, par exemple, qui n'était pas croyant non plus, euh, qui ne croyait pas au libre-arbitre. Nietzsche, qui pas croyant, Mais je ne croyait pas au libre-arbitre. Donc il y a une école philosophique qui croit qu'il n'y a pas de libre-arbitre, je... On... à laquelle se rattache Samaris. Ce n'est pas un argument d'autorité, je ne suis pas d'accord. C'est juste il y a une école philosophique athée, croyante, c'est-à-dire les non. les protestants réformés, non. Non. Non, non, non. Est... Soit on ah, ne a... pas. Non, 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 non. Je ne sais pas qui est Samaris. Tu sais rejoins pas, une match. Je ne sais pas. Fait... Je sais pas qui est Samaris. Je ne sais pas pour... pourquoi tu, tu, tu amènes ce nom. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas. Qui... C'est un athée parmi les plus connus au monde. Donc je pensais que tu le connaîtrais. Euh, non, je. je... C'est avec Richard Dawkins, c est... C est... Daniel Dennett, quand même très rigolo. Il y, des... y a des tas de voilà. croyants qui me disent c'est un athée hyper connu. Et quand j'interroge tous les athées qui sont autour de moi, c'est des athées qui sont connus. Regarde dans le chat. C'est des athées qui sont connus que des croyants. C'est assez fascinant. Donc je, je n'ai rien à foutre de la philosophie de Samaris. Soit on est sur de la science. La philosophie... C'est un neuroscientifique. Bon, très bien. Eh ben, Je vais m'intéresser à ce que dit ce neuroscientifique. Ça ne veut pas dire que toute la communauté des neurosciences sera d'accord avec lui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le consensus scientifique. Justement. Pas l'argument d'autorité de la personne moi, la plus de... connue. Je m'en fous. Sûr. Mais c'est le plus connu, mais le pas le plus important au niveau scientifique d'ailleurs. Il y a ah, des scientifiques bien plus éminents que lui ah. qui disent qu'il n'y a pas de libre-arbitre. Et c'est le consensus aujourd'hui dans la neuroscience. Ce n'est pas le consensus dans d'autres domaines de la science. Ça, je suis d'accord. Et, et Daniel Dennett, que tu connais peut-être, qui est un autre athée très connu, oui, avec lequel mais il débat, est, est un philosophe. Daniel Dennett et Samaris, oui, effectivement. Il y a deux secondes, tu le connaissais pas, Samaris. Tu le connais alors finalement Ah, tu dis Samaris. Ok, c'est parce que tu le disais oh, tellement. Oh, ok. Pardon. C'est-à-dire euh... que tu le disais de manière tellement comme ça que je pensais que tu parlais d'un Français ah, qui s'appelait Samaris. Bah non. Ah oui. Samaris. Ah, Sam Harris. Ok. Donc oui, bien sûr, je connais Sam Harris. Oui, d'accord. Voilà. Mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais après, maintenant, si effectivement Sam Harris dit que le consensus scientifique, je pas oui, là, ça m'intéresse parce que effectivement, en général, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Bon, ok, très bien. Mais Daniel, Daniel Dennett s'oppose à Samaris. Ouais. Bon, lui il n'est pas neuroscientifique, c'est un philosophe, ouais. mais il s'oppose donc parmi c'est ce que je voulais dire, c'est parmi les athées. Il y a cette opposition qu'il y a aussi parmi les religieux, mais les seuls à, dé, à dénoncer le libre arbitre humain parmi les religieux ce sont les protestants réformés, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui et les musulmans croient au libre arbitre. Oui, mais parce mais, que mais, mais, mais pardon, de... pardon, mais quand tu disais c'est une histoire de foi et on n'a pas à se baser sur la science pour dire qu'on a raison, c'est exactement ce que tu es en train de faire. T'es exactement dans la démarche de Bonassi et Bolloré qui disent Voilà ce que dit la science à propos de la naissance du Big Band. Oh, on avait raison. Et là, tu es enfin, et, et, exactement en fait. La la je, 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 je suis désolé, mais es exactement en train de faire la même chose en disant Oh bah la science est d'accord avec ce que disaient les protestants, donc le protestantisme est, euh, est la vraie religion. Alors, je ne dis pas ça déjà. Moi je dis que c'est ma foi que euh, je ne convainc personne. Alors pourquoi tu dit parles de Samarie, je... c'est du fait que lui aussi... Pourquoi tu, 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 vas, pour chercher, préciser... pourquoi tu vas chercher l'argument en disant « la science confirme ce que un dit le protestantisme ?» Je disais, chez les athées, il y a ce, cette même opposition entre ceux qui croient au libre arbitre et ceux qui n'y croient pas, ouais. qu'il y a dans la religion. Ouais. C'est intéressant de savoir que dans la religion, il y a uniquement les protestants réformés qui ne croient pas dans leur dogme euh, strict, pas le protestantisme aujourd'hui. Et tu tisses aucun lien tu peux entre le voir. fait que la science te donne, donne raison au protestantisme Alors là où on peut tisser un lien, c'est que la science est déterministe. Ça, c'est indéniable. Et le protestantisme aussi. Je ne croient pas au libre arbitre, et par contre, ils croient, contrairement à l'islam, là je peux donner un exemple qui va faire comprendre non, ça non, à tout le monde non, la non, différence non, entre. Non, non, j'ai la comparaison avec l'islam, j'en ai mais rien ça. à foutre. <laughs> si, c'est intéressant. Non, non. non, alors tu disais les, les, les musulmans cro euh, euh, ne croient pas au libre arbitre, ce qui est faux. Je peux te le démontrer. Est-ce que tu me laisses te le démontrer en une minute ou pas Non, mais ils croient aux deux, en fait. Le problème des musulmans, c'est qu'ils sont incapables de choisir. Non, 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 mais les musulmans, ils passent leur temps à dire on a le libre arbitre, tout en croyant à un Dieu qui prouve qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'en fait, le problème des musulmans, c'est que justement, ils n'arrivent pas à choisir. Parce que rien ne se fait ou ne se fait pas sans la volonté de Dieu. Et en même temps, ils disent, tu, 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 euh, tu choisis de croire ou pas. Ce qui est un non-sens. Donc le problème, c'est qu'ils ont en dissonance cognitive totale, mais au sein même de leur dogme. Voilà. C'est ça le problème des musulmans principal. Alors là, je suis d'accord là-dessus. On c est d'accord. Le problème principal des musulmans, c'est que leur dogme passe leur temps à les mettre dans des positions illogiques. En, en, en permanence oui, oui. bon, qu'est-ce qui est un problème euh... je, je, mais, je, je... mais juste pour conclure vas-y, vas je te laisse conclure la différence entre le fatalisme euh, musulman et le déterminisme euh, des, des protestants c'est que si tu tombes malade le musulman va dire, bah, Dieu a déjà décidé d'avance si tu serais guéri ou pas donc ça sert à rien d'appeler un médecin, es d'accord ça c'est le fatalisme le déterminisme, c'est tu tombes malade, si tu appelles un médecin tu auras plus de chances de guérir, donc appelle un médecin Okay. C'est ne pas nier la loi de la causalité, tout simplement. Le fatalisme nie la loi de la causalité, remet tout à Dieu qui est surplombant, mais c'est un Dieu finalement totalitaire qui décide de tout euh, en dehors de, des lois même scientifiques. Donc que les protestants. Ouais, mais euh, donc on pourrait dire que de toute façon, euh, je, je, oui, mais à partir du moment où tu n'as pas de libre arbitre, on pourrait toujours très bien dire que Dieu avait écrit que tu appellerais ce médecin qui te sauverait la vie. Ce n'est pas, le, 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 pas ce que disent les protestants. Les protestants, non, ils disent... Je, je, euh, je, pousse ta, je pousse la logique, je, je logique jusqu'au bout. Hein. Si tout est écrit d'avance, tu n'as pas choisi le médecin et tu n'as pas choisi de, 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 de te donner plus de chance. Dieu a, choisi, Dieu a choisi pour toi que tu appellerais ce médecin particulier qui a des compétences particulières, qui aura lui-même, euh, dont il aura déterminé le niveau de connaissance, d'études, etc. et la compétence pour pouvoir te sauver la vie ça c'est sûr que on remet tout à Dieu donc je suis sauf désolé sauf que Dieu je, après je, alors on en reparlera la, la, après, on, en reparlera la prochaine fois mais je pense qu'on va inciter avoir... à agir ou pas ça la différence c'est à dire que si Dieu t'incite à agir bah tu agis si t'incite à pas à agir tu n'agis pas justement c'est ça le problème de le problème, problème c'est que, qu que est... si, si tout est écrit de toute façon il a écrit que tu agirais donc es il y a pas y a pas de... C'est pas que ça il y, y a pas de différence mais non il n'y a pas de différence parce que c'est la, différence, la vie, logiquement il n'y a pas de différence Écoute je... c'était très sympa je il oui, faut vraiment que, 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 que je ah. que je conclue Merci d'être passé c'était très euh, c'était intéressant euh, voilà Merci à toi d'être venu et donc euh, je te renvoie l'invitation donc sur ma chaîne quand tu veux tu te manifestes auprès de moi on a, on a oui. le contact et ça marche. tu es le bienvenu pour parler, euh, ça de ce marche. que tu veux donc euh, réfléchissons là-dessus euh, sur euh, la sur euh, le, le, le disons que on si tu veux reparler est... après et sur le libre arbitre, voilà. et tout ça, on, on se parler. dit que la prochaine fois on se concentre sur le libre arbitre. D'accord C'est peut-être intéressant. J'ai écrit un livre là-dessus, le libre arbitre scientifiquement réfuté. Donc, mais il est plus en il est plus en vente. Donc, je fais même pas ma pub. Tu vois. <laughs> mais voilà, j'ai écrit un livre, donc je sais un peu de quoi je parle tant quand pique, je parle de ça. Ça, c'est un argument d'autorité. <laughs> Ciao. Disons que euh... <laughs> ciao allez hop la... voilà bon alors je vais jeter un petit coup d'œil. je suis désolé j'étais vraiment pris par la j'étais vraiment pris par la par la discussion donc je n'ai pas bien regardé ce que, vous, ce que vous disiez dans le chat de tout ça hum. Mais bon, moi, c'était intéressant. On avait, on avait un intervenant, et puis c'était vivant, et puis il se passait des trucs, et puis... Euh, et puis voilà. Qu'en avez-vous pensé Dites-moi un peu. Alors, je vais regarder. <laughs> euh, J'ai vu, vu quelques informations, oui, passer À propos de ce qu'il disait, de ses condamnations, de... Voilà, etc., etc. Donc, euh, voilà, je, bon, je voulais quand même lui donner la possibilité de, 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 de développer son, son, une partie de son... Euh, voilà. Euh, donc je ne peux pas remonter. Le chat mis en pause à cause du défilement. Donc là, je ne peux pas remonter très loin. Euh, oh, ma culture. Merci beaucoup. Point 14. Ah vache. <laughs> euh, 61. Je, je trouvais plein d'autres trucs assez douteux. Bonsoir à Blanc Oui, je, je suis désolé, j'ai pas pu... Euh, saluer beaucoup de monde mais j'étais un petit peu concentré sur ce qu'il me disait pour, 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 pour essayer de, de ou de comprendre ce qu'il disait ou de recadrer le truc au cas où je trouvais que ça tenait pas vraiment euh, et là je m'aperçois que j'ai pas fermé la porte derrière moi c'est fou cette histoire attendez Eh ben c'était un sens. Euh, euh, alors. Donc bonsoir à Blanc là, euh, c'était fracasse. Euh, J'ai cru voir qu'effectivement, il y avait pas mal de gens de... de J'ai vu passer une, une remarque, comme quoi il y avait une partie de la Zio qui était là. Bonsoir, euh, bah, so, bonsoir à vous. Si, 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 si c'est le cas, je, 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 comme je ne je vous connais pas tous. Voilà, ravi de vous avoir euh, euh, à bord. Euh, Est-ce qu'on a encore un peu de monde je... 87 spectateurs. La vache Chouette une, une émission qui marche bien. Il faudrait que je regarde des stats si, si, on, si on est monté à, à beaucoup. 963 followers. Putain, on va arriver à 1000 followers. C'est absolument hallucinant. <laughs> Merci beaucoup à tous. Hum, Génocidax, on peut rattacher Hitler au végétarien aussi Oui, bien sûr. Euh, Nazis n'est pas mort, c'est le cas de le dire. Euh, J'ai eu vent une petite récap sympathique des obédiences douteuses de et des aquatiques de, de cet énergie humaine sujettissociée à l'eau-lèvre duquel nous sommes suspendus. C'est pas chaud chaud. <laughs> euh, 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 et il, voilà qui il va, il va sortir ses complots. Il va y arriver. Il va dire les cathos c'est des nazis. What? Quand les Américains ont eu l'opportunité de sauver les Juifs qui fuyaient l'Allemagne en bateau, ils les ont renvoyés. Fuis ça. Euh, je dois vous laisser bonne fin de soirée salut Jim Holden euh, le paquebot Saint-Louis euh, Charlie Chaplin a été eu, eu de graves problèmes aux USA après la sortie du dictateur absolument euh, Ou oh, la belle réécriture historique merveilleux, on caresse presque du bout des doigts les théories du complot là hein le mec, il est comme... <laughs> on est en plein dedans c'est enregistré pour rappel monsieur Robin il a été proche de François Asselineau Pff, voilà IBM vendait le système de gestion des camps. International Business Machine. D'ailleurs, mon père a fait 35 ans chez IBM. Voilà. Pour, euh, comme ça. Aussi. Meilleur vendeur de France pendant des années. Enfin, bon, bref. Euh, euh, Simon Louvel avec tous leurs instruments de torture. Oui, ses dentistes sont débouchés. <laughs> Un zémouriste ne cracherait pas ça sur le catholicisme, j'ai aussi des Amérindiens, esclavagisme le mal des Asiatiques. Oui, oui, non, non, mais le, le protestantisme est formidable. Je euh... faisais des y, 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 y parties de pince-fesse avec Staline pour savoir comment se partager la, la Pologne, oui, bien sûr. Et Henry Ford, et le mal qu'a eu Roosevelt à faire rentrer en guerre les Américains. Et Charles Lindbergh. Non, mais c'est plus compliqué que ça. Il raconte n'importe quoi. On veut des sources. Hitler était catholique, Hitler était juif. Des affirmations qui sont dosteuses au vu des actes. Euh, prochaine visite, on peut avoir un vote. <laughs> on sait que le déterminisme existe, quoi. C'est un peu tôt pour parler de Troisième Guerre mondiale, à mon avis. C'est très caricatural de prétendre que les neurosciences nient totalement le libre arbitre. Oui, je, 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 je pense qu'il je, je il a tendance à, à simplifier ce qu'il veut. Ce qu peut, voilà. <laughs> Ginocidex, et qu'en pense Idriss <laughs> Encore faut-il partir du principe qu'Idris pense. Mais bon. Il hum. n'y euh, a surtout pas une personne sérieuse qui, qui n'est pas sérieuse, qui se permet de parler de neurosciences sans trembler. Marcher sur des oeufs est plus facile quand on veut être un peu sérieux dans ses propos. Mon cher petit Jean, Robin Desbois. Euh, S'il y avait pas de liberté, on n'aurait qu'une seule religion. Euh, c'est euh, oui c'est pas faux non plus euh, j'imagine que la partie qui est écrite sont les hormones et la génétique oui euh, entre autres oui euh... pou, pou, maintenant je mordais mon premier dentiste quand j'étais petite j'ai gardé plus de temps que mes frères et mes soeurs le second dentiste de la famille était un peu moins bouché euh... Hello, ça se passe bien ici. Lui... Non, mon premier dentiste était jeune. Il n'y aucun. Une somme d'arguments d'autorité. Euh, un athée croyant, ça n'existe pas. Voilà. C'est aller du... vite en besoin. d'une déclaration de certains docteurs de la foi ne pas tous les dogmes. Si j'avais su qu'il y avait cette invité, je serais venu un peu plus tôt. <laughs> dit Jarod. Ah enfin, ouais. Mais euh, ça a été une surprise en fait. Je. Non, Steve Harris! <laughs> Le premier Harris que j'ai connu, ouais, c'était Steve, effectivement! Je pense que ça, ça doit être une des premières lignes de basse que j'ai. Alors, pas que j'ai essayé de jouer, mais que j'ai retenu avant de me de, avant de, de mettre à devenir bassiste. Euh... Samariste et Samariste. Donc quand il analysait ma bouche avec des machines à la il m'a dit, j'ai senti ça à côté de lui. Euh, oh, un quoi Il fait du concordisme, je connais que le pain de Miaris, mais ça n'a pas de rapport. Ça fait beaucoup là. Bon, alors vous dites des deadlines. Euh... On va voir ce que nous voulons faire. Euh... Pardon, moi. Hein. Euh... Pasteur, c'est protestant, mais c'est un autre pasteur qui fait évoluer la microbiologie. Il n'y a pas de consensus. Je préfère la matrice comme croyance. J'écris un livre, si c'est de la merde, je sais de quoi je parle. <laughs> C'était difficile, non, pas grave. Euh, on l'a vu son interview. Oh, bon, bah, j'en viens à la fin. Comment c'était On a fait du debunk en live. C'était rigolo, on va dire. J'ai écrit un livre, donc je suis expert. Débattre avec Jean-Robin, c'est un peu comme essayer d'allumer une bougie en plein vent. <laughs> c'est pas faux. Euh, au moins, il est resté courtois et dialogué. Bah, ouais. Enfin, en même temps, il sait que je suis pas du genre à. <laughs> Euh, il, sait, il sait clairement que je ne suis pas du genre à me, je, je pense qu'il a vite compris que je ne suis pas du genre à me laisser intimider et insulter sans réagir. Je ne suis pas aussi, euh, comment dirais-je, diplomate que, 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 que Thomas. Et que, en plus, je n'ai pas besoin de lui pour faire l'émission. Enfin, je, je suis très content qu'il soit venu et que c'était intéressant. Et voilà. Mais euh, s'il se met à être désagréable, je, je, je le mute ou je le vire. Donc, bon. Euh, J'ai plus de son. Comment ça, il n'y a plus de son Si, il y a du son. Ah, oui, mon chat marche. Bon, d'accord. Hmm. J'ai toujours du mal, me dit Mozit Mart, avec les gens qui pensent que leur religion est parfaite et que celle des autres, c'est du grand n'importe quoi. Genre, le protestantisme a pas ses gros bigots obscurantistes. Oui, c'est assez. Euh. Désolé, je dois vous laisser, j'entends le chat qui miaule. Le four doit pas être à température. Euh, Molybdène qui dit bonsoir, j'ai découvert via la Zoe Bon, ben Bonsoir. On, on est à plus de 100. Putain, c'est cool. Cestia qui dit content de t'avoir découvert avec Zioclo, effectivement. Ben, merci beaucoup. Je, 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 je remercierai jamais assez de tous les gens qui m'ont qui, 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 qui mis euh, le pied à l'étrier. Donc, euh, en premier, évidemment, il euh, y, eu, euh, y a eu Thomas, il y a eu. Euh, euh, merde Oh, oh, uh, the... oh euh, Zut euh, Oh la honte Clément Fraise. Euh, ensuite, il euh, y a eu. Il euh, y, eu, euh, y a eu. Sébastien Canvet. Euh, si vous ne connaissez pas sa gêne, euh, dites hein, Vous avez le droit. Et puis, euh, et puis là, bah, l'invitation du Joclo, vraiment, c'est euh, formidable. Voilà. <coughs> euh, tout, 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 Au passage, sur la prétendue lutte contre l'antisémitisme des USA sous Hitler, il faudra lui parler de Bossin-Louis. Bon, voilà. Dit Jarod qui dit ⁇ j'ai pas tout le contexte ⁇ mais si l'on nomme les choses sur les choses naturelles tout ce qui se passe dans le monde physique est dû aux interactions produites dans le monde physique, donc on obtient une séquence de cause à effet. Il n'y a pas de hasard, on obtiendra un état déterminé par la relation de cause à effet, mais il y a tellement d'interactions et de paramètres, évidemment, qu'on ne peut pas prédire le futur pour autant. C'est la pensée dominante. On ne pourrait pas faire de science si on considérait ⁇ Je bah, j'ai pas la suite, mais ce n'est pas grave. Hum. ⁇ Féo qui dit Oh, ben, ça c'est ça, ça c'est bien fini avec Jean-Robin. Oui, 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 très cordial, aucun problème. Euh... Enfin, pour son histoire sur la guerre mondiale, il a toujours les notes d'Asselineau. D'accord, ok. Au euh... niveau de négationnisme, pareil, ça donne envie du hurler, Les gens, les protestants, n'avaient pas de gros problèmes d'antisémitisme, ils n'ont rien à voir avec le nazisme. non, c'est incroyable. Euh, ce sera redivé sur la chaîne secondaire Oui, bien sûr. Oh, oui, oui, j'attends que, que le truc soit fini. Je vais, je vais le télécharger et puis je vais le mettre sur la chaîne secondaire assez rapidement. Euh... C'était mise en slip ou pas mise en slip <rire> <rire> Jésus ne râlait jamais, on ne l'a jamais vu protestant. Sorcière Axelot a, 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 a de la concurrence avec vous. Euh, euh, il fallait les mordre en France. On avait Boule qui a eu son mama, son ministère, mais aussi le Goupy Système euh, Idriss à Berkin, hyper-docteur, hyper-plainte, hyper hyper-égo. Euh, si Idriss était super conducteur, on serait au courant. Oh, elle est pas mal, elle est pas mal, elle est pas mal, elle est pas mal. Euh, sur une note rigolote le catholicisme français aurait été qualifié par les instances de Rome comme une forme de protestantisme euh, là j'avoue je ne pige pas euh, on a un peu bombardé sur les coms Oui. <laughs> j'ai l'habitude vous êtes plutôt bavard <laughs> euh, et encore tu ne l'as pas lancé sur la Chine oui oui je sais je, je, je sais sérieux sa, sa chaîne YouTube c'est un trésor de complotisme oui je suis j'ai regardé deux trois trucs euh, voilà vous avez le droit à une excellente chaîne, tout le groupuscule méveillant. T'inquiète, je connais ce mec via Twitter. D'ailleurs, Sébastien, vous avez le droit à un Discord. Euh, oui, euh, il a un Discord et euh, il a lancé sa chaîne Twitch, hein, euh, Sébastien. Aussi. Et euh, là, sur l'annonce de. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, absolument géniale, ce teaser euh, de la sortie de, 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 de la deuxième partie euh, du, du, du documentaire de, de Clément. Ils ont fait une reprise de, 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 des fameux euh, de Palace avec Sébastien et, euh, et, euh, et Gontran. Voilà, je l'aurai un jour, je l'aurai si vous avez l'occasion. Enfin, regardez le teaser de Clément. Enfin, les deux sont formidables. Sébastien et, 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 euh, et Gontran sont absolument formidables dans ce teaser. Je, moi, j'ai biché. C'était formidable. Hum. Je vais pas tarder à y aller, moi aussi. Euh, on va voir du live sur la masturbation de Popol. Bon, euh, je sais pas, je sais hop, 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 Fake up, voilà, la deuxième partie de Fake Up. Oui, le live vendredi soir et dimanche, fin d'après-midi. Gontran H et Sébastien, excellente reprise de Palace, absolument. Voilà. Quand t'es pro chinois francophone, c'est un passage obligé que de se faire bloquer par lui. On peut avoir la rediffusion sur la masturbation de Popol. Euh, y a une masturbation de Popol. Euh... Euh... Tu aurais dû le lancer sur le créationnisme et sa vision du libre arbitre, ça aurait été goulot. Mais je je, je... Si je l'ai réinvité, c'est pas pour rien. <laughs> je vais me faire un plaisir de le lancer là-dessus. Ah, bon. Eh bien, les amis, c'était formidable. Oh, bah, je, je sens que qu'il y a de la fuite parce que j'ai regardé il y a deux minutes, c'était 81, là on est 72. Donc, il y a... Vous comprenez donc qu'on est à la fin et vous désertez tous. C'est un scandale. Bon. Ben, J'espère que ça vous a plu, que vous êtes contents. Moi, j'ai trouvé, je, 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 trouvé ça chouette. Euh, moi, j'ai trouvé ça chouette. J'ai passé un très bon moment. J'espère que c'est votre cas aussi. Je vous remercie de votre présence. Je vous fais des bisous, des câlins, des poutous. Je vous dis au revoir. Je vais couper ce live. Et on se retrouve. Alors, il y a une nouvelle vidéo il y a un nouveau short. De, 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 de Paul Adrien qui est sorti à propos de Noé. Il ne dit pas vraiment de bêtises, il ne dit pas vraiment de mensonges. Donc je, je, je suis un peu moins motivé, je suis un peu moins euh, chaud, je ne sais pas. Peut-être je... peut-être que je vais m'attaquer à un autre truc, une vidéo d'un type, euh, voilà, de Ousmane, euh, Ousmane Tidian, je crois, c'est ça, qui, qui, qui est un personnage assez intéressant. Je voulais vous en parler aujourd'hui, mais je, je vais peut-être faire un petit débunk. Euh, et puis voilà. Et sur ce, je vais vous faire des bisous et puis je vais vous laisser avec ma, 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 ma fameuse valse, voilà, que vous aimez tous tant. Et ça me fait bien du plaisir parce que c'était ma première vraie pièce de piano. Euh, voilà. Donc euh, on se dit au revoir et euh, peut-être mercredi je sortirai quelque chose. Mais sinon, ce serait mercredi prochain avec un nouvel opus de des audios dans le texte. Voilà, normalement. Peut-être un autre sujet. Fait, un... Mais en principe, c'est un odieux dans le texte. Et voilà, on continuera les aventures de Jacob. Ben... Vous n'êtes pas prêts. Bon, prenez soin de vous et profitez de la vie parce que jusqu'à preuve du contraire, on en a qu'une. Ciao.